J'ai commencé le stream, normalement ça doit être bon. Il y a juste eu un petit problème au niveau de l'overlay. Il y a plus le cadre de la caméra. Oh, stinky. Non, ça tue pas, ça tue pas. Je vais juste modifier ça tout de suite. J'ai l'air un peu d'un gogol. Mais bon. D'accord, quoi, il est là. Stinky. Ouais, je pense que je peux faire ça du coup. T'as fait quoi là? Si il me comeback, je vais pas comme. Tu vois le mec qui est là. T'es comme ça. T'es comme ça, toi. Non, je pense. T'avoues que je suis en train de forcer. Allez, voilà. Quoi. Je suis obligé de régler un peu l'overlay, je suis désolé. Ah voilà. Ouais. Ah, ok. Eh ben, il y a des gens qui sont dans le chat déjà. Ah, je vais ouvrir le stream en fait aussi. Ouais. Bon, Yasmat, il serait temps que tu te casses, que tu laisses les pros travailler. Ben non, je vais commenter, non. Non, 3 c'est chaud. Mais à l'aise, en vrai. Non, je rigole. Ah. Je rigole, il a dit. Je rigole, mais c'était un je rigole de juste si j'ai le seum, tu vois. Non, non, c'était vraiment, je rigole. Ouais, Elios Gaming. C'est bon, c'est réglé. Vas-y. Yo Ace, bienvenue à tous. Le tournoi va commencer dans 2 minutes. Le check-in est terminé, je vais pouvoir lancer le tournoi. Il est où Elios Gaming? Ah, mais il est là. J'espère que j'avais des Q. Ah, non, t'es cul pas. Ouais. Comment ça va les gars? Comment ça va les grands potes? Ah bah je vais. Moi je me casse du chat. Et bah pourquoi? Bah parce que vous allez commenter. Ah oui c'est pas faux. Oui c'est parfait. Oui. Mais... Oh c'est bon, ça suffit. Hein. De quoi? Ah oui. Alors. Vas-y. Ah mais faut que tu fasses un tweet avec le lien de. Je vais faire le tweet. Mais j'ai retweeté le truc d'Elios. Et J2, et je vais aller finaliser le bracket d'ici quelques secondes pour ceux qui sont dans le chat. Je vais quand même refaire le tweet. Ne vous inquiétez pas. Normalement, il y a marqué. Ouais, je t'ai même tag dedans. Oui, t'inquiète. Faut changer le titre. Merci. Super Smash Bros Ultimate. Ultimate, et c'est. Webspell X. Elios. Elios. Gaming. 2. DS2. Dieu Fit. Oh là, ça fait un... Est-ce que les gens ils m'entendent dans le chat? Bien sûr qu'ils t'entendent. Yo Doki, yo Yasmat dans le chat. Oui mais... Doki, ton set, c'est le premier... ton premier set, il est on stream, directement contre Neo Chronos. Je vous préviens. Allez, bienvenue pour le tournoi Team Fight Tactics. Ouais, je suis en train de changer ça. C'est bon. On a tout changé. Je vais finaliser le bracket. Virer les gens qui n'ont pas de check-in parce que on n'a pas votre temps. Démarrer le bracket. Et bim, le bracket a démarré. Je vais donc aller dans bracket public et je vais configurer les sets on stream. Vous avez le bracket normalement qui est lancé, vous allez pouvoir lancer vos matchs. Et non, le bracket a été changé. Le bracket a été changé. Ah, il n'y a pas de point d'exclamation bracket. Du coup, je vais prendre. Oui, non, il n'y a pas de point d'exclamation bracket. Je vais mettre. Est-ce que tu peux envoyer le lien dans le chat s'il te plaît? Bien sûr. Et on va prendre un stream. Je suis en train de regarder ce qui peut être intéressant à prendre. Je pense qu'on va prendre. Alors, c'est toi qui choisis?
Ouais. Ah ouais, Je pense qu'on va prendre Irnel. Si Irnel est dans le chat. Est-ce qu'Irnel est dans le chat, s'il vous plaît? Alors, Sinon. je vais envoyer la braquette sur le stream, comme ça vous voyez. Mais je suis chaud! Du coup, je vais prendre. Là, je vais faire télé, gaming FR, enregistrer un poste. Là, on est là. Ah, mais tu sais déjà qui tu vas streamer alors dans le round one. Bah, ouais, c'est Irnel, je suis en train de DM Irnel. Allez, Irnel contre Galaxy. Ouais. Ah, on a Mescol qui est là. Mescol dans le chat, yo Mescol. Non, non, je parlais du bracket, mais. Mescol est dans le bracket. Mais si Mescol est dans le chat, salut à toi mec. Je suis pas Voilà, y a, chanceux. mais quand même, il y a du nom, y a des noms, hein. Y a Nightoro, il y a Tigers. Alors, je vois GDM. qu'il y a des matchs qu'ils ont déjà lancés. Wador a lancé son match, Ontos a lancé son match. Ouais, le bracket est là. Il n'y a pas de point d'exclamation bracket. On le met directement dans Mais ne le vous inquiétez pas, chat. moi, je vais le partager au fur et à mesure. GDM Irnel en espérant qu'ils ne lancent pas leur match tout de suite parce qu'ils ont l'air grave déterminés. Je pense pas, hein. Est-ce que quelqu'un. Bah, ils ont Alors. déjà lancé leur set, hein. Ils sont archi déter. Au pire, tu peux balancer Doki Bozia directement, c'est le premier match, hein. Ouais, mais j'ai déjà lancé le j'ai dit que je lançais le set et tout. Est-ce que je peux parler dans le chat avec eux? Normalement, t'es modo, donc oui, c'était modo du bail, oui. À 13 personnes déjà. Regarde dans le chat, t'as fait un petit salam, t'as fait un petit coucou là. Vous êtes là, montrez que vous êtes présents les grands potes. Voilà, ah ben voilà, là un bon compatriote Choto là. C'est bon. Ouais les Merci pour le gars, follow. Je sais. étalon, Ekoz, Kefir, ouais, Yasmat. Yasmat, je dois te casser la figure, mais ça c'est plus tard. Hop là. C'est Ah, qui? ça va Attends, être il faut bien. que je vois qui. Merci Étalon pour le follow. Ah, étalon. L'un des Et patriotes merci. Yo Choto, Lucky, Ekoz. yo Ikoz, yo Étalon, yo tout le monde en fait. Bienvenue. Mais oui! Bienvenue à cette édition du Webspell X Helios Gaming. On va donc avoir Ah! Galaxy. Je vais Galaxy. demander. On va se renseigner un petit peu sur ça, hein. Je dis Irnel J1 SVP et on va pouvoir commencer à rentrer les noms des joueurs. Propriété. Irnel, est-ce qu'il y a un sponsor, Irnel? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le. Est-ce que tu peux me Ouais, dire? sur son Smash GG, la FGS. FGS Tout à fait. Irnel et en J2 on a donc Galaxy qui fait partie d'une team ou pas? Attends, je pense que je me suis trompé. C'est FGS Galaxy, je suis désolé. Je me suis trompé. Et GS ou Irnel. JS? Non, 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 non. Pour. Non, non, Ouais, mais non, non, FG ou pour. JS? G, pour Oui, Galaxy, pour c'est Galaxy, oui, FGS. t'inquiète, j'ai compris. Ouais, ok. Le mec qui commence à me dire non, 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 c'est parce que je t'ai demandé, frère. Je t'ai juste demandé. Donc, J1, Irnel, il est. Je sais qu'il y a un sponsor, Irnel, mais il est chez qui? Il est pas chez Loud. Loud. Loud, c'est ce que j'allais dire. Merci pour le follow, j'arrive tout de suite pour voir c'est qui. On a donc Loud, Irnel contre FGS Galaxy. Alors, on va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu Smash Data. Moi, je suis là, je vais chercher un petit peu les stats parce que on a deux joueurs, mais il faut parler des deux joueurs. Faut Bien sûr. présenter un petit peu les deux joueurs. Irnel de Merci nom, de je vais nous. même pas chercher. Non, non. C'est. Irnel, c'est Ah oui. donc anciennement Sinogara. On va commencer par là. C'est nécessaire que vous le sachiez. C'est juste Sinogara qui a changé de pseudo pour ceux qui ne le savent pas. Je te promets que je savais pas que c'était Et Sinogara. ben voilà, tu sais. Donc Eh il ben y a. maintenant que je Merci sais. Stardust Symbiox pour le follow. Et salut Willy Wonka TV. Voilà. Mais donc c'est bel et bien Sinogara. Nice. Mais C'est. alors parlons.
Bah alors, on va voir, parlons un petit peu de Galaxy, notre pote Galaxy. Galaxy, okay, moi je ne le connais pas du tout. Alors, ça ne me dit rien. Je tape Galaxy, il y a beaucoup de galaxies en fait, et c'est là que c'est très chaud. C'est vrai que je vois pas trop comment, comment y faire, mais à mon avis ça va partir très très vite. Bon, moi s'il y a une chose qu'on peut se souvenir, c'est qu'on connaît Sinogara, bon, Irnel, on va l'appeler Irnel, hein. Ouais. Ça va partir en conversion au ballon. C'est un homme, il sait jouer à ballon, c'est un master du football, ça fait des années qu'il est dedans, vraiment Ronaldo, c'est une lopette à côté, excusez-moi du terme. C'est gratos. Non mais c'est du beau jeu quand même, overall. Là où les gens ont plutôt du mal avec le perso Wi-Fi, je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'il offre avec le perso Sinogara. Mm-hmm. Donc à voir ce que ça, va donner. Ça va être quelque chose, moi je suis quand même curieux de voir ce que Galaxy va nous sortir. Galaxy, c'est un pseudo très courant, donc je ne sais pas à quoi s'attendre. Est-ce que je dois me fier à son icône? Est-ce que je peux te demander de... Pas beaucoup d'infos sur moi. Ah, Galaxy dans le chat. Mais vas-y, mec. C'est comme ça. C'est... Eh ben, ça et sort c'est un parti. Robe. Et on ça y va. Sort un robe. Oh, ça sort un robe. Ça sort un robe. Oui, j'aime bien ça. D'assez inattendu, tu vois. Je voulais me fier à la photo de Samus. Dark Samus, mais on est parti, hein, donc premier match. Ça commence à 0% des deux côtés, on a donc Rob contre Wi-Fi, un Wi-Fi match-up ici présent. Là, je vois pas comment tu vas faire plus que ça. Mais là, il est... Oh, yo, yo, il perd pas pour attendre, la 71-80. Mon dieu, Starfoon, là. Mais il non est venu pour gagner, il est venu pour être qualifié là. Notre pote Irène, il est venu pour qualifier. Là il cherche la... Là il veut plus parler là. Mais c'est ça, c'est ça, c'est comme ça commence. Genre vous êtes invité, imaginez, vous êtes invité chez des gens et tout. Vous faites une petite partie de football et ils vous jettent dans la cage à la place du ballon. Exactement, non c'est genre mec, tu es gardien, tu goal, te tires dessus, tu rentres avec le ballon, tu passes à travers le furet, mais là ça devient très chaud. Bon là maintenant pour l'instant c'est très difficile en tout cas pour Galaxy, il n'a que 36% en ce début de game, là le Kaioken est déjà sorti, la F-Throw qui le met déjà hors du terrain, là ça vraiment, il veut vraiment jouer au ballon, lui c'est un gardien polyvalent. Ah là là, mais c'est quand même, on en parlait en termes de conversion, c'est un perso qui fait pas beaucoup parler de lui, Wi-Fi, mais... Ça a des conversions, mais c'est effrayant. Hein. Genre en Kaioken, tu passes vite en 3-4 coups à 80%. Et là, on a vu. Mais on a vu une tentative hein, par la toupie de follow celle-ci. Donc, mais ça devient encore de plus en plus chaud. Là, 84% et déjà à 133 à la deuxième stock de Galaxy. Ça devient chaud. Ça devient très très chaud. Là, c'est vraiment. Là, il faut être accroché. Hein. Faut avoir des bonnes basques. Si jamais t'es pas accroché, genre t'as déjà perdu. Mentalement, c'est déjà fini. Là, par exemple, la plupart des joueurs ont déjà perdu. Ouais. Ça faisait très très mal. Mais voilà, rien n'est joué. Il faut une stock d'honneur, mon pote. Une stock d'honneur, s'il te plaît. Au moins, tu peux même. Ah, mais là, il est en Kaioken. Hein. À tout moment, la stock elle part à 0%. À tout moment, là, le match est déjà fini. Hein. Regarde, 31. Voilà. 31. Le Rising. Non, alors. Okay. C'est bon, c'était peut-être un peu bourré, mais c'était bien pressenti de la part de Galaxy, le Rob. Ah, il avait aussi faim, ils ont faim tous les deux, et là voilà, donc il avait quand même l'avantage sur toute la game, donc il fallait un moment que ça sorte, mais bon, tout n'est pas encore perdu pour Galaxy, hein. Déjà une stop dans le game, 60%, c'est très difficile. Attention, à tout moment, là un air, un fast fall, oh oui. Et à tout moment ça comeback. J'ai dit quoi? Un gros air à 45, je crois, à 40 et quelques, hein. La stock elle s'est évaporée. Elle est partie très très vite. Bon après Sinogara il est quand même pas l'air déterminé à laisser partir la game. Hein. Je crois qu'il a envie que ça s'arrête là. Il veut vraiment prendre la gagne. Mais là pour l'instant Galaxy qui nous fait un comeback très très sympathique. Hein. Donc malgré la première stock à 0%, hein, on est d'accord que c'était totalement 0 to death là, sur cette première stock. Il s'est pas laissé faire. Et, voilà, c'est un 0 to death. De prendre, donc c'était carrément 0 to death. Tu dis quoi? Un 0 to dead. Non, si. Ça fait la deuxième fois, mec. Tout le monde t'a écouté. Oh. Aïe aïe aïe. Attention parce que là, n'importe quelle option de Wi-Fi va tuer. Une roll out of shield. Oh là, et le fer qui va prendre la stock. Quand même, hein. Premier game. Galaxy, c'est pas mal débrouillé sur cette game. Donc vraiment, attention peut-être à la prochaine game. D'avoir le contrôle dès le début, c'est peut-être le temps d'adaptation. S'il nous dit qu'il nous fait si peu de tournois, c'est peut-être l'adaptation à celui-ci. Mais à l'aise. Tranquille.
deuxième match. Donc c'est 1-0 pour notre ami Hernet et Ex Nogara. Je savais même pas que je t'ai vu, mais maintenant je vais pas lâcher l'affaire. On a donc quelques DQ hein, de ce que j'ai pu comprendre là. Quelques DQ maintenant. Ouais, j'ai cru comprendre que Maxou ne s'est pas présenté en braquette. Et donc DQ, vous... Naitoru Az a été lancé, c'était le match qui me faisait un peu peur, ça avait l'air de traîner depuis un moment. On a Aza qui a DQ et Maxou qui ont ok, on a deux DQ. C'est pas très grave de DQ, donc c'est pas vraiment grave, donc ça peut se faire. Il y a du monde en puis tout ça cas. Fait, ça fait ce qui m'intéresse, c'est Lucky du coup. Qui risque très probablement de tomber contre Ontos et Lucky est un joueur de Fox et Shulk, ce qui est bon à savoir. Ouh, ça c'est bon à savoir donc ça va être du Ontos, match intéressant. Pour le commentaire, Ontos c'est l'expert du Shulk donc je sais pas comment il va s'en sortir en Ditto ou contre Fox, on verra bien. Mais pour l'instant, on revient les yeux sur Irnel et Galaxy. Pote, ça va sur PS2. Le choix de la map, est-ce que c'est bon? Mais je pense que PS2 ça marche pour tout le monde. PS2 en tout cas pour ces deux là. Je suis en train de regarder, je pense qu'après on prendra le match le plus proche des prix, je DM'erai les personnes concernées. 37% sur Irnel déjà, donc déjà, oui. Même si ça ne veut absolument rien dire, on a quand même un neutral qui se maintient un peu plus, 30 secondes, il n'y a eu qu'une ouverture de chaque côté. Plus patient du côté de Rob, moins d'interactions pressées qui lient souvent à ces très très gros pourcents perdus. Et c'est plus clean, le match est plus clean overall, même ouais, si les pourcentages sont toujours pour Irnel. Ça peut partir à n'importe quel moment. Ouh, le damage j'ai senti. Aïe, ouh, là, belle tech de la part de Galaxy. Ah, moi je suis là, on dirait que je regarde un film d'horreur. Ouf, oh, aïe, 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 le rare backer, nature sans aucune sauce. Exactement. Il y est allé directement. Par contre, il lui a mis beaucoup de choses là. Il y a un peu beaucoup de choses en si peu de temps. Oh, et le up smash de Wii Fit, c'est un des moves les plus effrayants du jeu, je trouve. Parlons-en. Le tipper avec les bras, il y a une sorte de tipper avec les bras. Je sais pas si, en tout cas, mais avec les mains là, j'ai l'impression que si ça te tue. On a un clip de Zen Ryuken en Lorraine qui jouait contre Crysis, à Luxembourgeois, et qui a catch un saut au ledge de Palutena et elle a explosé à 35. Le clip est insane. Mais en parlant de Up Smash, voilà qu'il a trouvé une ouverture et qui est en avantage. Mais là, ben voilà, ben bon, on parlait du Up Smash. La stage list, tu l'utilises, il n'y a pas de stage list. C'est directement dans Smash GG que tu fais les bans, Yaz. Ouais, tu fais les bans sur Smash GG. Ah non. Ah, Azaka. Ah, bah en plus, voilà. Aza là, c'est. Tu peux toujours faire le loser ou pas, Aza? Parce que là, je peux faire le loser. Ouais. Si tu peux faire le loser, go, mec. Perds pas. Pas espoir. Hein. Attends. Je vais voir si je peux pas éditer le match Azarian. Reporter, modifier les résultats. Bon, attends, je continue ici à commenter. 0-0, réinitialiser le match. C'est bon, tu peux lancer. Vous pouvez lancer votre match Azarian. J'ai réinitialisé. Quelle bonté, là, ce Jasmine. Le dernier qui a failli passer sur ce coup-là, mais pour même 74% déjà. Du côté de Galaxy, ça peut partir n'importe quel moment. Il suffit que le Kaioken soit activé et là il est en mode je vais te tuer tout de suite. Là ça envoie l'armada, ça tente un backer. Oh yo 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 yo, le up backer a confirmé qu'il aurait pu être très salé si ça avait été un sweet spot. Termine ce match sur deux stocks en faveur de Irnel. Bravo à vous les gars pour ce premier match. Bravo à Galaxy quand même. Hein, GG à lui malgré sa difficulté. Hein. Moi je trouve que ça a été assez propre. Hein, donc c'est juste que. Est-ce que quelqu'un dans le chat a la capacité, excuse-moi, de DM Rehan et de lui dire que son match est relancé, que... Ouais, qui peut lui dire augmenter les gens le son pour équilibrer le vote de voix. C'est ce que ouais, ok, d'accord, ouais, le son de Mamoru est peut-être pas assez fort du coup. Bah, tu stream le son sur OBS. J'ai pensé que c'était à 20h30, désolé. Ok, donc Maxou est là. Je vais juste remettre Maxou. Bien joué à Irnel qui donc gagne son match et éditer match Maxou Lucky. Dur les ballons première fois. Ben oui, mais en même temps tu rencontres le Wi-Fi trainer français. Réinitialiser le match. Tu rencontres le Wi-Fi trainer français donc mais tu t'es pas mal débrouillé j'ai envie de dire. Franchement c'était quand même un match assez intéressant à regarder. C'était bien franchement le match-up était assez fort donc.
Donc voilà, ouf, face. Lucky Ontos. Lucky Ontos, ça parle, ça me parle, ça, Lucky Ontos. Ça parle un petit peu, là. Je suis un peu déçu d'avoir raté deux placements qui auraient entraîné deux teams. Ah, mais le attends, zéro to death, mon frère. Def. Zéro to death. Je dis def. Oh purée. Écoutez, je vous explique une chose. Ça va être simple. Moi, je suis belge. D'accord. Moi, je vais pas me casser la tête. Si j'ai envie de dire non tout septembre, je le dirai. Ah non, mets-toi bien. Par contre, est-ce que quelqu'un a pu DM Rehan dans le chat? Ah, je vais faire comme Yasmin God le dit. Je vais dire zéro à mort. C'est bon. On est en France, on parle français. Rehan, je le trouve pas. Personne ne connaît Rehan? Attendez, je vais juste fermer la porte. Est-ce que tu connais Rehan, le Luigi? Rehan, Luigi, je le connais, mais est-ce que je le DM? Non, je sais pas si je l'ai déjà DM, donc on va regarder ça tout de suite. Et Maxou, Lucky, est-ce que tu es dans le chat? Il faut que tu ailles check-in. Attends, je suis un peu déçu d'avoir raté deux placements qui auraient pu être entraînés deux clips. Alors oui, complètement, Yernel, surtout, ne serait-ce que le Hubby Confirm into Sweet Spot Packer, ça aurait été propre. Attends, je reviens plus, bon. Bah écoute, Lucky, il faut que tu ailles faire ton match contre Maxou, je l'ai remis en winner. Mais ne serait-ce que ça, et il y a eu un truc au Up Smash aussi qui m'a intéressé un peu dans la game, c'est dommage que je ne sois pas connecté. De toute façon, WeFit. Voilà, j'ai fermé. Ça a de la sauce, hein. les gens vont pas être d'accord avec ça. Moi, je trouve que WeFit, ça a une sauce incroyable. Est-ce que t'as DM, Rehan? Alors, en attendant, tous les matchs sont lancés. Hein. Donc, Ontos qui gagne avec Pyra. Ah, elle a sorti là, Pyra aujourd'hui contre. Ace qui a joué Wolf. Trax qui mène 1-0 contre Vilo. Wador et Marik 1-1. Nika et Natruxgaz 0-0. No Chronos 1-0 contre Pichaki. B qui perd pour l'instant. Et dans 0-1. Le match, on note Doki Bozia 1-0 pour Doki. 1-0. C'est important. C'est plutôt important. Et on va choper Mescol on stream après. Totalement. Est-ce que Mescol est dans le chat? Mez. Le nerf dans le ballon, to header spike. Après j'ai raté. Ah ça, ok. Et le header sur Mistake Platform F Smash qui aurait pu passer effectivement. C'est bon, il l'a. C'est impeccable, vous lancez votre match. Lancez votre match, les grands potes. Et voilà, donc c'était Maxou, le Lucky. Maxou, Lucky, pensez à aller check-in. Je sais que Lucky, t'as pas de check-in. Je crois. C'est bon, c'est tout, bon, ils ont check-in. Let's go. On est parti. Je pense que là on est dans une sorte de mini pause. Hein. Je ouais, pense qu'on va récupérer. Parce que. On va récupérer voilà. Mescol, je pense. Je vais aider ouais, Mescol. À mon avis, ça va être sur Mescol après le prochain match. Mais faut qu'on arrive à prendre, tu sais, genre un ou deux matchs de ce round là par exemple. Bah, en fait, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que je ne peux pas DM Mescol. Yasmat est parti le DM. Il peut le DM. Je suis en train de le DM. Sinon, les gars, dans le chat, comment ça se passe votre semaine? Comment ça merci, Mamo. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, il faut toujours prendre des nouvelles des poteaux ici. Donc, alors 48. Comment ça se passe les gars? 179 c'est la reine. Vous êtes chaud, je balance vous êtes chaud. Moi ce soir mercredi c'est j'aime bien le mercredi soir ça coupe la semaine comme ça. Tu sais que c'est la moitié ouais, de la semaine. Moi ça me fait du deux bien. Deux jours avant le week-end tu vois. Et tu viens de check-in impeccable. Donc mes collègues tout ok moi, donc ça va. C'est bon il y a 1-1 Doki Bozia du coup. Et je vais sélectionner le match là et marquer qu'il passe on stream. Alors pour l'instant, Trax qui mène 2. Donc il a gagné 2-0 contre Vilo qu'il a joué. Ganondorf et Puff. On a que du 1-1 quasiment. Hein. Ouais, et là on a carrément du 0-0 Ibike contre Giga. Ça fait 18 minutes que le set dure. À mon avis, ils ont juste oublié alors, de citer les games. On a Trax qui a gagné 2-0 avec Ganondorf et Puff. Il a sorti c'est un. C'est ce peu. Que je viens de dire, ouais. C'est ce que je viens et bah, de dire. Je me suis surpris. Et bah écoute, ça va, et toi, Stardust Symbiox. Très bien, Stardust, très bien, très bien. Tranquille. Neo Chronos qui gagne 2-0 sur Pikachu.
Ouais, avec son cloud, fidèle au poste. Ouais. Ça, il n'y a pas à dire. Donc voilà, la Winner Round 2 commence à se dessiner, les gars. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un match qui va être certainement lancé tout de suite. Et je, ça va être surtout. Je ne vois pas, je vois Wador Marik 1-1, Mika, qui est donc le buzzer. Ouais. Natrox Guy, le Belge, qui en sont à 0-0. Rihanaza qui vient d'être lancé. Max Ouleki qui vient d'être lancé. C'est normal, il y a eu un petit retard. On a Tigers et Chino qui ont terminé, je pense, ici avec 2-0 pour Tigers. Que je ne vois pas d'ailleurs. C'était Joker. Maintenant, ça vient d'être mis à jour. Ok. Ouais, donc là, Joker complété. Alors, dans la loser, ça commence à se dessiner. Donc, il faudra vraiment attendre que les premiers matchs terminent. Et ben voilà, ils sont tous pressés, ils sont chauds, ils sont tous là, ils veulent lancer, ils veulent jouer. Yo à toi, Metera. Bienvenue. Ah, Metera dans le chat. Hello, Metera, ça va ou quoi? Ganon, let's go, c'est grave sympa ça. Ouais, il y a un Ganon qui continue en winner. Il faut savoir que sur Smash 4, Trax était main Ganon. Et Falcon et Ganon, ils ne touchaient même pas à Snake, j'allais dire. Oui, logique, ils n'étaient pas dans le jeu. Mais un joueur que tu vois bien jouer des persos comme ça au final, parce qu'il est très agressif et très imprévisible. Totalement, ouais. Et ça fait du bien de voir ça un peu, des joueurs comme ça. Trax, c'est un joueur dont je suis fan. J'exagère un peu, mais j'aime bien le voir jouer. C'est sympa, c'est agréable à regarder. T'es habitué à voir que des trucs super rationnels et relatifs vis-à-vis du jeu, où c'est que des bonnes options, de la patience et tout. Il s'en fout. Il en a rien à foutre. Il rentre dans le tas constamment. Naetoru qui gagne 2-0 sur Az aussi. Ah, ok. Donc ça commence à se dessiner. Donc là, ça commence à se dessiner. Là, on a presque tous les matchs en... Donc on a tous les premiers joueurs en winner round 2 qui sont présents. Et ça va, petit à petit, ça commence à être lancé. Donc, à part Mescol, est-ce que tu comptes streamer un autre match ici en winner round 2? Je suis en train d'y réfléchir. Je pense que j'aurai peut-être le temps. Je vais voir selon comment ça se passe. Je DM'erai les joueurs en question si jamais c'est nécessaire. Il n'y a pas de souci. Ça va la forme. Bah écoute, nous ça va, Metera. Nous on est bien, tranquille, hein, merci. On est content, on est là. C'est trop chaud, mon dieu. Ouais, franchement. Être à la troisième personne d'un tournoi, c'est trop bien. Moi ce qui me hyperait, ce serait une winner finale en Dito Ridley et Yasmat contre Mescol. Ce serait incroyable. Ça serait chaud. Incroyable. Ça, c'est tendu, hein, parce qu'il y a quand même des gros clients sur leur route aux deux. Hein, mais, Ah oui, bien sûr. Il y a des clients sur la route, donc. Faut savoir aussi qu'il y a. On va pas sous-estimer tous les joueurs qui sont présents. Ça peut arriver à n'importe quel moment, quelque chose, un upset, tout peut t'arriver. C'est ça. Et on est là pour ça justement. On a donc Doki Boshia qui va bientôt se terminer. Le gagnant va arriver contre Mescol. Je lui ai envoyé un DM à Mescol, il ne m'a pas répondu. Je pense qu'il doit faire gaffe à ce match GG avant tout. Donc je vais devoir attendre que le match se termine. Si je tombe contre Mes, ça m'étonnerait que je tente le dit. Il est vrai. Donc, J'aurais trouvé ça drôle. Yasmat, enfin, es-tu un homme ou non? Forceur. Non, Yasmat, il a, tu sais, il a une poche avec plein de Pokéballs. Et toutes ces Pokéballs, il y a plusieurs persos dedans. T'as une plante, t'as un Mewtwo, t'as un Metanite, t'as un Terry, t'as une Minmin. Vraiment, c'est le dresseur Pokémon. L'image du dresseur Pokémon, en fait. Ouais, je suis un homme et ça partira sur un Power Geyser. Il a tellement raison de me remballer comme ça. Bonsoir Namael Gaming. Salut à toi Namael Gaming. Ça doit être y a pas un joueur qui s'appelle Namael? Ou une joueuse qui s'appelle Namael? Ça me dit quelque chose. Oui. Ça doit être un joueur qui s'appelle Namael. Attends, parce que si Yasmat réagit, c'est que vous connaissez les grands potes. Vous connaissez. Moi ça me dit quelque chose Namael. Ah, il y a déjà un match en winner en deux qui est déjà. Mais Namael, c'est pas la pote à Yasmat avec qui on a joué Apex la dernière fois là? Attends, j'ai un. C'est celle avec qui on a fait du Apex, c'est ça, exactement. Et en plus, ça me remplace, allez. Donc, si je suis pas là, on trouve quelqu'un d'autre. Bah, mec, si je suis pas là, vous avez déjà joué sans moi aussi. Non. C'est vrai? Je te promets. Menteur. Je te jure. Moi, tu en tout cas, non. Je te le jure. On a donc 1-1, Bosia Doki, je suis trop excitoire de comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a Trax et Wador qui peuvent déjà s'affronter. Hein. Trax et Wador qui peuvent déjà s'affronter. Bah, le totalement truc c'est que j'ai déjà sélectionné le match là et puis ça fait 20 minutes qu'ils sont en train de jouer. À mon avis, c'est bientôt fini déjà de Kibosia. Oui, donc mais eux ils peuvent déjà jouer. Ils peuvent déjà jouer. Trax Wador, ils ont déjà commencé d'ailleurs.
Track sonore du Kirby Puff, t'imagines. Ouf. Combat de ballon. Balloon Fight. Et Naitoru Kimoru aussi. Qui. Alors Kimoru. Ouf. Little Mac. Oh yo 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 yo. Little Mac Pichu. Little Mac Pichu, c'est un match-up que j'appelle les match-up Dark Souls. C'est-à-dire que. Genre, tu dois mettre plein de petits coups et lui casser les couilles pour gagner, mais si tu prends 3 coups, t'es mort. C'est ça. C'est clairement ça, mais il suffit que voilà un F smash sur un air et que le l'armor, la mini armor de Little Mac fait le taf, mec. Ça aurait pu être un match qu'on aurait pu diffuser en fait. Ça aurait pu être un match qu'on aurait pu diffuser. De qui Bozia là, ils en sont à 22 minutes Bozia, de 7. Pourtant, voilà, donc Trax Wador, No Chronos qui attend impatiemment le match entre Mika et notre Vien, ça fait déjà 18 minutes. On tose pareil, donc il y a Maxou Lucky qui ont commencé tardivement. Oka qui rode, c'est 1-1 et ça dure déjà 20. Ah, mais Hubby en loser, je viens de réaliser qui a perdu contre le Little Mac. Meurou, mais oui, c'est Hubby qui a perdu contre. Oh la vache! D'ailleurs, il y a Az et Hubby qui ont déjà commencé leur match en. Ouais, le pauvre Az. Et il y a Vilain Maric qui peuvent d'ores et déjà commencer leur match en loser. Donc la loser bracket, n'hésitez pas à lancer vos matchs. Qui a gagné Bozia? Ah, c'est Doki qui a gagné du coup. Éditer match, je vais parler dans le chat. Et Young Link, on a Young Link qui va affronter justement le Ridley de Mescol. Si Mescol veut bien se donner la peine de venir au bureau. Je leur ai donné. Je leur ai donné l'adresse du stream. Là, ça va être. Mescol Doki, oh là 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 là. Alors, on a aussi. Alors, donc Tigers et Ibiki. Ok, donc. Ibiki, c'est oufette. Ouais, Ibiki. 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 Alors, Mescol ouais. Qui est. Chez. Chez Red Bloods, non? RB, ouais. Et Doki qui est chez Doki. Doki, seul Doki. Petite histoire. Mescol, comment ça s'écrit déjà? Putain, j'ai un. Ah, mais je l'ai devant moi, c'est AUL. Je suis trop bête. Okay. Red Blood Mescol et joueur 2. Alors, Doki, qui est donc un main Young Link, qui est le petit frère de Adenine. Très important à savoir. Ah! D'accord. Donc, Adenine, le joueur de Pichu, pas Lupina. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah, donc, Doki qui est déjà sur la scène. Doki qui est prêt à en découdre. Ah bah il aime bien. Est-ce que Doki va choquer un petit peu le bazar? Est-ce que c'est un mec à highlight un peu. Il aime bien clipper. Est-ce que c'est le moment de clipper face à Mescol? En fait c'est deux persos en fait. Non c'est plutôt deux joueurs qu'ils aiment bien justement foutre le bordel. Et vraiment pour lâcher le plus de clips. Donc je pense que ça va soit partir sur quelque chose de. Moi ça m'intéresse. Ah mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le Mescol? Mescol, j'ai un SVP. Comme ça, tout est bon et on est reparti. Allez, les gars, c'est cool. Ouais, mais Red Bloods, t'inquiète, j'ai mis Red Bloods, Meta. D'ailleurs, si à un moment, Mamoru, tu voudras faire une pause, je peux proposer à des gens de la FCF de venir caster. Ah, moi je suis trop chaud, non, moi je suis trop chaud. Ok, j'ai rien dit. Moi j'ai dit, écoutez, maman, ma soeur, j'ai dit, maman, je vais aller. Je suis occupé, je vais cast, pas me déranger. Je réserve la soirée juste pour cast. Ah, je suis trop chaud ce soir. Je suis trop chaud. Dédicace à la FCF aussi. Je sais que vous faites du bon boulot. Vous avez entendu, c'est cool hein. C'est du bon boulot. Je regarde de loin mais je suis quand même de près. Donc Doki Mescol, aïe, ça me hype parce que nous, faut savoir que on l'a vu grandir le petit Doki, tu vois. C'est le petit frère d'Adonai, on l'a pas vu grandir. Ça fait pas longtemps qu'il vient, ça fait depuis il a commencé après à vraiment venir pendant la période entre les deux. Entre les deux confinements. Ouais. Et il a commencé à faire des perfs chez nous plutôt décentes. Hein. Son pic, ça a été. Très récemment, il y a eu un tournoi des 4 ans des weeklies de Nancy. Ouais. Et il a fini 4ème derrière Ismaël, Otakuni, moi dans l'ordre. D'accord. Ouais, non, il a battu chez nous Kingdo, Thorin, qui est des joueurs comme ça. Mm-hmm. Donc, non, on en attend beaucoup de ce joueur. Je regarde, hein, je vois qu'il y a eu. Ah bah ouais, il y a eu pas mal de perfs. Il est très correct. Et,
Et ben là, ça démarre, ça démarre. Ça va être très très, ça va être très très intéressant à regarder parce que. Ah, je vois que t'as joué contre lui aussi, hein, donc. Ouais, j'ai joué plusieurs fois contre Doki, moi, offline. Il m'a déjà amené Game 5. Alors, c'est parti. Ça va sur PS2. Là, ça va se fight. On commence déjà le zooming des deux côtés. Bon, Wang n'était pas encore revenu, mais c'est pas fini. Oh là 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 là, il a compris qu'il jouait en ligne. Il a compris qu'il jouait en ligne. Mais là, son déplacement, il est très très intéressant. Mais le side B qui a sûrement trouvé une opportunité. Oh, yo, 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 yo. Ah non, il y en avait un qui allait partir, Ces options qu'il a sur le shield de Ki, ça m'a... J'adore Young Link. Il faut savoir que, autant je déteste jouer contre le perso, mais je trouve que Young Link, ça a vraiment trop de sauce. C'est incroyable comme personnage. Comme personnage. C'est vraiment l'un des persos que je vois peu. Allez, le dernier Young Link que j'ai vu. Le joueur qui joue le... Ouf là, le pic est un peu dangereux là. Le pic est un peu... Bolzy pour... je sais pas ce qu'il a voulu tenter de faire. Ou bien alors c'est peut-être un missile coup, mais... C'est reparti, il a repris le neutral. Aïe aïe aïe. Le frère qui a trouvé quelque chose. Donc on drop la bombe. Maintenant ça va rester sur le shield. Putain, c'est covering d'options, mais c'est incroyable comment il cover bien les options. Hein. Ça me sidère. Hein. Genre pour un mec qui joue depuis. Qui joue quand même pas tant que ça au jeu et qui joue depuis pas longtemps. Il arrive quand même pour l'instant à plutôt bien tenir tête à Mescol. Bon, après il va y avoir l'adaptation et c'est là que Mescol va pouvoir prouver que c'est un très bon joueur. Et c'est là qu'on en venait. Et le smash qui a trouvé l'opportunité d'enlever la première stock. Un air ici une fois. Pardon. Ah ouais, un air une fois. Comment pas la pêche dit. Mais une flèche une fois. Une autre flèche une fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette carabine. Mais il craque pas. Il craque. Bah, il fait un peu plus de flèche in. Ce que je suis pas forcément d'accord avec. À mon avis, genre quand tu joues Young Link avec le pesta qu'il a fait au début, si tu te mets à être agressif, ça ne va pas du tout s'arranger. Un Ridley, il a le lead, il reste dans son coin. Exactement, justement, vu que là, Mez il a un lead assez tranquille pour l'instant. Donc, c'est pas la meilleure option, je trouve, pour essayer de. Mais ici, donc, ça zone de côté quand même. Il continue à rejouer. Il continue à rejouer comme il a joué au début ici. Et s'il faut attendre toute la game, il le fera, je crois, y a pas de soucis. Ah oui, non, mais c'est clair. Un autre F-Smash, ok, le Dante. Mais il space. Oh non. Ah, la Miss Input. Oh, non, ça va. Ça aurait pu être très très punitif. Ouais, ça tue. Et c'est ça, un très gros confirmation chez Young Link, ça. Par contre, là, attention, une roll inattentive et tu peux perdre ta stock à 80 contre un Ridley, ça fait très mal. Ouais, si tu parles du F-Smash de Ridley, je suis. C'est quasiment le meilleur. C'est potentiellement le meilleur F-Smash du jeu, peut-être pas, mais il est excellent quand même. Le truc a une frame data incroyable, il tue très très tôt. Enfin, pas en termes de lag, mais il a. Il a foncé dans ce backer. Mais il a quand même esquivé. Ouais. Non, là c'était propre, c'était une bonne cover. Comment tu fais tech online ? C'est normal, mon frère, comment tu fais tech online ? Ouais, il a bien cover l'option après, c'est très propre de sa part. Oh là 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 ! Oh là là, double nerf ! Ah, mais non, il a pas tech. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il pressure pas assez. Il arrive pas assez à pressure. Mescol, et ça change beaucoup de choses parce que là Mescol, si tu lui laisses son espace avec dans ce match-up là, genre ok d'accord il est gros, il peut prendre des flèches, mais oh il a tenté une dinguerie là. Mais en même temps ses animations à Ridley, ça porte à ça confusion. Je dis ça par expérience en jouant en Shoto, ça porte vraiment confusion. Mais là voilà, le packer qui a trouvé quelque chose, hop, encore un. Non, pas tout à fait. Et merci Galaxy pour le follow. Aïe aïe aïe. Bon là la première game elle a l'air plutôt compliquée. Ok d'accord, ça fait ça. Non, ça va bon. Oh yeah, yeah, yeah. Il est trop chaud, il est trop chaud. Il a prévu tout ça depuis le début. Oh. Oh là là. Aïe aïe aïe. Attention la dash attack, life tilt ou la dash attack. Je m'attendais à une dash attack personnellement. Clip ça, mais oui. Mais Echo, tu peux clip, hein. Mets-toi bien, clip ça. Et merci. Ah ça pour le follow qui n'avait pas encore suivi Elos Gaming. Je rigole. Suivez Elos Gaming. C'est une blague. Du coup, on a tous les jours de différents jeux, les gars. Il y a un gros planning. Du coup, on a aujourd'hui c'est 1-0 pour Mescol. Pour Mescol, c'est ça, ouais. Et Naitoru qui passe en winner card, 2-0. Donc ça a été, ça a été sûrement un match là. Little Mac, purée, Little Mac. Aza qui gagne contre Rian 2-1. Aza qui s'était fait des kills et qui bat Rian.
C'est propre, hein. GG Aza. Lucario. Alors là, les Luigi sont partis. Les Luigi sont en loser. Ça devient très très chaud. Ça devient très chaud. Mais bien vu Aza. En tout cas, Lucario, pas mal. Et du coup, là, donc, il y aura. Le match a été lancé entre Irnel et Aza. Tigers qui est toujours 0-0. Yasmatgot et Oka, ils ont lancé depuis 2 minutes. Maxon pose pareil. Et Trax qui mène contre Wador 1-0. Et Mika qui a battu notre jeu et qui est bien lancé avec Neo Chronos. Et les matchs de loser aussi. Et lancés. Du coup, le match d'après, on aura Aza contre Irnel. Aza Irnel. Ouais, on aura Aza Irnel on stream. Je vais le signaler. Hop. Ah, j'ai enregistré un post. Et on a Irnel, mais on a envie de voir quand même Aza qui a fait quelque chose de propre en tout cas. Je vois que il a un upset. On peut dire que c'est un upset. C'est un upset, hein. Rian Aza. Aza Sylvain, Rian Sid 13, c'est un upset. Ah, le score. By the... Ah, mais c'est déjà mis le score. C'est déjà mis, je viens de le mettre à l'instant. C'est déjà mis le score, bien vu. Merci, cause. Technicien de l'ombre. Aïe, aïe. Oh lolololololol. Il y avait un regarde, tu vois, flèche nerf, et ça marche. Oh, c'est dommage qu'il pouvait ça pas sortir bien. Le boomerang là derrière ça. Il peut prendre très très cher. Et il a pris très très cher. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, de toute façon, avec Ridley. C'est, il suffit d'une ouverture et t'es foutu, quoi. Tentative de boomerang. Vraiment quelque chose de très dangereux. Oh là là! Oh là là! Non, c'est, non, il est ça pas tuera pas, mais se confirme, mais incroyable. Aïe. Encore, ça vous pouvez clipper, hein. Ça vous pouvez encore clipper, hein. Non, par contre, il se hâte un petit peu trop dans son désavantage. Donc il se retrouve trop facilement dans des situations qui pourrait éviter. C'est un peu dommage, je trouve. N'empêche, mais c'est le premier replay que je vois qui couvre. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y a? Les conversions avec ce perso. Quand je parle ding ding. A chaque fois que tu dis quelque chose, il se passe un truc, tu veux pas reparler? Alors, donc je disais. J'arrête de parler parce que sinon. Ouais. Sinon, on va arrêter tout ça, mais pour l'instant, donc c'est au niveau des chiffres, on peut dire que Mesco a un petit avantage, mais Woodstock, ça peut partir n'importe quel moment des deux côtés. Deux choses. Ça tente de couvrir ici en let's trap avec le nerf. Le tilt. Il cover trop bien. Smash, il cover trop bien les landings. Il a trop couvert, il a trop cover toute la, le stage. Vraiment, il a empêché Doki de retrouver son neutral. Oh là là. Oh, puis c'est le premier tomahawk de la game. Il y a encore quelque chose. Dans le tilt, le fer, non. Oh, il a tenté de lui mettre une grosse dinguerie. Et là, c'est le moment où Doki, il doit en profiter. Si jamais il en profite pas, là maintenant, le c'était fini. Genre, il a essayé de te mettre tout ce que tu mérites. Genre, là, c'est le moment, il faut que tu te venges. Hein. C'est le moment là. Là, tu dois saisir l'opportunité. Mais Mescott, je sais que lui, il couvre les options. Il couvre les options que. Ouais, c'est en termes de. C'est oh ouais, pas fini. C'est pas encore fini. Alors, ça prend justement de l'estrap avec le neutral du monde. Donc là, c'est Mescott qui se met tout seul dans le coin et c'est revenu dans le neutral. Voilà, chacun sa plateforme. Oh, le neutral air de Ridley qui va. C'est vraiment. Tu peux pas essayer de space. Oh la vache! C'était trop. GG. Trop resté. C'est dommage. Ça se sentait. Donc, très très dommage. Mais très très bien joué de la part de Doki. Et bravo à Mesco qui passe au winner round 3. Donc ça va affronter au winner round 3 Naitoru. Naitoru Mesco. Et c'est. Ça balance. Et bravo à Doki pour ce match. Hein. On a vu quelque chose, on a vu un Yongling. Qu'est-ce que ça peut regarder? Voilà, Irnel, lui, il est là, il était hors du ring, il dit c'est à mon tour, je peux venir. J'ai chaud, hein. Tu rentres. J'ai chaud. Tu peux rentrer. Tu peux, ça va, Jazz? Ouais, ça va. C'était ton Dax, hein. Bois de l'eau, mon pote. Bois de l'eau. Oh là là. Et donc, on a. Il me manque l'époque où j'étais outsider. Toi, il faut te calmer. C'est qui c'est C'est Mescol. Il parle trop. il faut qu'on te calme ici. Il parle trop. Non, mais il est très fort. Il est très fort. On va pas se mentir. Genre là. Il est très fort. Il démérite pas. Là où Doki a été très bon dans ses conversions et tout machin. Et quand il avait pas quand c'était à Evenstock, il s'en sortait très très bien. Il s'est fait complètement déborder pour le reste. Hein. Et Doki, dans le chat, bravo mec, toi aussi. Hein. Ouais, bravo Doki. Hein, t'inquiète pas que vous avez eu vos clips. Hein.
T'as eu ton clip, hein, et il l'a dit dès le début, il la colle, hein. Il a un avantage. C'est ah ouais, non, mais franchement, franchement, là, mais on a eu, donc l'avantage, on a eu les mix-up avec Doki qui a été excellent dans ses mix-up et tout machin, face à au covering de Mescal, mais qui est impérial. C'est quand même une dinguerie. Il cover tous les landings. Moi, genre, je suis un mec, j'ai du mal à l'end. Crow, ça me ferait trop peur, genre. Il a cover tous les landings. À chaque fois, il faisait une nouvelle option. Doki, et à chaque fois, il se prenait le cover du landing. C'était incroyable. Clairement, clairement. Alors Mescal Naitoru, vous pouvez le faire off-stream. Juste après, vous arrivez en top 8. Donc, après ça, vous bougez plus. Vous attendez parce qu'on va faire tout le top 8 on-stream. Enfin, pas tout le top 8, on va faire tous les losers, les winners semi, la winner finale, grande finale, loser finale, loser semi, loser quarters. Ce sera on-stream. Si on peut. Sinon, ce sera loser semi on-stream. Mais les BO5 commencent à partir des semi, des winners semi et des loser quarters. Exactement. Donc, au top 8, on bouge plus. Donc, allez-y. Les gars. Oh, yeah, yeah, yeah. Regardez, t'as à peine expliqué, il y a déjà 88%. Après, ça met bien Lucario. Et Lucario, moi, je trouve personnellement que Lucario, c'est un perso trop sous-estimé. Pour moi, Lucario, c'est trop sous-estimé. Et surtout, avec les désavantages de celui-ci, c'est rouge. Eh, mais attention, il faut savoir que Aza, il a deux formes. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Aza, il a la forme de début de stock, où il bourre. Et il a la forme de fin de stock, où ça devient le plus gros campeur de France. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Ah bon, bon. Et comme tu vois là, comme tu vois, regarde. Oh Aza qui a le lead sur Sinogara, sur Irnel, pardon, non, sur cette game. C'est pas vrai, mais je vous ai dit là. Et si c'est quoi là? Si c'est Vegeta Blue contre Super Saiyan God, mais c'est bon. Oh là 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 là. J'avoue que c'est Vegeta Blue contre Super Saiyan God. En vrai, de ouf. Mais je te jure, mais là on est parti, on est reparti au début. Donc Laura qui finalement va se remettre dans la poche en attendant. Donc... C'est, ah, okay, quand même, là... c'est quand même. Oh, mais. Oh, il a tenté de read. En vrai, là, c'était pas forcément mauvais la tentative de read sur la takeaway. Seulement, ça se sentait qu'il allait plus good pour un truc in. Okay. C'est dommage qu'il ait pas tapé là. Oh là 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 là. Qu'est-ce oh. Qu'il passe. Oh. Ok, non, mais je suis encore dedans. Je suis encore dedans. Je suis encore dedans, moi. Je suis encore dedans. Et pour l'instant, c'est 92% du côté de Aza. Aïe aïe aïe, si je... Oh purée, qu'est-ce que t'as raté, mec? Il s'est passé quoi? Le downer qui est passé, mais je ne sais. Le rebond de la balle sur le ledge, into le downer, c'est un truc de malade. Pour l'instant, c'est un avantage au niveau de la stock pour Irnel. Je commente, écoutez, c'est du ASMR. 99% du côté d'Irnel, 83% dernière stock du côté de Aza, donc l'avantage de la stock du côté d'Irnel. Regarde, je fais le bruit de moelleau. Et après, ça tente à donner sur la recovery, en tout cas de... Merci Schmichrome, t'as vu, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. En fait, j'ai été kick. Voilà, du coup, on sait que c'est fin de stock sur la dernière stock pour Aza et que Irnel est... Ouais, Irnel, alors, Aza, 150% dernier stock, Shadow Ball qui éjecte donc Irnel, donc il a sa dernière stock, comme ça vous savez, ASMR, tu vois, vous savez, je vais faire le bruit du... Oh, ok, il est arrivé, Kaioken, j'arrive dans le coin, F3, c'est fini. Ah, 1-0 pour Irnel, du coup. Exactement, 1-0 pour Irnel, j'allais faire du coup, le bruit je n'ai pas besoin Kaioken. De changer... Donc c'est 1-0 pour Irnel, les gars, et de rien pour l'ASMR. Oh là là, comment ça se fait que t'as eu un problème comme ça? C'est pas normal. De rien, les gars. C'est déjà arrivé la dernière fois, mais c'est pas à cause de Mako, parce que à chaque fois je fais des speed tests, là j'ai 1 giga de coup en montée en download, là. Alors que... Ouais, c'est bon. Pour rappel, je suis belge, hein. 1 giga de download, ça existe pas chez nous. Ça existe pas du tout. Non, c'est juste que ça peut arriver, des fois je peux pas voir la fin d'un match. C'est pas grave, hein. Donc Mescal Naitoru qui a été lancé en winner quarters. Aïe aïe aïe, Maxou qui a battu Ontos 2-0. Et Maxou a joué bellement contre Pyra et Shulk. Donc Ontos qui passe en loser.
récupère son user, donc il attend le match entre Galaxy et Rian. Ouh là là, ça va être très très chaud pour Anthos. Mika qui mène pour, contre Neo Kronos 1-0. Yasmat et Oka 1-0 pour Yasmat, Tigers et Bouquet 1-0 pour Tigers. Et on est reparti ici. Déjà 15% du côté de Super Saiyan God Irnel face à Vegeta Blue Asa. Vegeta Blue Asa, formaté. Asa formaté Vegeta Blue. Format de Super Saiyan Royal parce que c'est vraiment. On remarque ici tout de suite Asa qui est quand même très bon au début des games. Hein. Genre il a un early game qui est très bon. Et pourtant il a pas l'aura. Là il a pas l'aura donc. Pas trop mal en tout cas pour ce premier stock, mais voilà le Kaioken qui s'enfuit, le petit qui trouve quelque chose. Oh, ça aurait pu passer ça. De l'autre côté, ça aurait dû faire quelque chose de mal. Le F-Til, le ballon, et voilà, ça on commence. Oh, il passe au-dessus. Ça commence à envoyer l'artillerie. Pourquoi une forward throw? Ouais, la F-throw, c'est peut-être. Ça aurait pu être une back throw sur ce coup-là. Voilà, Laura qui monte justement. Là, on voit que ça s'énerve du côté d'un Saiyajin. Vous le savez, plus ça se fait casser la figure, plus il devient plus fort. Et c'est tu ça, le vois ici, tu le vois ici, revenu. Oh la vache, il fait des commits sur ses tâches graves, Irnel, c'est quand même une dinguerie. Ouais, c'est très attention à ça. Le back air. Ok, mais c'est, ce qui est bien, c'est que Asa, lui, il sort vraiment. Oh! Ouf! Dommage que ça passe chop. Là, il aurait peut-être dû faire son strap de plus près. Asa qui fait quand même attention. Majoritairement au ballon de Wifit. Oh, ça va tuer ça! Ah oui, c'est prioritaire, je suis désolé, mais priorité de Laura, priorité de droite, mon frère. C'est lui d'abord! C'est lui d'abord et 170%, c'est. Eh ben voilà, je parle et ça perd la stock, j'en ai marre. Lucario qui est redevenu faible, qui est revenu au niveau 1, donc ça part à 0-0, 33% déjà du côté de Asa. Ouf, oh purée! Là, le follow-up avec le Side B, il aurait pu faire quelque chose. Alors. Je respire. Et je repars. Aïe. Ah non, ça y est, le SSJ Blue est paré. Laura est là. Ça peut vraiment partir hein, pour Irina. Ça peut vraiment partir. 47%, c'est pas si safe que ça. Hein. Malgré qu'il y a 122% des deux côtés. La F-Tro qui va aboutir sur quelque chose, peut-être non. Et vraiment, Asa qui esquive presque, hein, presque toutes les balles. Ça aurait pu faire mal, Bien vu là, l'air dodge. Oh bah là par contre, un Lucario à 162, il passe son meilleur temps. Ah oui, là il part, là c'est. Avantage Lucario. Là il est en train de se prendre. C'est vraiment pas le moment de se prendre des ballons. Alors que t'as tout esquivé presque, tout. C'est pas le moment de prendre des ballons en tout cas, mais Irnel lui. Attention là, ça fait tellement peur à 203. 203%, je pense que un F-Smash ça enlève pas une mais deux stocks en même temps. Je crois. Ouais, bon, il est mort là. Non, là il est mort, là ici donc ça va être. Mais il reste quand même. Il garde quand même une certaine partie de l'aura avec l'avantage stock, je pense. Hein. L'avantage stock, ouais, ok, j'ai mal compris. Ouais, c'est ça que je voulais dire, l'avantage stock de la part d'Irnel. Donc je pense qu'avec le stock en moins, il garde quand même un semblant d'aura, tu vois, jusqu'à ce que. Oh, c'est dommage, j'ai cru qu'il avait ride au back air là. Yo, Natrox, qu'est-ce qui s'est passé? T'as joué quand même contre Mika, hein, mon pote. Donc, Oh, y'a le nerf up smash. Il nous a fait. Ok, le pote, il nous a fait une Kakashi, il nous a fait Milan de. Ok. Là, il nous a fait Milan de souffrance. On est donc la stock là-dessus sur la deuxième game. La première a été gagnée par Irnel. C'est complètement. Oh bah, c'est fini. Voilà. toutes les balles à cette situation de let's trap de la part d'Irnel ont été esquivées. Pourquoi cette dernière balle il la ramasse? Pourquoi Asa? Pourquoi? Please. Oh. Et du coup, on va récupérer on stream. T'es prêt? Exactement. Trax contre Mika. Est-ce qu'ils ont déjà lancé leur match hein, je vois, mais est-ce que je les ai DM avant, ouais. Parfait. Est-ce que ça va être Trax qui prend des personnes? Regarde, Trax il est passé de Ganon à Puff à Kirby Donkey Kong. Donc il a fait 2-1 contre Wador. Là, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Est-ce qu'il va vraiment jouer son Snake contre Bowser? Ou alors est-ce qu'il va faire quelque chose de. Il va prendre un pic qui le fait kiffer, quoi. Qui le fait vraiment kiffer. En tout cas, qu'est-ce que ça dit en loser? On va regarder ça tout de suite.
Est-ce que Alors, tu peux me dire si Trax il a un sponsor ou quelque chose comme ça? Je vois juste Trax. Enfin, pour moi, je vois juste Trax. Ok. Et bah, ok. En tout cas, sur le Smash GG, je vois Trax. Après, si Trax a vraiment un sponsor, qu'on me le fait savoir. Je ne pense bien pas. Joueuse, bien joué, Aza. Ouais, tu t'es défendu, Aza. Hein. C'était très sympa de voir un Lucario comme ça. Vraiment bien, bien joué. C'était assez surprenant. Natrox, tu fais quelque chose en loser. Hein. Fais quelque chose en loser. Ah, cette chose, ça, cette chose, les Belges entre eux. GG à Yernel encore. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Ubby qui passe. Qui joue contre Wador en loser round 2, Rehan qui passe aussi et qui va se taper Onthos en loser round 2, donc Galaxy et Az donc éliminé. Chino, oh attention, on a Onthos contre Rehan en loser, 1-0 pour Rehan. Allez Onthos mon pote, là je tire la Belgique parce que Onthos c'est vraiment quelqu'un qui a une place, hein. Moi je trouve en Belgique hein, qui est bon, hein, qui est très très bon même. Hein. Et voilà, donc je pense que là il est en train de se faire un kiff pour, en jouant Pyra. Là il a joué full Pyra. Mais voilà, donc là je pense qu'il va pas rigoler, il va sortir son Schluck. Son Schluck. Et ça, ben, ça part sur Puff. Ouais, ils sont des terres. Ah, mais ça part sur Puff. Mais Trax, il faut savoir qu'il est très bon avec les personnages. C'est fou, hein, mais c'est un peu un Yas du Luxembourg. Exactement, c'est ça que je voulais dire. T'as très bien joué. Ben voilà. Très, ça c'est bien, tu vois. J'aime bien le fair play de la part de moi-même. Donc c'est ça que j'aime bien. Ben, je mets finalement déjà 61% du côté de Lika. Ok, le neutre Lika. Bien sûr, oui, il a bien joué à Aza, hein, pour un mec qui est inconnu au bataillon. Nous on le connaît parce qu'il est de notre région, mais. C'est un mec inconnu au bataillon, je trouve qu'il s'est très bien défendu, hein. Prendre une win sur Rehan et se défendre et même tenir le début du game contre Rehan des games, à chaque fois c'était even les débuts de game. C'est déjà bien. Oh il s'est fait poubelle. J'ai vu le puff sur mon deuxième écran. Là ça devient trop trop chaud mais il arrive à revenir. Donc là 123%. Voilà. Il va redonner, c'était sûr. Il va redonner, c'est certain. Bah, là pour l'instant, vu qu'il est seulement depuis très peu dans des situations comme ça, il peut se dire ouais, c'est un peu un 50-50, pas vraiment, mais. Ouais, mais regarde, gars, t'as un puff qui a un backer qui est aussi fort que celui de Ryu Ken. Les deux réunis, je suis désolé, mais ça puff. Peut partir en. Ah, oui. Puff son backer, c'est un scandale. C'est scandale. En même temps, on peut lui laisser ça quand même. Attends, je rêve, là il a follow 2 side B en même temps. Bien sûr. 2 side B en même temps, mais. Mais c'est Trax. Oh Là, le retour de Puff, c'est une passe décisive. C'est ce que j'allais dire passe D. Passe D, but, dans les filets. Ah, c'était incroyable. 92% quand même. Oh, yeah. Ça slip, rompiche et dehors. Ah, par contre, y a pas le Star KO, du coup, ça va prendre un set B. 22%, ça fait mal, hein, putain. Très très mal, donc 36. Allez, on est parti. Le set B, encore une fois, ça monte à 56. La légende dit que quand Dieu a voulu punir les hommes, il a créé. Le side beat Bowser, le command grab en général. Et il a doté des joueurs de ce personnage là. Aïe 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 aïe. Ouh c'était complexe hein, moi je voyais la mort là. Dieu a dit command et le command grab arriva. C'est ça. Et il suffit d'un command grab pour faire voler le ballon. Là il peut se permettre de donner mais je pense que pour la prochaine. Ah oui, là il se prend un side beat, c'est fini. Ah c'est possible ça, comment ça c'est possible? Peut-être, là vraiment il a voulu cover tout le côté du stage. Ça n'a pas marché, il va encore peut-être tenter. Ah, la passe D, non. Attention parce que là il lui met n'importe quel dinguerie Trax et c'est fini. Voilà, bon. Ouf. Non, là c'est certain. Là, il a joué avec le scan. Mais je trouve qu'aussi le petit il est scandaleux. Ah, c'est complètement une dinguerie. Ah oui. Scandaleux à la vitesse dont le petit il sort. Vraiment, c'est Donkey Kong 2.0. Je couvre toute ma tête. Viens. Et on a 1-1 Mescol Naetoru, à noter. Okay. Irnel Tigers, pensez, il n'intégrait Yaz Mad Maxou, leurs matchs vont être lancés pendant qu'on a Trax Mika. Et on va avoir un beau top 8, je pense, ce soir. C'est ça, alors je vais voir ce qui se passe en loser. Oui, lancez Yaz, lancez. Pouah, il y a eu un Ditto Little Mac en loser round 2. Et il y en a un qu'il fallait qu'il passe. Donc Kimoru passe. Ah, malheureusement, Toast qui est éliminé. Qui perd 2-0 contre Rehan, mais je pense que c'était vraiment pour profiter de Pyra.
Alors, Beck qui mène contre Wador 1-0 et Neochronos Bozia qui ont déjà joué depuis 10 minutes. Ça avance. Ça avance. La braquette elle avance. C'est pas mal. J'en tiens à dire pendant la pause entre les games. Oui. N'hésitez pas à aller regarder. Helios Gaming vient de faire un petit teasing sur un événement qui va arriver bientôt. N'hésitez pas à aller regarder sur la page d'Helios Gaming sur Twitter, c'est Helios Gaming FR @. Genon Bowser, ah là 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 là. Un event vient d'être teasé à 30 likes, on en a voilà un peu plus. Allez-y, n'hésitez pas. Ah moi je retweet. Ah là je retweet. Dis donc, cette synonyme elle me dit quelque chose. Ça ressemble à quelqu'un. Absolument personne. Je vois pas de quoi tu parles. Et c'est reparti, on est parti sur la lettre là. Là Yo c'est... suis. Là regarde. Là, on regarde. Dit bonjour à suis le joueur de Shoto dans le chat parce qu'on aime bien les joueurs de Shoto attends, ici. Attends, suis. Ouais. Ah suis. Suis lui. Toi c'est un détraqué. Et on dit bonjour à Lambda qui ressort Lambda. Des tombes. De sa tombe là. Bonjour Lambda. Wesh. Bon, en tout cas, salut à vous les gars, salut à suis Lambda, bienvenue. Là regarde, tu vois que ça joue sur l'Highlight. Pourquoi ça joue sur l'Highlight? Parce que c'est. Ça peut. Ça va vite sortir. La plateforme. La plateforme. Oh yo 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 yo. Oh le fait le backer, je l'ai vu venir. Dommage que le backer ne soit pas. Je vais venir t'y retourner, t'inquiète. Bah écoute, ça fait plaisir que tu sois sorti pour l'occasion mec hein. On retrouve le neutral en tout cas. Mais tu loupes pas grand chose de toute façon en ce moment. On pourrait être vénère peut-être encore une fois ici. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça peut être vénère et là, ça trouve une opportunité d'enlever la stock à. Un autre gros, ben voilà, ok, le faire. Chacun à son tour, mon pote. On est sur la LAT, ça va vite sortir, tu vas voir. Tu vas voir, mon pote. Et c'est parti, allez, regardez, l'avantage tête de Trax. L'avantage tête de Trax. Le hit, le fer. Le. Il a tout. Ah pardon, désolé. Il a tout. Je sais pas pourquoi, quand il y a des gros smash de Heavis qui sont chargés comme ça, ça me fait câbler direct. Ça te fait crier, ça te fait hurler. C'est comme ça. Oh là là, lui il a été. Ah, ça me fait sur. J'ai des frissons partout dans le dos là. Avoir des matchs de Heavis. Le score, c'est 1-0 pour Mika. Ah, je l'ai pas fait. Ouais, t'as pas fait le score. Merci, cause. On devrait te payer hein, pour toutes ces interventions. En parlant d'intervention, son fer. Ouais, sa stock elle s'est fait avaler. Là, le fer a voulu terminer la stock. En tout cas, la seconde stock de notre ami. De notre ami Trax. Toi quand je parle trop vite, je boite. Tu boites de la bouche. Je boite de la bouche. Oh vache, c'est agressif le saut dans la zone rouge, enfin le saut du ledge upper cache. Après ça couvrait bien. Ah bon, ok le nerf. Oh le smash, oh il aurait dû up smash. Non c'est le downer qui passe en premier. Le downer il a dit prum, mais c'est son downer aussi. Oh le fer là. Ah là à ce moment là ça fait peur. Là, aïe. Non. Oh c'est pas vrai, c'est scandaleux, la hitbox de ce truc, c'est scandaleux. Aïe aïe aïe. Oh mais purée. Là la Mika il se dit, frère, tu me sors pas des persos comme ça. Le boss des boss, je suis le boss des boss, c'est moi Bowser, c'est pas Ganon qui revient 10 000 fois dans ses 10 000... Bowser. il y a le mode qui... Exactement, lui il a dit, je m'assois sur toi mon pote, laisse-moi tranquille. J'autorise ton message sur Chrome, mais c'était parti pour que tu te fasses ban. Il est rentré. Alors, qui est-ce que je vais prendre avec moi? Je vais prendre du loser maintenant, je pense, parce que il ne faut pas lancer le top 8. Ouais. Je tiens à le dire. Les gars du top 8, ne bougez plus. Donc, Mika ne bouge plus. Et on a Naetoru qui a gagné 2-1 contre Mescol, du coup. Oh là là, mais Mescol. Naetoru, c'est un upset online, hein, en vrai. C'est un upset online, tout à fait. Mika. Alors, 2-0 et du coup Mika si vu que j'étais dans le chat et que je dois avoir Naetoru qui a gagné donc pensez bel et bien à ne pas lancer. Ne lancez pas votre match hein, les gars. Donc, ok donc Naetoru, on a Oka. Donc, on doit DQ Oka. On doit DQ Oka, qu'est-ce qui se passe? Oka qui ne peut pas jouer la suite de ses matchs. Mais pourtant son match est lancé. Ouais mais il m'a dit de. On m'a dit de DQ. Donc j'ai DQ au cas. Mais pour quelle raison? Kepax. Parce qu'il ne pouvait pas. Oh la vache, Pikachu machin, ça fait 28 minutes que c'est pas changé là. Éditer le match. Reporter. Je m'occupe de faire les matchs hein, parce que. Attends, parce que. Tu en es où là en fait?
J'aimerais bien soumettre le résultat parce qu'ils ont mal fait en fait. Résumé. Pikaki, il a gagné, donc pourquoi est-ce que ça l'envoie pas ensuite? Ajouter une partie. Ah oui, Natrox Pikaki, ok, 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 ok. Donc je vais commencer leur match, j'ai marqué. Reporter. Compte rendu rapide, c'est ça. 2-0 pour Pikaki. Pikaki peut move on et faire son match. C'est bon. Je pense que je suis plus dans la room. C'est normal. Non, tu n'es plus dans la room, mais tu peux revenir. Ah, okay. Ouais, ouais, parce que ma Switch, elle dort. Attends, je vais la rallumer. Je pense parce que je suis plus en activité, donc du coup, ma Switch, elle est partie en veille. Mais j'arrive. J'arrive, je connais le mot de passe, je connais le bail, j'arrive tes souhaits. Tranquille. Donc du coup, oui. Alors... Sinon, ça va, Jaspion. Oui, ça va, et toi, mec? Ah, c'est... Ah, yo, c'est Lambda qui disait ça. Bah, ouais, bah écoute, ça va, et toi? C'est vrai que... j'ai beaucoup entendu parler de toi, Lambda, mais on n'a jamais trop eu l'occasion de discuter. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que ton retrait de Smash, de ce que j'ai compris, se passe bien. Que tu nous reviendras un jour et que cette pause te fait amplement du bien. Parce que... Souvent, la pause, ça peut faire du bien, hein, faire quelques pauses aussi. Hein. J'ai réglé tous les matchs en bas. Ok, parfait. En une heure. Du coup, est-ce que quelqu'un peut dire à Nae en DM sur Twitter que les top 8 c'est fait en stream tout? Yes, en tout cas, la plupart des winners. Comme ça, on va avancer sur la loser. Et je suis en train de regarder, donc on a... Donc ça et ça, c'est lancé. Et je vais préparer les matchs qui seront on stream. Comme ça, c'est fait. Et j'en ai pour quelques secondes, hein, vous inquiétez pas. Ah, sérieux? Pas du tout. Tu arrêtes vraiment de jouer, là. Ah, c'est vraiment pas une pause? C'est juste un arrêt total. Ok, donc là... Alius Gaming... Et est-ce que tu peux me dire s'il y a un match intéressant à loser à choper? Alors, je vais te dire ça tout de suite. J'étais en train de te troll sur le truc. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Alors, il y a... Alors, il y a Rian Giga. En loser round 3. On va avoir... qui peut être très intéressant. Et donc Doki et Pichaki peuvent jouer. Donc en loser en 3, tu peux éventuellement lancer Rehan Giga. Mais il y a Rehan qui n'a pas de check-in. Pourtant il vient de jouer. Hein. Il vient de jouer contre Antos. Hein. Il vient de jouer donc, contre Antos. Bon, moi justement, c'est le moment de leur dire de venir on stream. Alors Giga, c'est un joueur de Link de ce que je vois. Je les ai DM. Du coup. Rian Giga, mais ça fait 3 minutes qu'il a pas de check-in pour son match. Ah mais c'est bien maintenant. Oh, il a battu Ontos. Ouais, mais Ontos, je pense que c'est le fait qu'il joue Pyra, je crois. Je crois qu'elle a voulu jouer Pyra. Ouais, Lambda, je me souviens quand on devait se capter, on devait faire une session avec Dia et tout d'ailleurs. Je crois que Dia était prévu une Heroes et tout chez moi. Et au final, ça a été annulé pour cause de trop de personnes qui pouvaient pas. Mais est-ce que tu joues toujours au jeu quand même ou t'arrêtes complètement? C'est le tournoi, les tournois que t'arrêtes ou tu joues toujours au jeu? Parce que honnêtement, peu importe lequel, ça m'intéresse de savoir en vrai. Parce que c'était quand même un grand nom, mais un mec reconnu parmi les clouds en tout cas. Bien sûr, j'ai entendu parler. Lambda, ça me disait bien que c'était un jour de cloud. Tu vois, comme quoi on connaît. Moi je regarde de loin. La Belgique regarde loin, on sait qui est Lambda. Alors qu'est-ce qu'ils me disent Rehan et Giga? Giga, parfait, est déjà Giga dans l'arène. Parfait, fidèle au poste. Donc, est-ce qu'on aura un Link? Parce que je vois que ça jouait Link. Ça jouait Link dans le bracket ici. Hein. Ah, je suppose que Bozia a perdu. Oui, il a perdu contre Neo Chronos. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il s'est déconnecté d'Origin. Tu joues plus du tout aux jeux vidéo? Bah écoute mec, c'est pas plus mal. Si t'as toute chose plus importante à faire dans ta vie, ça ne sera pas, ça te fera pas de mal. Ouais, j'ai envie de dire. Mais après, si tu kiffes toujours regarder du Smash et peut-être jouer une fois de temps en temps, mets-toi bien. On est là pour te divertir. Ah, mais n'empêche, hein, y a Neo Chronos B, ça pouvait être intéressant comme match aussi. Hein. On a déjà Giga Rehan. Ouais.
Donc Neo Chronos. Hubby. J'ai du mal à respirer parce que. Mais après on aura Neo Chronos Tigers parce que Tigers a perdu contre. On avait joué sur Smash Ernel. 4. On avait joué sur Smash 4. Vas-y, attends, rappelle-moi. En tout cas, si tu me rappelles, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. Parce que moi, je suis belge. Est-ce que t'es venu en Belgique ou est-ce que je suis descendu en France? Lambda. Ça me dit quelque chose. Enfin, je connais Lambda de nom en tant que joueur de Cloud. Mais on a joué sur Smash 4. Ça m'intéresse de savoir ça. Est-ce que je suis descendu? Est-ce que je suis venu? Je suis descendu en France? Ah, c'est bon, ils sont là. Ah, parfait, parfait, parfait. Alors, ce qui est. Ils ont des tags. Alors, Giga n'a pas de tag. Et Ryan, ben, il y a Beta. C'est Beta, c'est ça? Bébé. Du coup, j'ai oublié de changer. Ici, je fais changer joueur 1. Trax qui a pris de tarif hein, là-dessus quand même. Hein. Ouais, Trax, là. Mais en même temps, voilà, il a voulu jouer les personnes qui. Non, je suis pas le frère d'un. Putain, j'en ai marre. T'es... Je suis pas le frère d'Apollo. L'anecdote, c'est qu'on me confond, on me dit que je suis le frère d'Apollo. Ah, alors que c'est Yasmat. Alors que c'est Yasmat, mais parce que Apollo, physiquement, il me ressemble pas mal. Ouais, j'ai vu, je l'ai déjà vu, Apollo, vous ressemblez. Hein. Mais ouais. Et partout où je vais, même quand Apollo il a travaillé en étudiant, en job étudiant chez moi, c'est ton frère. Est-ce que c'est ton frère? Non, je suis pas le frère de. Non, je suis pas le frère d'Apollo. Je suis leur pote, mais je suis pas leur frère. Le frère d'Apollo, c'est Yasmat. D'accord, ok. Soit t'as peut-être joué avec moi, mais je suis pas son frère, ou alors t'as joué avec moi. Mais les deux, ils viennent d'Espagne, du coup? Les deux, ils sont espagnols, tout à fait. Rian, ça s'écrit comment? H-A-2-N? Non. Si, c'est ça. Ah, attends, c'est ce qui a été noté. C'est bon. Ah non, si c'est ça, regarde. Ah oui, c'est ça, bien vu. Mais il a un tag, hein, il a un tag, mais. Est-ce que t'arrives à écrire? Oui, mais non, c'est un truc bizarre avec ces bébés, non? C'est bêta. Non, je sais pas. Oui, c'est bêta, mais écoute, ce sera Rian, vous savez qui fait partie de la bêta. Bah oui, c'est moi le Ryu sur Smash 4, mais je suis pas le frère d'Apollo. C'est ça, mais c'est juste que tout le monde pense que c'est le frère d'Apollo en fait. Mais oui, ouais, parce que je le ressens. Mais déjà, la première stock du côté de Rian qui a été. Oui, il y a Neo Chronos. Neo Chronos, c'est le prochain set que je prends de stream normalement. Ah, donc Neo Chronos Ubi. Neo Chronos Tigers. Ah, mais attends, il joue contre Ubi, tu sais même pas si c'est Neo Chronos. Ou Ubi Tigers, my bad. Tu vois donc, oui, mais c'est juste qu'il est seed pour gagner. Ah, ouais, y a pas de soucis, mais sinon ici. Oh non. Oh il a même pas commencé avec le grab, il a même pas commencé avec la trop. Il a commencé, il a dit nerf et je te mets la sauce. Sauce mayonnaise mon frère, c'est parti. Sauce Luigi. Mais tu jouais Cloud aussi sur Smash 4 hein. Parce que c'est fort possible que j'ai perdu contre toi. Moi j'ai tellement le mort parce que j'ai commencé à jouer pour savoir compétitivement Early Smash 4 et genre je suis juste jamais sorti de la Lorraine chez nous, je suis allé au Luxembourg une fois. Mais je suis jamais sorti de la Lorraine et du Luxembourg. Et Strasbourg aussi, je suis allé. Et ça me fout trop le mort parce qu'à la fin, j'aurais trop aimé découvrir tous les autres joueurs. Oh là là. Mais dis-toi que. Et, sauf la date, moi je descends à la Lorraine dès que la Belgique me permet de sortir du pays. Mais je pense qu'on va essayer de. La reco qui a été venue des buffons quand même. Je pense qu'on va essayer d'orga. Un event là, ça peut être intéressant. Hein. Voilà, mais il faut que nous on peut. Enfin, que nous on veut dire qu'on puisse sortir du pays aussi. Là, pour l'instant, c'est pas gagné. Mais sinon, revenons ici à nos deux gogo là. Aïe. Oh, ils sont trop forts. Comment c'est vraiment à cogner là, il me cogne avec le bip. La réaction de Mamoru, elle était incroyable. Attends, il s'est passé quoi là? Est-ce que Yaz est dans le chat ou pas? Yaz, t'es dans le chat? Mais Yaz, je peux le DM facile, donc ça, y a pas de problème. Donc ils devraient pas jouer leur match. Hein. Mais attends, ah oui, non. Ils ont déjà check-in. En fait, ils ont déjà fait leur ban, je crois. Naitoro et Rin, ils ont déjà fait leur ban. Ouais. Donc Yaz, Matt, Mika, ils peuvent faire leur ban. Ils peuvent faire éventuellement leur ban, mais ils ne devront pas jouer de suite. Parce que c'est d'abord Naitoro
et ensuite Yasmat. Mais à mon avis, ça va se jouer après Tigers entre le gagnant de Neo Chronos B. Et après ça, tu vois, je suppose que tu vas lancer le... Le top 8, ouais. Le top 8. Bien sûr. Et 1-0 pour Réan, du coup, qu'il faut que j'aille noter ça. Putain la vache, imagine-toi être Théo, casté et noter les résultats en même temps. C'est une horreur. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Donc 1-0 pour Réan ici, et ça part sur Tornet City. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Alors, donc Réan m'a sorti directement en Lusomaquette. Je me sens moins seul de le voir. Ah, mais un Luigi, si ça peut 0 to death, ça peut 0 to death. C'est pas une honte, hein, moi j'ai envie de dire. Ah ouais, combien de fois je me suis fait 0 to death par des Luigi. J'ai déjà fait plein de fois 0 to death. Moi je suis là, je suis en train de match comme un stupidos. Et je crève quand même. C'est pas une honte, hein. C'est une option du perso. C'est une option du perso, qu'est-ce que je te dis? Je me fais du mal, Yaspunk. Écoute, mais c'est moi qui m'appelle comme ça. Parce que je dis tout en espagnol pour rigoler. Bah. Mais non, mais gros, ça suffit! Non, là, pas d'outils. Sachez que Link, c'est quand même un gros lard. Ça reste un gros lard et ça va pas sortir Tito. Mais là, maintenant, ça couvre. Oh, oh! C'est très dommage. Ça avait aucune chose. C'est très dommage. J'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose. Je vois une tech en plein milieu de Tornet City. Revenir après ça, c'est très très tendu, n'empêche. Du coup, avantage de la stock pour notre ami Réan, qui est très confortable. C'est la première fois que je vois Luigi en jaune aussi. Désolé. Rien à voir, mais... Donc bon. Première stock du coup perdu pour Giga. Bon, 66% 10, c'est quand même un Giga, gros lead. Là, Giga, il commit un petit peu trop, là, mais bon... Mais en vrai, moi j'ai tendance à penser... C'est parce que j'ai tendance à penser que comeback un Luigi, c'est dur. Ça fout trop le mort, Luigi. Ça fout trop le mort. Donc bon. Enfin, attention, c'est vrai qu'il commit pas mal, mais c'est pas très grave. Il prend le contrôle quand il peut, tu vois. Il prend le contrôle, mais on sait qu'il s'est joué, tu vois. Mais, comme t'as dit, revenir contre un Luigi, regarde. Oh là là, mais non. Mais pas comme ça, c'est trop triste. Même moi, je l'ai senti sur le crâne. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est parti. Hop. Non, non. Oh. Quoi? Moi je m'attends. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Y'a rien qui va! Y'a rien qui va dans ce match. Y'a rien qui va. Y'a rien qui n'allait dans cette phase. Non mais. Bon, après tu te vois du Luigi Link online. Je vois pas à quoi tu t'attends. C'est compliqué. C'est vraiment un match-up que j'ai jamais vu s'affronter en vrai, pour te dire. Donc je ne sais pas vraiment dire ce qu'il en est de l'un ou l'autre. Mais Luigi ça peut. Oh là là, il a ride la. Il a mis la ride l'air match. Ça fait mal. Tout finit en hubby. Voilà. Et victoire de notre ami Réan. Et Giga n'a pas quand même démérité de son match. Donc il a fait tout possible, mais c'est très très difficile. C'est très très difficile. Et le pauvre Réan après là. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Réan Mesco après. Là, ça va pas rigoler là. Il a pas hésité contre Giga, mais est-ce qu'il va hésiter contre Mescol? Ça reste à voir, ça va être en off. Mais je pense, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être notre ami Tigers qui va apporter soit notre chrono, soit. Mais de ce que je vois, le set a commencé qui à 9 minutes 9 minutes et 0-0. 9 minutes et 0-0. Alors, Pikachu qui gagne son match en loser, mais qui. DQ contre Toki. Et du coup là, ah ouais, Timoru, oui, donc il a des Q, donc soit il a pas soit il a arrêté de jouer, ou bien il a pas check-in, c'est trop tard, donc on n'a pas vraiment fait attention. Du coup on a en loser en 3, on a Kimoru Doki qui sont en train de s'affronter, donc ça va être du Little Mac Toon Link, Young Link pardon, donc ça va être Tandy Dandy. Et donc Asa et Ace, je suppose que c'est du Wolf Lucario. Ouais. Et donc c'est 1-1. Et Ibike Kirod, c'est 1-0 pour Kirod. Kirod qui a joué 4 persos, tiens, je vois. Oh, Kirod! Kirod, oui. Tu as l'air de Kirod. Connaître parce que moi je vais regarder. C'est FCF. FCF Kirod. Je dis une bêtise peut-être. Oui, FCF Kirod qui joue Pac-Man. D'accord, donc on a du Pac-Man et potentiellement du Bowser Jr. du côté de Ibike. Ah bah ça avance, ça se tape, ça se cogne, moi j'aime bien parce que je vois une diversité au niveau des persos, mais je suis déçu, je vois pas de Choto.
Le mec, oh, le gros forceur, ouais, il veut Mescal or loser. Ouais. Ah, par contre, Mescal or loser. Yas Madmika, j'ai trop envie de voir ça. Ah, j'ai trop hâte. Parce que Mika, c'est Bowser. Bowser, c'est stupide. Oui. Bowser, c'est vraiment stupide. Oui, Bowser, c'est stupide, mais. Mais j'adore regarder Bowser. J'adore regarder Bowser. Tu connais Gulbutron quand même. Mais moi, j'ai déjà joué contre lui en braquette, Gulbutron. Mec, il y avait eu au début d'Ultimate, il y avait le Bruxelles Challenge. Ouais, il avait perdu. Il a fini 4ème, non, c'est ça? Non, il a fini 9ème. Il a perdu contre Gluto, je crois. Je pense. Hein. Je pense qu'il a joué contre Gluto, il a perdu. Mais le mec, il a sorti ZHT. Ouais. Et Purple Edge. Purple Edge. Et Purple Edge. Et le mec, c'est parti en sucette, hein, ce match-là. C'est une dinguerie. Et ce qui s'est passé, c'est que. Après le tournoi, on prenait les transports ensemble. Je vais juste. Mec, tu sais que t'as sorti quelqu'un top européen. Ah non, je savais pas, mais il m'avait l'air sympa. Gulbutron, dans sa tête, c'est. Tu vois, tu regardes Homer Simpson quand il réfléchit, tu vois un singe qui tambourine comme ça. Eh ben, c'est Gulbutron. Je vais me faire Gulbutroniser. Mais non. Alors. Mais non, on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Moi, ça peut être un match. Ça va être un match très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici Neochronos B, ça va prendre plus de temps que ça à lancer. On va prendre une winner semi cash. Ouais. Ouais, on va prendre le winner semi maintenant parce qu'il faut que ça avance dans le bracket. Donc, d'accord. On va prendre. Ben, on balance le. Alors, t'as le choix. À toi de voir. T'as deux grosses affiches. On lance la première, Naitoro Irinel, donc Yasmat et Mika, les grands potes, je vous conseille d'attendre. Patientez dans la salle d'attente, elle est juste à côté. Il y a pas de bracket mon pote, mais je vais te l'envoyer. Il y a pas de add bracket suit, mais je vais te l'envoyer. Je suis là pour ça. Je suis le bot du soir, bonsoir. Donc je l'envoie ici. Ah, il faudra me recruter, Yasmat, histoire de faire le bot. Attends, je reconnais ça, c'est un gratteur ça. De rien. Salut à toi, Jeannot. Bienvenue. Oh, yo, Jeannot. Bienvenue. Et on va avoir Irnel contre Naetoru. Ah là 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 là, quel match. Ah, ça va être. Pichu, Wi-Fi. Eux, ils jouent leur main. Eux, ils veulent se cogner. Ça va être dinguerie. Ça va être une dinguerie et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, le top 8 qui se dessine petit à petit et c'est très très intéressant. Bien joué à toi. Ah ouais, Aza, il a perdu. Oh là là, Aza, attends, t'as perdu contre. Ah, c'est contre Wolf. Ouf. Bien joué à toi, c'est dommage. Mais c'est pas grave, t'as fait de ton mieux. C'était cool de voir Lucario en tout cas. J'espère te revoir au plus vite. Ouais, et puis une win sur Rian, c'est très très bien. Bien sûr. Ah oui, mais t'avais battu Rian, mais c'est vrai. C'est très très bien. Et je vais te voir enlever Tigers du stream, je pense. Désolé les gars. C'est juste que Neo avait une occupation, donc le set contre B a commencé bien en retard. Ah, donc on va partir directement sur le top 8. On part directement sur le top 8 et là on n'attend plus. Là, Naitoru, Irnel, vous voyez déjà dans leur petite photo de profil du jeu, vous savez déjà ce que ça va jouer. Vous savez déjà que ça va partir en jeu. Ah ouais, là, alors ouais. Eux, ils sont pas venus poser, ils sont pas venus enfiler des perles. Il y a aucune surprise. Ouais, du coup, Yasmat, tu es déjà qualif, mais joue quand même. Oui. Fais pas ton. Pars pas. Oh, t'es qualifié, mais pars pas. Et moi aussi, je suis qualifié. Et c'est parti, game 1. Oh, j'ai même pas le temps de changer les noms. Ils ont pas le temps. Et c'est Naitoriu. Fais ça tranquille, moi je vais commenter. Du coup, moi je vois déjà quelqu'un offstage. Et je vois déjà 14% et 25% de chaque côté. Ok, le Kaioken est activé, les enchaînements de paires plus de fer. Ça commence à se chercher un petit peu. Oh là, c'est encore moi. Oh là là. C'est Irnel. C'est un problème entre moi et Irnel. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je repars en ASMR. Alors, Pichu. Le pire, c'est que je vais aller chercher à boire, donc bonne chance, mon gars. Et vous avez capté, ça part en neutral vie de la part de Pichu. Mais c'est quand même assez serré. 80 et 92%, donc 80% du côté de Pichu, 92% Irnel.
Voilà, donc il y a une F trop, ça met Irnel dehors, ça couvre, ouf, le F-Tilt qui a couvert le ledge, et le F-Smash qui permet justement d'éjecter Irnel qui perd sa première stock. Du coup, Irnel qui repart directement en Kaioken, ça balance des ballons, ça balance des fers du côté de Pichu. Alors, upper et backer, vous avez capté cet enchaînement-là, c'est aussi Pichu. Ok, Pichu qui se prend en pleine figure aussi de notre Albi. Là, pour l'instant, ça se joue dehors. Hein. Chacun à son tour prend le ledge. Hein. Chacun à son tour prend le ledge. Donc là, c'est le jolt. Donc le petit jolt, live throw, une autre jolt qui ne permet pas du tout de toucher finalement. Et voilà, sur la recover, le fer de Dirnel qui a permis de lui prendre la stock. Et regardez, là, Jasper est en train de mimer le tournoi, là, il est en train de mimer le tournoi, que ça part en sucette en vrai. Alors, moi je suis pas ouais, kick. Ouais, non, lui il est pas kick, moi j'ai été kick du spec, mais pense que. Si j'avais déjà installé mes drivers pour le stream, j'aurais peut-être envoyé stream Discord, comme ça on l'aurait partagé. Mais je l'ai pas installé, je dois le refaire en fait. Donc ça c'est de ma faute aussi. Donc pour l'instant, c'est deux stocks de chaque, 71%. Côté Night Toro qui finalement a trouvé une up throw dans B qui a remis à zéro la stock de notre ami Irnel qui est sur sa last stock, qui est déjà parti en Kaioken. Double fer qui met déjà out notre ami Irnel. Essaye d'expliquer, de dire où est-ce que ça en est et tout. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, dernier stock du côté d'Irnel, il est déjà à 65%, 103%. Et encore ces deux stocks du côté de Night Oru. Là pour l'instant, Irnel qui tente de revenir tant bien que mal sur le stage, mais finalement il a trouvé une back throw qui n'a pas encore tué à ce pourcentage là notre ami Irnel. Là, ouf, tentative de. Alors là, il a ledge guard avec le down air qui a éjecté facilement notre ami Irnel qui perd ce match et qui gagne 1-0. 1-0 pour Night Toro pendant que je montrais ma magnifique figurine. Voilà. Alors, regarde le mec. Le mec Dante. Il explique bien justement comment ça se passe. Il est là avec sa figurine Dante. Mais frère, si tu veux, je mets ma cam et je te ramène mon Gintama et Gogeta Blue. Non. Moi, c'était juste montrer mon Dante en speed. On va repartir en espérant que ça ne gagne pas. Oh, j'ai déjà laissé 1-0 pour. Oh là là, toi, t'es 2-1 ? Tu es 2-1 mon pote ? Oui. Alors j'espère que la connexion ne va pas de nouveau crack. Ah s'il vous plaît. Du côté de. Voilà, oh là là, ça prend longtemps déjà là. Non, c'est. Je suis dedans. Ouais, pareil, moi je vois pour l'instant, mais. Oh, ça commence par un rythme très agressif. Hein. Et, oui. Et le fer. Oh là 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 là, si ça catchait, en vrai il aurait pu aller jusqu'au fin fond de la blast zone avec lui. Hein. Et voilà. Ouf. Non. Bon, ben ça veut dire que toi ta connexion elle est pas compatible avec l'un des deux gars. Attends, je vais faire un speed test au cas où. On sait jamais. Fais donc, mais pour l'instant c'est toujours premier stock de Shang et 73% du côté d'Irnel. Non, parce que si ça fait ça tout le tournoi. Ouais, entre Irnel et toi c'est Cursed. La co est en carton. Donc c'est l'un des deux en fait qui marche pas avec. Alors pour l'instant j'ai. Alors et c'est en best of 5. Ouais, c'est en BFBO 5 en plus. Hein. J'ai 440 mégabits de download et. Ça devient très chaud. Mais en tout cas c'est 101% Night Oru, 112% Irnel. Le premier qui tape a perdu. Le fer, non. Ouais, mais Mika, j'ai déjà eu le même problème avec un set où Irnel était là avant, où j'avais été kick du spec sur la game 1. C'est ça. Mais Irnel était pas là. Donc peut-être qu'il y a, des incompatibilités de connexion. Irnel qui perd sa stock sur un backer de Pichu. Du coup, avantage, mais 142. Ouais, non, Pichu, dites-vous que là le Pichu de Night Oru. 143%, qu'est-ce que ça fout encore sur le stage? Finalement, le dernier qui a trouvé la sortie. J'ai 18 de ping, 450 de download et 300 de upload, ça vient pas de moi. Et attends, je suis câblé fibré. Je vais réinstaller mes drivers sur mon
avait en média. Oui, pour au cas où quand ça bug. Et au cas où je stream Discord. Au cas où j'aurais dû prévoir ça depuis le début, je suis vraiment navré aussi, j'aurais dû proposer ça dès le début. Je vais juste retrouver la conversation avec les drivers que je vais installer et si je peux. Ouais, c'est ça, c'est entre Inel et moi, c'est Cursed exactement, Sucro. Voilà. Et donc ici là, on part sur deux stocks sur Nightoru à 105%. Ah non, finalement, c'est une stock de chaque 0%. Là, c'est la stock 0%. La stock 0% pour les deux. Les deux joueurs ont des copains ouf. Ouais, bizarre l'ambiance. Devient chaud, hein. Ah, ça devient chaud. Hein. Mais je vais quand même installer le driver. Je vais installer le driver. Alors, parce qu'on avait eu le même problème avec nos meta players la dernière fois où Sako se passait très bien, personne ne s'était plein de lag et dès que ça marchait pas. Je cherche justement. Alors, application principale. Moi je suis en train d'installer mais les bails pour la Vermedia, comme ça t'auras pas de problème. Au cas où, et comme ça tu vois, tu peux je t'envoie le stream Discord, alors. Comme ça n'aura pas de problème. Et du coup là 140%, donc là je suis à 140% du côté de Dirnell et 87 du côté de Pichu, et là en mode Kaioken ça trouve une up throw et finalement ça finit par un back air, donc 2-0 pour Naito. Ok, en espérant qu'il n'y ait pas encore un bugle. Je ne sais plus parler. C'est terminé. Je viens de réaliser que ça se voit trop sur les photos. Ça n'a rien à voir, hein, vous m'excuserez. Mais ça se voit trop sur les photos. Helios vient de faire une première annonce là. Oui. Et on voit mes photos dessus et j'ai perdu tellement de poids depuis. C'est immonde. Là, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. Mais c'est BO5, les gars. C'est BO5 les grands potes, ils sont partis? Ils ont quitté la room? Kepax, c'est BO5 les grands potes. Pourquoi ils sont partis? Ou alors ils finissent ça en off. Son gros bide à fou. La co-freeze. Oh, purée, la co-freeze. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as en DM? Ouais, je suis en train. C'est BO5. C'est BO5. Après, si vous tentez tant que ça à le raclette, oui. Le racket, non, attends, quoi? Comment ça, c'est réglé en BO3? J'avais changé. Non, c'est BO5. Non, c'est après, apparemment, c'est réglé en BO3. Hein. Oh. Settings best of 3. Sauvegarder. Est-ce que j'arrive à douiller le bracket? Oh, ils doivent jouer leur. Ah, est-ce que tu. Ah, ça devient chaud. Reporter, modifier le résultat. Je suis en train de. Ajouter une partie. Réinitialiser le match, réinitialiser. Désolé les grands potes. Vraiment désolé les gars. Comment c'est le match? Je m'excuse pour toi, écoute, tu vois. Désolé les grands potes. C'est pas de sa faute. Il travaille comme il peut. Attends. Reporté. Comme ça, si t'as un problème, on va essayer un truc. Hein. Je vais essayer un bail. Non. Allez. J'ai mis 2-0 pour Naitoru. Allez-y, vous pouvez lancer la troisième game. Normalement. Vous pouvez y retourner, ouais. Reporté. Pour l'instant, il y a 2-0 pour Naitoru. Au pire, moi, je mettrai le résultat. Ne vous inquiétez pas, moi je mettrai le résultat. On va essayer une dernière game. Son gros bide à fou. Alors, mec, je suis en train de tester un bail. Je suis en train de tester un truc. Là, j'ai installé mes drivers sur Streamlabs. Est-ce que je vais avoir le jeu? Comme ça, si je l'ai, je fais un stream Discord. Et là, on va se mettre bien. Là, on va se mettre très très bien, par contre. Je suis en train de télécharger. Et comme ça, au cas où, là, ça bug tout de suite. Ça, tu sais, on pourra encore voir le match. Mais la dernière fois qu'on avait essayé de regarder un. Oh, let's go! Je l'ai déjà sous les yeux, Smash Bros. Je l'ai déjà. On est bien. Je suis trop bien. Hop, créer un projecteur de sortie.
Bah pour l'instant là on va déjà essayer de... J'aurais dû celle-ci. Et on est parti, je retourne dans le jeu et comme ça on a un projecteur de sortie et je te stream Discord s'il se passe quelque chose. B Neochronos 1-0 pour Neochronos. Kirod Ace vient de commencer. Maxou Doki vient de commencer, on va bientôt arriver en top 8. Mesco a gagné 2-0 contre Rehan. C'était tout pour le moment. Cette game qui commence du coup, l'égélite de quelques pourcents, Adna et Toru. Ça doit être beaucoup sur mon stream, mais ça a l'air d'aller pour côté, ça a l'air d'aller. Ouais, mais après, quand ça coupe, c'est d'un coup. Hein. Ok, c'est reparti. Donc là, 73% du côté de Night Toro. Irmel qui s'en sort plutôt bien sur ce troisième match, pardon. Donc il prend vraiment aucun risque. Retrouve le neutral, va de l'autre côté. Je t'envoie une balle, tu m'envoies la balle, tu fais ce que tu veux. Mais finalement, déjà offstage, j'ai l'impression que c'est fait exprès que Wi-Fi se met hors du terrain pour finalement mixer avec ce side B. Bah, de l'autre côté. C'était limite le ballon là, c'était vraiment temps. Oh non! Oh voilà, la up trop. Oh la vache, il a super mal DI. Il a super mal DI. C'était l'ouverture et c'était la stock à pas perdre, moi je trouve. Bah là, ouais. Oh, il a failli le chicatouiller. Il était mort. Hein. Il était mort. Ça aurait pu être une autre vie. Finalement, le fer trouve la sortie, qui montre la sortie pour Pichu. Et c'est reparti. Mais déjà, 63%. Oh, le nerf out of shields, il est nerf combien il est frame combien le nerf de Pichu? Oh, grab out of shield comme ça, sans aucune sauce. Et ça passe, hein, cela dit. Oh, le reverse IV, je pense pas que c'était nécessaire. Le F tilt, c'est trop fort pour tout frame. Est-ce que vous vous rappelez de... Le gros F-Smash! J'ai tourné ma tête là, j'ai pas compris. Oh, c'est ok, c'est juste une micro-coupure, mais c'est bon, je ne suis pas kické du match. La stock pour Irnel, du coup, qui a failli se faire grave douiller. Le nerf, il est moins 4 en dessous. Ok, d'accord. Moins 4 en dessous. Je t'ai demandé, il était frame combien, mais c'est pas grave. Frame 3. Ok. Frame 3! Ok. J'ai le même, j'ai rien à dire. Mais pas. Fais pas le choquer. Oh bordel. Oh, il a trop faim. Oh non, non, le donner kebab. Le donner kebab. J'ai vraiment dit ça. J'ai vraiment dit le donner kebab. C'était vraiment l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Attends, ça va. Non, ça va. F trop. Le back air, ça veut l'éliminer. Oh, il a trop la dalle. Il a trop la dalle. Allez, F smash, c'est terminé. Fin. 3-0 pour. Terminé. 3-0 pour. Le bro Night Toru qui passe. Du coup, Yaz, les gars, vous pouvez rentrer dans l'arène. Et Yaz, Night Toru qui passe. Je vais modifier le score. Alors, donc, Ubi qui gagne contre Neochronos. Du coup, on va voir un Tigers Ubi. Mescol qui passe contre Rehan. Donc, Mescol est en loser round 5. Trax qui attend le match entre Kirod et Ace. Maxu Doki. Doki qui gagne 2-1. Ah ouais, le match Kimoru Doki, il est parti en couille. Pardon, il est parti en suicide. Pourquoi ? Kimoru qui a lâché... Ah ouais, ils ont joué tout le cast. Ils ont joué tout le cast. Little Mac qui gagne contre Yunlin, Ganondorf qui gagne contre Little Mac, et finalement Min Min qui aurait pu faire autre chose. Alors leur match, ils sont partis en suicide. Bravo quand même à eux, c'était... Il y a eu pas mal de gagnants aujourd'hui. Hein. Du coup, on va avoir Yasmat Mika. Aïe aïe aïe, dis-moi qu'on va avoir du Ridley Bowser. Dis-moi qu'on va avoir du Ridley Bowser. Moi je sais pas. Yaz, je sens que je le vois pas, mais Yaz il me regarde dans les yeux en me disant: est-ce que je vais faire un Power Jazer aujourd'hui? Est-ce que je vais faire du Power Jazer aujourd'hui? Je pense pas. Peut-être que ça va se tourner. Ouais, mais pourri quoi, carton. C'est aussi les aléas du online. On ne sait pas vraiment dire ça, on ne sait pas vraiment faire autrement. Du coup, la braquette. Il n'y a pas de ad bracket, mais moi je t'envoie la braquette, mon pote. T'inquiète pas. Mais bon, je m'en fous de ce tournoi. Ouais. C'est bah, bon, écoute, ok. Il y a eu bel et bien un bug dans le bracket. Et avant de lancer votre match, je vais passer ça en BO5. Lancez pas.
Et je vais voir si ça fonctionne normalement là. Eh ça... ben voilà, je te l'avais dit, juste fais attention à la... Là, normalement... À la mise en veille, et il faut juste changer le nom, comme ça tu sais. Ouais, mais là ça devrait être bon, là normalement j'ai passé en BO5, je vais regarder. Yes. Comment ça se passe? Si je clique là, est-ce que c'est passé en BO5? C'est passé en BO5, c'est tout bon, vous pouvez y aller. Let's go. Alors donc du coup les noms, S1, Yasmat God et Echo Mika. On est parti sur du Meta Knight Bowser. 0-0. C'est parti. Ah ouais, Neo il a perdu. Neo. Ouais, Neo il a perdu. Ouais, ouais Neo il a perdu. Juste, n'oubliez pas l'overlay. What? L'overlay? Ah oui, oui, de changer les. Ouais. Les scores, les scores. Alors, joueur 1. En joueur 1, on a Yas qui a pris donc Meta Knight. Meta Knight, c'est S1 Yasmat. T'inquiète, I know. Tranquille, ouais, ou bien sûr que tu sais. Y'a pas de S, de T, de H hein, du coup, ouais, non. Non, non. Parce qu'à chaque fois on fait l'erreur, on met. Ouais, Yasmat qui est parti. Avec son petit. Eh hey. Mais finalement là. Est-ce que c'est moi du coup? Et Mika il va pas se laisser faire. Non, mais je suis plus de. Je suis plus dans le. Tu es plus du tout dans l'arène. Attends 2 secondes. Je vais régler le problème ça tout de suite. Non, non, mais c'est pas possible parce que la dernière fois ça a bloqué. Kate, tu peux DM Yaz pour leur dire de quitter? Non, regarde ce que je vais faire. Non, mais s'il te plaît, dis-leur de quitter la game. Aïe, 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 aïe. 2 secondes, hein. Je reviens. En vrai. Mais tu peux les kicker. Hein. Ouais, mais c'est le bordel après. Dis-leur de se dire. Je vais leur dire tout de suite. Mais du coup, ça viendrait de moi? Mais c'est bizarre parce que j'ai. Enfin, je viens de check ma couve et tout machin, et puis je suis tout bien et tout. En plus, je suis câblé fibré. Mais. Parce que ça m'arrive jamais, mais ça m'est arrivé que au tournoi. Ça m'est arrivé que au tournoi ici. Ouais, non, ça c'est pas normal par contre. Ça c'est pas normal. Je vais juste faire un truc. Parce que sinon, je te dis, hein, moi, je te fais un stream Discord. Hein. Sinon, je pense que ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que tu les ADM? J'ai DM Yasmat, mais ils ont quand même joué leur match, là. Bah écoute, pour celle-là, ok. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais te stream Discord mon overlay. Tu stream Discord ton overlay? Mon overlay, tu veux dire? Non, 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 je vais faire l'inverse. Je vais stream ça. Normalement, tu dois voir là. Mais si je fais un projecteur de sortie et que tu. Oui, mais c'est galère. La dernière fois, on avait déjà essayé, rappelle-toi. Et... Non, enfin, moi, je me rappelle pas. Ça avait un peu galéré. Donc, écoute, on va voir après la game là. On va essayer de voir si tu sors et tu regardes le truc. Est-ce que ça marche mieux? En tout cas, moi, je suis dans le game encore. Hein. C'est moi qui est dans le jeu en fait. Et c'est bizarre que je me fasse kick à chaque fois. Tu vois, regarde moi ce que je te fais ici. Go Discord. Où es-tu? Voilà. Screen. Projecteur de sortie. Eh mais moi je peux pas. Je pense pas que je puisse screen Discord. La dernière fois je t'ai dit on avait galéré. Bon. Mais là pour l'instant en fait ils sont quand même en train de jouer leur match. C'est une stock de chaque. Moi je vais quand même continuer à commenter ici. Attends. Ce qui va se passer. C'est Yasmat qui a 102%. Vraiment désolé par rapport à cette faute de connexion. C'est pas. Alors, est-ce que c'est mieux que je crée moi la room peut-être? Non, ça changera rien. La dernière fois, ça avait rien changé. Je pense que. Attends, ça on va faire comme ça. Laisse terminer leur match. Laisse terminer le match. Sinon, là, ils sont vraiment dans la. Ils sont dans le jeu. Et le backer qui trouve une opportunité à Yasmat de sortir. Et Yasmat qui perd son premier match. Yasmat qui perd. Juste les gars, attendez. Attends, je crois que ça passe attendez, là. Attends. Non, t'as minimisé ton application, oui, on remet ton stream. Je vais le mettre mon stream. Ok, donc c'est... Ah oh, bah je l'ai là, mais bon, c'est pas très bah propre, bon. Quoi. Tu coupes en attendant, bah. tu mets en plein écran, tu mets... La qualité est pas incroyable, et puis je peux pas parler au chat, quoi. Écoute, on va... Si, tu peux parler au chat. Je vais retourner là. Et c'est très vague, ouais, on l'a en fond vite fait.
Il faut la mettre tout en bas, parce que là elle tu sais doit être tout couper en haut. hein, tout ça, tu sais couper tout ça et tout, mais bon, c'est un peu tendu de le faire tout de suite. Donc pour l'instant je fais comme ça et je remets ça, on va voir ce que ça se passe pour le deuxième match. Dis-leur de jouer, et je bon, switch, je fais clac-clac, comme ça, si jamais c'est là, ça, ça passe pas, et puis je regarde... Voilà, on a trouvé une solution de premier recours. 1-0 pour Yaz, du coup. C'est ça, 1-0 pour Yaz. Non, 1-0 pour Mika, pardon. Pour Mika. Excuse-moi. 1-0 okay. pour Mika. Mika, ouais. Donc, dernier stock, 1-0 pour Mika. Là, ils sont en train de faire leur, leur piqué ban. Donc, voilà. Donc, ça s'est joué à la dernière stock. Hein. Ça s'est joué à la dernière stock. On voit que Yazmat s'est fait un petit peu tabasser sur PS2. Donc, c'est joué à la dernière stock. Donc, tout n'est pas fini. Ok, donc là c'est un peu mieux, il semblerait quand même. On a une solution de secours pour si jamais ça ne marche pas. Bien sûr, donc j'ai installé tous mes drivers au moment, pendant leur match. Je suis trop fort. Trop fort. Alors que j'ai tout reformaté. Oh là là, je suis une bête. Du coup, ça va repartir, ça va sélectionner ici. Et au milieu du combo ladder. Oui, il y a Zmat qui était très très bien parti pour son combo, son ladder combo. On va regarder un petit peu le bracket aussi, tant qu'on y est. Alors, Tigers Ubi, ça se joue. Trax qui attend entre Kirod et S1-1. Maxudoki 1-1. Ça bouille. Donc c'est stabilisé. Donc y a, ça va bientôt arriver en loser card d'ici deux matchs. Donc le bracket, le problème de bracket est rentré. Il y a 1-0 pour Mika. Prendre un coup de main pour, les, pour une rediff Discord si besoin. Bah écoute, le problème a l'air d'être réglé. Si je me fais kick, je peux switch maintenant d'un moment à l'autre et ce sera plus simple. La qualité sera pas incroyable, mais ok, donc ça switch sur la plante piranha. Ça prend la plante piranha. Let's go, let's go. Comme ça, tu sais comment ça se passe. Ce sera un petit peu retardé, mais au moins les gens pourront voir ce qu'il en est. Au pire, je peux commenter par rapport à mon projecteur de sortie. Comme ça, il n'y a pas de problème. Oh là là, mais ah, les... ça part directement en side B. Là, 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 on cherche même pas à comprendre. Là on cherche même. Mais merci du merci à. Hein. Ouais, merci beaucoup Metera, merci beaucoup. Mais... Merci hein, en tout cas d'être disponible en cas de besoin. D'ailleurs Metera, n'hésite pas à regarder la page Eldius Gaming FR pour y voir un petit teasing qui a été fait tout à l'heure. N'hésite pas. 117% du côté des Yasmat, toujours 0%. Aucun pourcentage. Piranha, ça c'est. Pff, ça a l'air d'être chaud, Piranha. Mais Yasmat, lui, c'est autre chose. C'est pas Yazmat, lui il est trop fort. Donc Piranha, pour moi, on dirait qu'il le rend plus fort. Quand même. Mais là, ça devient trop compliqué. Ok, F smash dans le. Oh ça va mettre des dégâts. Oh, la stock elle est prise. La stock elle est prise à 20%. La stock est prise la stock, à 20%. Elle a été gobée. Elle a été mangée. À quoi ça sert de jouer Heavy si c'est pour mourir à 20%? Il a mis, je te crache dessus, je te roule dessus et je te tabasse, mon pote. C'est comme ça que ça se passe, mon gars. Et voilà. Alors, j'ai été kick. Du coup, on va regarder. Tu vas sur le Discord. Tire de magique. Tire de magique, ça ne veut rien dire. Bim, bim. Je vais sur Discord. Bim. Je prends le screen de Mamoru. Je le mets en plein écran. Je veux bien. Là, là c'est pas assez grand, non? En fait, il faut que tu là, 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 c'est bon, let's go. C'est bon, c'est bon. Là, normalement, c'est bon. C'est trouvé. C'est trouvé. Eh ben voilà, on est trop fort. On est trop fort. Et c'est pas encore terminé ici. Donc, Yazmat qui est en sacré désavantage au niveau du chiffre. Il a 138%. Ça devient très, très tendu. Mais 78, ça ne veut rien dire. Le nerf qui a été trouvé, est-ce que. Si, si. Bowser, ça se recover correctement. Bowser, ça peut se recover. Donc. La F3 peut-être, non, ça a juste pummel, ça a juste pummel, puis on a pas grand chose. C'était quoi ce down smash complètement useless? J'ai pas du tout compris. Il a voulu quelque... Il cherche Yazmat, il cherche justement à lire quelque chose. Là c'est la mort voilà, certaine. Voilà, c'est sûr. Ouais. Là c'est la mort certaine. Du coup, 108% ça peut partir à n'importe quel moment. 108% ça peut partir, donc pas très, pas vraiment en retard du côté de Yazmat. Ça tente le tout frais au niveau avec le down air. Ok, le Hubby qui a trouvé les pourcentages. Là et on... le backer, et le backer. Pff, ce backer qui est. C'est un crachat. C'est un petit crachat, mais frère.
frère. C'est trop fort. Moi, je t'ai craché. Ouf. Ah bah non, dommage. Le down smash qui n'a pas été, qui a été whiff malheureusement justement sur cette action là. Donc 14%. Nesmat qui prend un petit peu. Merci pour le follow. Je vais, j'irai voir à la fin de la partie parce que là, du coup, je peux pas trop enlever. Oh yeah, 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 cette conversion, attends, elle est incroyable. Il a mis une conversion là. J'ai trop aimé. Ah, j'ai mis mes yeux sur le chat. T'as loupé une conversion, mec. Il a evenisé la game en quelques secondes. 76%. Non. Okay. Oh, ouais, attention. En faut fait, pas mourir. En fait, Mika, lui, vu qu'il a l'avantage pour son, au niveau du pourcentage, il peut se permettre d'en air comme ça, tu vois. Mais c'est dangereux, moi, j'ai envie de dire. Ouf! Oh là. Le nerf. Oh, ça fait très peur. Le donner. Ah, il le voulait, mais c'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. C'était trop tôt. Ah, le fer. Ouais, tu vas prendre. Non. Oh! Il est heavy. Il est heavy quand même. Ouais. C'est vrai que la plante piranha, c'est un des plus gros heavy du jeu. Il faut pas oublier. Là, il aurait pas tech. Là, il aurait pas tech du tout. Et le side. C'est terminé. Ça va prendre la stock. À 173, il explose. Il explose. Et. Totalement. Deuxième tour de magie. Clac clac et on repart. Ça, on va changer ça à chaque fois. Et on est oh, en purée. 2-0 entre Yasmat et Mika. Donc 2-0 pour Mika. Je l'ai remis à 0 moi. Mika, je j'occupe. Ouf moi, heureusement que j'ai pas lu ce que Mescoul a écrit. Qu'est-ce ah, qu'il... Ils sont trop chauds. Attends, qu'est-ce qu'il a écrit ah, Mescoul? Cherche, hein. Il le cherche. Mais est-ce qu'on les cherche, Mika? Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'on a failli lire des. Moi, je suis là, je dis Mika, je dis waouh! Watch out! Oh là là. Mais Skull qui m'a fait perdre 30€ au Fight Night contre LT. Je retiens très fort. Voilà, la petite anecdote, voilà. Putain, j'ai toujours les pires têtes sur les photos Helios, vraiment c'est une dinguerie. Hein. Ça me rend trop fou. Pendant que nous, moi je suis là en train de commenter. Et... C'est vrai que Mika est chaud, c'est vrai que Mika est quand même extrêmement chaud. Hein. Le mec il est en train de regarder, c'est, il est en mode nostalgie, il regarde ses anciennes photos, calmement. Et il me dit, ah ouais, j'étais gros. Hein. Bah c'est un fait. J'ai une moussaka aujourd'hui, frère. Trop bon. C'est vrai. Tu... Ça a dû faire un bruit dans le micro, les gars. Je suis désolé. Ça a dû être une dinguerie. Non, la moussaka, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah oui, j'ai pas dit le contraire, mec. Je le répète encore une troisième fois. C'est trop ouais, bon. La moussaka, c'est trop. Du coup. Ça va, il est 22h. Je pense que. Ça avance un peu mieux que la semaine dernière, j'ai envie. Ouais, je pense que ma console elle a du mal quand il y a des cos qui viennent d'un peu n'importe où en France parce que Mika il vient du sud si je me trompe pas. Mais Yasmat je pense pas qu'il vient de France. À mon avis. Toi et Yas vous venez de Belgique, moi je suis dans le Grand Est. À mon avis. Oh là là, ça sent le Megaman. Je l'avais oublié. Je prépare au cas où le. Si je dois changer. Oh le Megaman, j'ai joué, il faut savoir que j'ai gagné avec mon Falcon contre son Megaman tout à l'heure. Voilà, exactement. Tout à l'heure en plus. Ah moi j'ai raté quelque chose. Ah oui, tout à l'heure en plus. Donc là, il l'a quand même sorti. J'aurais pas trop le courage à ta place. À sa place. Mais qu'est-ce que j'allais dire? En fait, là on fait face surtout. Comment est-ce qu'on appellerait ça? Il faut savoir que Bowser c'est un perso qui fait énormément peur. Oui, c'est clair. Et Yasmat, du coup, chill beaucoup. Et il se fait beaucoup grave, il se fait beaucoup quand même grave. Ça va très très vite, hein, mais de toute façon, c'est le réflexe complètement humain. Hein. T'as peur, tu shield. Genre, ça paraît débile quand je dis ça, mais. Genre, les gens qui savent que leur perso. Enfin, Mika, il sait que son perso il fait peur, et j'ai l'impression qu'il mixe up très très bien ça. Ses jeux de Tomahawk, ses jeux de grab, ses jeux de. La manière dont il utilise le common grab. Après, c'est Bowser, j'ai envie de dire, mais bon. C'est Bowser aussi. Because it's Bowser. Donc bon. Because it's Bowser.
coup, quand même, 165, Megaman, on sait que Megaman il est lui, mais. Oh, Shoryuken! Il y avait donc. Ah, bah voilà. On va appeler ça, c'est. C'est quoi? C'est une Seablade? C'est la Metal Blade. La Metal Blade? Donc il a fait un B-Reverse Downward Angled Metal Blade into Landing Up Tilt. Attention, les noms trop compliqués pour juste un Metal Blade Up Tilt. En gros, il lui a mis un gros Shoryu après son neutral. Ça, vous le savez. Là, c'est, en gros, il lui a mis une six sauteuses et Shoryu. Mais on aime bien dire les mots compliqués ici. Là, je pense que Yasmax a trouvé le pic presque gagnant. Ça reste toujours très serré entre les deux, mais presque gagnant face au buzzer de Mika qui. On l'a senti le Dance Smash. Le cri de Mamoru, il était incroyable. On l'a senti le Dance Smash. Ah, j'aurais donné air. Ah, mais il l'a fait beaucoup trop tôt. Il l'a fait trop tôt. Oh, il a voulu récupérer en tout cas. Oh, la passe. Excuse-nous, Kamémé God. Kamémé God, Yasmat Mémé. Excuse-nous, Mika, à 80%. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il. Il s'est réveillé d'un coup. Regardez ça. Il s'est réveillé d'un coup. Il a dit, hé, je suis un joueur de jeux vidéo, j'aime bien jouer aux jeux vidéo quand même, les gars. En scred. Et voilà. Mais non, c'est pas vrai. Ah, il lui a mis trop petit dans les games. Hein. Il avait vraiment pas le temps. J'aimerais bien que mon Shuriken soit aussi un petit. Le mec qui abuse, tu vois. Ouais, imagine Ken sans petit. Depuis quand il joue Megaman? Alors ça fait un moment qu'il le joue. Eh ben, il joue depuis assez tôt sur Ultimate. Hein. Je l'ai déjà affronté en tournoi et je me suis fait latter la figure. Quoique, non, ça va encore. Mais son Megaman, c'est. Je sais pas, il a eu un coup de cœur sur ce jeu et il l'a pas eu sur Smash 4. Donc, le Megaman de Yasmat God, il a un vrai Megaman. Il a un vrai Megaman. Faut pas dormir sur son Megaman. Lui, je t'ai dit, hein, comme je l'ai dit au début du stream, Yasmat God, il a. Dans sa poche, il a plusieurs cartes. Là, elle a sorti celle de. Là, elle a sorti celle de Megaman. Qui se rappelle de Sakura, chasseuse de cartes? Tu vois, toi, Sakura, ah! Ouais. Ben voilà, c'est toutes les cartes que Yaz a capturées. Il y avait une de Megaman, il fait je t'invoque, Megaman! La 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 la. On est reparti. Comment tu pars trop en couille? On est reparti. 2-1. C'est pas terminé, c'est toujours balle de match du côté de Mika. Et donc, ça a changé de stage, visiblement. Et ça va sur Smashville. Oh bah j'ai été kick. Okay. J'arrive. Magie. Alors. La petite magie de Jazzpunk. Je continue à commenter de toute manière. C'est toujours à la première stock. 43% et 25% pour le buzzer. Alors on est reparti. Je vais faire. Ici je fais clac-clac. Comme ça. Et bim. Exactement. Bim, le plein écran, et voilà, mais, on y va. Mais ce qui s'est passé, ben voilà, vous le voyez en stream, donc ce qui s'est passé, c'est que Yasmat, il a réussi à follow up son upper avec un back air, ce qui fait pas mal de dégâts, mais Bowser, ça reste un gros lard. J'ai l'impression... Là. Mais oh la vache. Oh là là. Oh, il s'est fait poubelled. Oh là, il s'est fait griffer le genou. Là, ça fait trop mal. Il s'est fait griffer le genou. Complètement. Ah, moi je te dis, hein, moi je pars sur des métaphores. Oh là 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 là, par contre il est là, en train de se faire. Oh le up smash. Oh là là, mais gros, il est passé à 148. Et c'est pas Pékin Express, gros, ils sont fous. Oh, par contre là, il va prendre tarif là. Ouais, là, il a pris 54%. Il a pris la promo 54%. C'est chaud, c'est tout frais payé. Et clean conversion. La conversion justement avec le nut, donc la métal et le fer. Très très. De la part de Smash Cut. Ah, il a failli se prendre encore une petite griffe sur le genou, c'était un peu tendu. Dans de faux faire comme ça, c'est trop. Up trop. Non, dans de faux faire. Et parce que ça oui, fait depuis début, plusieurs oui, ah, peut-être début, contre Levi's. Oui. Ouais. Oui, surtout contre Levi's au début, oui. Le mec, il est revenu. Non, je suis désolé, mais Yasmat, mais pas comme ça, mais non. Mais j'aime bien parce que Mika lui, il sait qu'il a un poids assez lourd, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que il est impérial sur cette stock. Là, le fer, c'était inévitable. En tout cas, là, on a un Yasmat
Comeback Goat. Comeback Goat. Goat back. Exactement. Comeback Goat qui est très très chaud. Oh là 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 là, mais non, mais c'est incroyable ce qu'il est en train de lui mettre. Et le side B, non, qui ne tue pas du tout. Qui ne tue pas du tout. Oh, ah ouais, là ça va être compliqué de remonter ça. Ouais, non, c'est foutu. Dernier stop pour les deux, toujours balle de match du côté de Mika. Est-ce que c'est encore possible à Mika de finir ce match? Je le sens. Mais après, j'ai un petit peu fond en Yasmat, mais restons impartial. Les deux joueurs nous offrent du spectacle. Nous offrent. Oh, oh, yo, yo, yo. J'ai mal à mon crâne. Oh non. J'ai mal à mon crâne. Je suis descendu tout en bas. Je laisse ça comme ça parce que je pense que je vais reprendre directement ton restream parce que ça évitera de galérer en masse. Ça marche. Ça marche. Je vais juste changer l'overlay devant tout le monde, comme ça. Voilà, on change l'overlay devant tout le monde. J'arrive même pas à trouver les résultats. Il y a 2-2, hein, du coup. Exactement. 2-2. Je vous dis, Yasman Goat, il a un Megaman. Mais Mika, est-ce que moi je connais Mika que en tant que Bowser? Est-ce que toi tu penses que Mika il a un pic? Un autre pic pour contrer Yasman Goat, ou c'est full Bowser? Ah, je pense que ça peut être fait, ouais. Je pense que oui. Je pense que, mais après il est quand même majoritairement connu pour son Bowser. Oui, je le vois bien sortir que des Bowser, vraiment. Que son Bowser. Mais contre Megaman, Bowser, c'est dur. C'est dur. Mais est-ce qu'on aurait pas dit, je le connais que en tant que Bowser et je sais que c'est quelqu'un qui fait d'énormes résultats. Mais Bowser. Ça va rester sur Bowser, clairement. Ce serait incroyable, un comeback de Yasmat, un reverse 3-2. Un reverse 3-0, parce que c'est. Un reverse 3-0, parce que là, Mika bat tous les deux sur leur balle de match. Et franchement, c'est une rencontre. Il y a eu un début difficile au niveau du stream, mais très très intéressante en tout cas, des deux côtés. Donc on va faire comme ça, donc voilà, ça tire déjà du côté d'Yaz dans le chat, en tout cas de la part des causes, et ici, 32% sont trouvés. Ouais, il a bien fait de sauter. Ah, c'était une très bonne option. Très bien fait de sauter, mais en tout cas, ça fait quand même des pourcentages gagnés pour notre ami Bowser, le 5B qui a été trouvé, mettant en désavantage Yasmat. Là, c'est le cul. Là, il voulait piétiner. Oh, j'ai vu la stock partir. Oh, il a été trouvé. Là, c'était sur la spot dodge. Sur la spot dodge, en tout cas. Alors, donc, j'ai le temps de switch parce que je me fais pas kicker de l'arène, donc on est bon. Là, il est obligé de comeback très très vite avec une grosse douille, sinon c'est foutu. Non, là c'est clair parce que là, c'est vraiment une stock entière. Une stock entière d'avance pour Mika, qui lui est très confortable en tout cas. Il va pas hésiter à le cogner. Pour monter les pourcentages, il faut être vraiment tranquille. Ça commence. Il commence à avoir les bonnes DI et tout. Il se prend plus les dents de Frofer. Ah ouais, voilà, la GitHub attack là qui était la bonne option pour le coup quand t'es sur une tech chase comme ça. De la part de Mika qui l'envoie encore en désavantage. Il y aura un perdant. Oh, le up smash. Mais oui, c'est le up smash. Allez, Yasmat, pour la WG quand même. Est-ce que tu vas nous faire quelque chose? Une dinguerie. C'est quand même deux stocks quasi entières d'avance pour Mika. Et ça va être très très compliqué. Yasmat de rentabiliser. En tout cas, le comeback des deux derniers matchs là. De nouveau en avantage, de nouveau en désavantage avec le side B quand même. C'est pas la première fois. Ça le met fort en désavantage. Metera qui me dit qu'il a un Falcon, un Ridley, Shulk, Samus, Mika aussi. Falcon, Ridley, Shulk, Samus. Oh, par contre, là, ça en part sur un gros 3 stock. Hein. Là, ah, pour l'instant. C'est pas nécessaire parce que son Bowser fait le taf. Son Bowser fait trop le taf. Oh purée, je l'ai senti. C'est fini, je pense. Non. Je pensais qu'il allait atterrir sur la plateforme. Pas tout de suite en tout cas. Yasmat va quand même se de l'honneur ici. Sa manière de retour, elle est incroyable. Par contre, il avait des meilleures options que ça là. Ça va être tendu. Le petit qui va prendre la stock, ce n'est pas un 3 stock au moins. C'est pas un 3 stock. De toute manière, Yasmat, on sait que. Il a encore la loser, le pire des cas. Oui, bien sûr, mais le back la stock s'en va, ça fait. Là, ça part très très fort. Ça part très, du 3-1, du 3-2 pour Yasmat Mika. Il a réussi à rendre le set intéressant de toute façon, mais du coup, on va prendre Mika. Tigers
contre. Attends. Tigers Mesquite, ils ont pas encore. Moi, je t'aurais dit plutôt. Moi, je t'aurais dit plutôt un Naitoru. Tu Mika reste et tu lances Naitoru Mika en fait. Stream. Ouais mais non parce et qu'après ils vont pas jouer, ils vont pas jouer pendant 1000 ans. Ah, je vais envoyer Tigers Mesquite je pense. Ok. Mais en tout cas bien joué à vous les gars, bien joué. C'était un match assez intéressant quand même. Didiz à bravo Mika, très très bien joué, forcément. Ah Mesquite DQ. Mesquite DQ ou Mesquite DQ. Du coup, on va prendre Tigers contre Yasmat Got. On stream Yasmat, peut revenir. Wait. Pourquoi Mesquite DQ? Je sais pas. Ça fait trop longtemps. Mesquite. Pensez en la winner finale, pensez à valider votre match, Naitoro Mika. Ouais, et... valider votre match est grand. Et Mesquite, t'es dans le chat? Mesquite. Allô Mesquite. GG Mika, bien joué à toi. Et ouais. Encore GG Mika. Yasmat lui connaît le mot de passe. Yasmat J1. Pensez à lancer votre match. En tout cas, à faire au moins votre check-in avant qu'on le revienne vers vous. Ok, mais c'est cool, DQ. D'accord. Ouais. Il faut que tu check-in, Yaz. C'est dommage, c'est vraiment dommage en tout cas. On appelle Tigers, les jeunes Tigers, on appelle à la barre, les jeunes Tigers, s'il vous plaît, viens en stream. Mais purée. Tu me dis. Mais je viens de voir le teaser. C'est Jasmine qui sera votre hôte pour ce nouvel événement. Bon, du coup, Mesco, à mon avis, il a du DQ parce qu'il s'est qualifié pour l'étape finale, ça doit lui suffire. Ouais, mais c'est... faut terminer le tournoi, wesh. C'est pas grave. Ouah. Je me disais bien que l'ombre sur le teaser d'Elias me disait quelque chose. Oh purée. C'est vrai que cette ombre là. Ah là 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 là. Et du coup on aura un donc Yasmat. Alors on sait. Moi je vais pas deviner qui est le pic de Yasmat parce qu'il y en a plein et Tigers potentiellement. Certainement un joker et de ce que je sais c'est un joker qui a fait entendre parler de lui ces derniers temps en tout cas. Ouais donc ouais Mesquite il a dû se qualifier pour son top 8, il était content, il était c'est pas il a pas ah, tant tort que ouais, ça je... terminer un tournoi quand tu fais hein. Terminer le tournoi hein. Bon c'est pas grave, il est qualifié pour l'étape finale. Il a fait l'effort de venir, il était 6-1, il a fini 7, ça fera plus d'upset. Ça fera plus d'upset, ça fera peut-être plus de gens, d'autres personnes qui vont sûrement se qualifier. Donc, on est d'accord que Trax, par exemple, lui, MDR l'AD, ouais, de ouf, hein, MDR l'AD. Bah, c'est pas grave, il a des Q, hein, c'est la rue, hein, tu sais, ça pourrait très bien être pour une autre raison, hein, parfois t'es obligé de des Q. Hein. Ça, c'est vrai, ouais, mais bon. Il a fait ce qu'il a pu, il est venu. Il s'est qualifié pour l'étape finale, il a sa place. Ouais. Juste, le seeding est en fonction. Donc son seeding sera pas incroyable. Ok. Ouh, j'ai pris un coup de froid là. Frisson. En fait, il faut savoir que donc ici, je vais animer un petit peu. Donc à faire. C'est donc ma salle de stream. Et c'est donc une pièce à part qui est dans le bas de ma maison, dans une salle qui n'est pas chauffée, il n'y a pas de radiateur. Et du coup, il fait un peu frais. En vrai, j'ai un lit et tout, donc je peux dormir là, mais j'ai une chambre aussi en haut, du coup. Mais donc là, ici, ce n'est pas ma chambre. Et du coup, j'ai des petites figurines. Et voilà, c'est tout. Et je m'étais amusé, là, comme vous voyez, j'ai une figurine Crash Bandicoot, je vais pas trop la sortir, mais on peut voir de loin. Je m'étais amusé à mettre Rébellion, l'épée de Dante, dans la main de la petite collection de Crash Bandicoot. Mais ça va pas stream tous les matchs, Mika. Les deux, en fait, que les quarters.
En tout cas, le c'est pour ça qu'on vous fait attendre un peu. Lancé, mon pote, hein. En fait, une fois que les deux quarters sont faits, non. Je lance la winner finale. Donc là, il faut ce set-là, Yasmat Tigers. Ensuite, Irnel contre le gagnant de Trax Maxo. Et après, vous passez en stream, du coup, Mika. Donc là, vous avez bien une petite... petite 40, ouais, 30 va. Minutes, je pense. Ça va aller vite. 35 minutes. Ça va aller vite, en tout cas. Ça va aller vite, je pense. Bon, Yasmat Tigers, avec l'avantage Tate qu'on est deux, ça va aller très très vite. Et merci, ouais, Mika. Estedix aussi. J'avais même pas vu. Merci, Estedix, pour le follow. Hein. Ah, on sait, vous êtes des hommes occupés. Hein. Vous êtes célèbres, vous êtes des hommes occupés. Vous êtes en grande finale. Vous êtes en winner finale. Sachez qu'il y a des gens qui travaillent aussi. Moi aussi, je travaille, mais je suis là. Moi, je vais animer. Oh, j'ai pas du tout changé. Je suis trop une race. C'est... Ouais, mais tu peux laisser soigner le mat, tu mets voilà, tu mets Tigers. Et c'est 0-0. Et ça part sur de Mewtwo versus Joker. Tu crois qu'il sort Mewtwo spécialement pour Joker? J'ai l'impression qu'il a sorti un perso différent par game. C'est comme ça, c'est la roulette avec Yasmat. En tant que quand tu commentes, faut pas s'attendre à savoir que Yasmat va sortir tel ou tel perso, c'est vraiment la roulette russe. Tu trouves que le son du stream est vraiment très faible? Le micro ou le son du stream en lui-même? Genre le son du jeu. On peut modifier ça, il faut juste que tu me dises si c'est le son des casters ou... Parce que mon son, je peux pas l'augmenter plus que ça. Bah alors c'est tout alors. C'est tout le son alors. Parce que... mon son, je peux pas l'augmenter plus que ça, le mien. Là, il est au maximum. Mon son de micro. Je peux peut-être parler un peu plus fort. Et aussi le son de Mamoru, ouais. Mais ça, le son, il peut... Oui, bien sûr, je peux monter le son de Mamoru. Ah ouais. Ça, tu... Bah, monte mon son, alors. Là, je l'ai monté au max. Est-ce que c'est mieux pour Mamoru? Yeah. On est et là, j'ai un peu augmenté le son du jeu. J'ai un peu augmenté le son du jeu aussi. Attends, moi, je vais regarder. Je vais aller sur le jeu. Mais en attendant, il y a un avantage de stock. On tourne la tête, il s'est déjà passé ça. On tourne la tête, il s'est déjà deux stocks de partie. Trop fort le jeu. Trop fort le jeu, ok. Trop le jeu. Là, c'est mieux là. Aïe aïe aïe. Pas trop le son, sinon on n'entend plus Mamoru. Ouais, sinon on m'entend plus du tout. Donc là, c'est mieux là. Et j'ai mis ton son au max, Mamoru, hein, sur Discord. Ok. Mais en tout cas, moi, même ma voix, je suis max. Si je crie tapage nocturne, je vais me faire arrêter, vous allez rien comprendre. Du coup. Ah, mais attends! Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà deux stocks de parties, wesh. Ah, c'est là pour augmenter son son, Mamoru. Là, ça doit être mieux, là. Vous devez mieux l'entendre, là, je pense. Ouais. Test, micro. Test. Est-ce que vous l'entendez mieux, là? Ah, oui. Même moi, je m'entends mieux. Ok, donc c'est impeccable. Même moi, je m'entends mieux. C'est impeccable. On est bon. Mais okay. Tu sais que pendant qu'on est en train de régler. Oh, le comeback! Il y a eu un comeback de chacun, là. Attends, mais. Yasmat. Mais en fait, je te dis, c'est des joueurs à avantage tête, les deux, hein. Seulement. Oui, c'est des cogneurs. Non, c'est des cogneurs là. Ces deux-là, c'est des cogneurs. Ah ouais, parlant par contre là, ouais, ça va s'envoler. C'est le backer qui trouve la sortie. Oh, Naitoru, il a lancé un raid. Ça veut dire que. Wesh, Naitoru il lance son raid avec son groupe de mecs tout seul. Mais merci, Naitoru. Ah bah, Naitoru, je te lance. Yo, Priga. Yo, Priga. À mon avis, on va mettre le petit 1-0 pour. Yasmat Tigers. C'est toi le mec tout seul. Wesh, merci le mec tout seul. Bien vu mec bien tout quoi. Seul. Merci Naitoru et merci le mec tout seul. Bien vu mec tout seul. Bien vu au mec tout seul. Du coup 1-0. Alors. Ça tombe bien parce que je crois que j'ai changé que pour Yas, donc je me suis trompé. Alors, Mewtwo, peut-être que c'est pas la bonne carte. Qu'est-ce qui va tirer cette fois? Ah, je ne pense clairement pas que ce soit la bonne carte. Mais moi je pense que petit à petit, à chaque fois, il va se rendre compte que à chaque fois il perf bien avec son. Mewtwo, ouais. C'est son perso de cœur, c'est son perso de base. Il a un viewer, bah ça arrive des fois. Merci, Metera. On lui demande du Smash et quand il stream Smash. À mon moins, tu sais que il y a. Merci Metera pour le follow. Qui a ses viewers fidèles au poste. Hein. On sait qu'il peut compter sur Praiga. Praiga. Et merci, du coup ça doit être Naitoru. Non, c'est Natroxky qui vient de follow. Merci pour tous les follows, il y a eu beaucoup de nouveaux follows aujourd'hui. Hein. Pour la chaîne Deluxe Gaming, je vais les compter. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec Priga, merci.
Merci les gars et bonne soirée à toi et Cause. N'oubliez pas que un événement vient d'être teasé sur la chaîne. Bonne soirée Icos sur la chaîne sur le compte Twitter de Helios Gaming et ce sera streamé sur cette chaîne. Donc, oh la vache, la face qu'il vient de lui mettre, c'était incroyable. Désolé, on se retourne dans le match. Mais moi je t'ai laissé parler, mais moi j'étais en mode pog. Là j'étais en train de regarder en mode. Oh. Bah en fait il lui a mis une face d'avantage, elle était juste insane. Elle était incroyable et quand même hein, Yasmat qui est certain de rester sur son Mewtwo. C'est Priga qui dit attends mais c'est Mamoru le beau gosse Shoto en casse là. Attends mais c'est Mamoru, bien sûr. Le plus beau de tous les beaux, le plus Shoto de tous les Shoto, c'est moi j'aime Simi. Aïe. Oh ça, attends quoi ça, attends on est d'accord que ça a spot dodge le down B là. Bah c'est pas qu'il a spot dodge. Je me demande si soit il a spot dodge, je crois qu'il a eu une animation qui a changé ça en fait, c'est tout. Ouf. Oh dommage, il avait ride. Moi je pensais que, moi à ce moment là, après le Dombi, je pense que le fer aurait peut-être trouvé la stock, mais bon, ça a tenté quand même de ride l'air dodge. Finalement, donc tous les deux sont offstage, quand même Yasmal qui reste en désavantage, c'est lui, non, c'est Tigers qui se met tout seul dans le coin, la Bactro qui tue, ok, la Bactro qui tue. Ça je savais pas qu'elle pouvait tuer à ce pourcentage, après peut-être que c'est parce que Mewtwo et là Ultro qui... Non, prochaine Ultro à prochaine, mon avis, tu... là ça tue là. Voilà, là on parle de ça et là ça tue certainement, ça c'est clair et net. Mais Yasmat du coup, on n'y a pas pensé mais qui fait son deuxième match en stream d'affilée et ça peut commencer à fatiguer à force. Hein. C'est possible. Après de toute façon, il a sa place, il a son qualifier, ouais, mais sinon. Tout ce qu'il risque là c'est de ne pas respecter son site. Mais en parlant de qualifier, en attendant que voilà, pour en continuant à regarder le match, c'est combien de tournants pour le qualifier? Donc là, on est au deuxième. Il y en a trois, et le quatrième, c'est les 8 seront choisis avec ceux qui ont fait les meilleurs résultats overall. Oh là 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 là, mais gros, l'avantage state! Non, l'avantage state de Tiger, elle est incroyable. Elle est incroyable. Mec, il touche, il tue à chaque fois qu'il touche. C'est. Il confirme, c'est tout. Il confirme. Oh, il a trop faim. Et là, Yasmat, à mon avis, Mewtwo, c'est clairement pas le bon pic, à mon avis. Ouais, si Yasmat nous entend. Mais non, il faut pas qu'il nous entende, c'est triche sinon. Mais à mon avis, là, tout ce qu'il fait. Moi, je suis en train de lâcher un petit choc mental à Yasmat. Mais là, en fait, le truc, c'est pas ça, c'est que là, il a un mec. Qui a un excellent avantage state, plus son perso a un avantage state de ouf aussi, et il joue un perso avec une Earthbox trop chelou genre. Mais à ce moment là, il faut vraiment un perso qui empêche Joker de pouvoir produire son avantage. Ah bah moi là, à sa place, je go Megaman. Ah, ah j'ai vu le upper. Oh là là. Quoi? Non. C'est attends, il a donc là on est d'accord que Yasmat il a extend sa box, donc du coup il y a eu lieu. Il a extend sa box pour augmenter sa co. Exactement. Bien sûr. Mais il essaie de se faire trop de dinguerie Tigers. Bon, dernier stock quand même. Il faut respecter Yasmat un peu, il faut le respecter. Mais quand même, hein, Yasmat. Parce que Yasmat aussi c'est une momentum. Que... Ah bah c'est fini. Non, pas encore. Mais peut-être que Yasmat lui il respecte pas ses jokers, je crois. Ouais, bon là, il est foutu. Il a pas assez respecté Joker de son avantage, de ses déplacements, de ses kills confirmes pour pouvoir essayer de mieux tenir sur ce match. Mais là, comme tu dis, hein, c'est l'heure du changement de pick. Ouais, là on connaît Yasmat. Yasmat, de toute façon, il ne s'amuse pas jamais, il a pas de game de retard. Je pense que c'est un peu la soif de Yasmat, je crois. À mon avis, c'est. Ok, je suis dans une situation où c'est déjà 2-0. C'est parti. Tu poses la carte sur la table. On va pas rigoler là. On va pas rigoler. Mais c'est la première fois que je vois Tigers vraiment là. Non, mais on le savait que Tigers il a un excellent avantage state. On le savait. C'est clair et net. On le répète, on le dira toujours. L'avantage state de Tigers, c'est incroyable. En tout cas, surtout avec Joker. C'est pour ça que on a beaucoup parlé de lui en tout cas sur la scène. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Ça a fait beaucoup parler. Mais bon, Yasmat de toute manière, il est qualifié, mais il va pas se laisser faire. 2-0, il va pas laisser ça comme ça. Il va pas laisser ça comme ça. Non, Yasmat, alors, comme on dit à chaque fois, Yasmat. Yo, Kirbo.
Salut à toi, Kirbo. Et alors. Non, Yasmati, il aime pas commencer. Tu vois, il aime pas gagner la première game d'un set. Mm-hmm. Il sent que c'est pas juste, sinon. Ouais. Tu vois. Je rigole, bien sûr. Il est trop gentil. Il est trop. Non, mais c'est vrai qu'il est trop gentil, Yasmati. Tu sais que, pour anecdote, j'ai été témoin d'une grande finale en Belgique. C'était à l'époque de Smash 4. Et Yasmat, il a omnistock par rapport à son adversaire en grande finale. Mec, il est trop gentil. Jamais je omnistock en grande finale. Je m'en bats la race. Ça me regarde pas. Mais là, voilà. Là, il a sorti. Il a vu que Mescol, il était plus là. Il a dit, bon ben, c'est bon le Ridley ce soir, en vérité. C'est bon le Ridley. Il a mis... Merci pour le follow. Rouge. Je vais aller voir c'est qui. C'est Kirbo, je suppose. Vu qu'il vient d'arriver. Ouais, c'est pas faux. Je vais aller voir. La Switch passe en veille, c'est bon, je viens de m'en occuper. C'est Yego qui vient de follow. Ah. Merci. Salut Yego. À toi, Yego. Merci pour le follow. Ah, il a sorti son fameux Ridley. Voilà, qu'est-ce que je te disais. Et voilà, voilà, c'est fini. Bah non, ah non, voilà. non. Oh et... Il a sorti le Ridley. Quoi. Mais non, mais mec, quelle personne de voleur Joker. Bah oui. attends, il l'a regardé, il a dit qu'est-ce que tu vas faire. Hop, match. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé sur ce match-là. Alors là, on passe d'un Ridley online à un Ridley totalement offline. Là, on passe à Yasmat Gold cette fois-ci. Eh ouais. Vous connaissez pas, vous, hein, Yasmat Formadel Ridley online, mais nous, on joue contre lui tout le temps, là. Et vraiment, il rend fou. Hein. Non, vraiment, vraiment, il est très fort. Hein. Non, vraiment, il est très fort. Mais il se fait plaisir. Là, Yasmat, il se fait plaisir. Oh, il a vu le downbeat pour sécuriser la recours. Ça, c'est très très bien joué de la part. Est-ce que le side B tue? Et le side B tue. Là, regarde, là, tu vois que Yasmat ne rigole plus. Yasmat ne rigole plus. Là, il empêche Tiger de jouer son jeu, d'avoir son avantage. Il se met tout seul il se met en désavantage, Yasmat, mais on sait qu'il va revenir sur son neutral à n'importe quel moment. Là, il est tranquille. Non, finalement. Mais qu'est-ce qu'il tente? D'ailleurs, tu vois, il sort. Il fait des reverse B. Il veut tenter sûrement un. Juste pour ralentir justement la chute. Pour tenter un back air. Pour tenter un fer. Je pense que c'était le but en tout cas de. Oh bah non. Oh non. Ah, yeah, ouais, ça c'est dommage. Oh non, le mushroom. Oh non, non, non. Pas les mêmes matchs. Aïe, 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 aïe. Pas comme ça, Zinedine. Pas après tout l'avantage après... que t'as fait. Pas comme ça. Après là, on a quand même Yasmat qui montre qui il est quand même. C'est ça, le Ridley de la Yasmat. Ouais, ouais, Mescol. Parle pas trop, Mescol, parce que t'as. Ah non. Un tournoi. Non, non, j'ai la haine. Parle pas trop, t'as pas fini ton tournoi. Parle pas trop. Le Ridley de ce soir, c'est Yasmat, je suis désolé. Le Ridley de ce soir, c'est Yasmat. Ouais, fallait terminer ton tournoi. Mescol, hey il faisait un autre tournoi en même temps, probablement, je suppose. Et puis là, il a eu. Il a raison, il s'est qualifié. Ah bah, ça m'a décuit. Et pourquoi ça t'a décuit? Dis-moi pourquoi ça t'a décuit. Je suis arrivé en retard et personne ne m'a prévenu. Moi j'ai entendu dans l'oreillette que bon, t'as eu ton top 8 alors t'as plus voulu jouer. Non, c'est pas ça du tout, mais Ok. Comment ça t'a... Ah ouais, bah non, ouais, juste t'es arrivé en retard quoi. Et le bracket il t'a décuit automatiquement. Ok. Ben c'est la faute à Smash GG. C'est la faute à Smash GG. En vrai, il y a. C'est la faute à Smash. Tu joues jamais de tournoi. Ok. Mais non, c'est juste arrivé trop tard et ça t'a DQ. Ouais. Mais de toute comme manière, ça aurait pu arriver n'importe où. Mais de toute façon, t'es qualifié. Mais de toute façon, t'es qualifié. Tranquille. Donc c'est pas très très grave. Tranquille, t'es qualifié pour l'étape finale. Y a pas d'embrouille. Y a pas de souci. Donc y a pas. Mais de ouais, il faut tout le temps être. Faut être présent, les gars. Ouais, il faut être tout le temps regarder faut le bracket. Faut être présent, tout, les gars. C'est un peu galère, même. Mais c'est pas grave, bien joué en tout cas, Mescol. Ouais, Mescol, t'es qualifié. T'es qualifié, calmement, tranquille. Et puis comme ça, tu gâcheras pas trop la vue sur Yasmat. C'est parfait. Non, voilà, en vrai, ouais, bien sûr, donc c'est pas grave. De toute façon, j'aurais dû jouer à l'abri de la daronne. Ouais, voilà. Non. Ah pas... ouais, donc. C'est pas grave, ah, t'es qualifié. Tu joues en soum-soum. Tu joues en cachette. Comme ça. Donc là, on a un léger lead de la part pas, de. Donc, un léger lead, mais ça, c'est que du pourcentage, c'est que des chiffres. Là, le vrai lead, ça va être au bout de la première stock retirée. Mais. Avec moi en cast, c'est Mamoru. Le Shoto Enchanté.
Enchanté en tout cas. Je pensais que c'était le up smash qui allait toucher en premier. Je pensais que c'était le up smash. Et là, ici, Yasmat qui reste dans le coin. C'est très dangereux avec ses successions de back air de la part de Joker. C'est très, très dangereux. Là, c'est parti. Avantage. Tu vois, comme je t'ai dit, là, maintenant, on peut parler d'un léger avantage. Là, on peut parler de l'avantage de notre ami Tigers. Le top pitch, j'aurais dû le faire en cachette. Le top pitch, j'aurais dû le faire en cachette. D'accord. Okay. T'es pardonné. Mais j'ai quand même perdu de l'argent que j'ai, toi. Toi, le mec qui force. Le mec qui dit trop fort. Je suis obligé de parler plus doucement à partir de maintenant. Je vais pas pouvoir lever la voix plus que ça, malheureusement. J'espère qu'on m'entend dans le chat assez. Normalement, ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. C'est parti. Et ben voilà, l'avantage de Tigers. De nouveau, parti de gros, c'est vraiment une dingue. Il y a vraiment un avantage de ouf. Le nerf couvre bien le ledge trap en tout cas. Ouh. Ok, c'est une tentative de ledge board avec le domino finalement, c'est Yasmat qui a revenu dessus. Vous savez, c'est ce genre de moment que je me dis que je suis vraiment heureux que Mario ce soit even contre Joker. En vrai. J'aurais Mario, comme je le dis, c'est trop sous-estimé comme perso. Ça glissait en scred. Oh, attends-moi cette interaction. Cette interaction. Là, le whiff du Ultimate finalement qui a terminé par un back air. C'était prévu. Yasmat, il va me dire que c'était là depuis le début. C'était prévu. En fait, non, il va me dire que je l'ai pas fait exprès. Mais finalement, voilà, écoute, ça a marché sur le coup. Et donc, 133% pour Ridley, ça peut partir. Ridley, on pense que c'est un perso lourd, mais pas du tout. Hein. Un paquet largement à éjecter. Tu vois, moi, c'est le moment contre les Heavies comme ça. Les Heavies. Les ceux qui font très mal, on va dire. Où j'ai le plus peur quand t'es vers 50% là, parce que c'est le moment où ils peuvent te mettre leur meilleur douille. Et t'as trop le mort de perdre ta stock à ces pourcentages là. Ouf! Ok. Putain, il réagit tellement vite, c'est dingue. Je sais pas comment est-ce qu'il fait pour réagir aussi. C'était bien joué. C'était ça qu'il cherchait. C'était ça le ledge ward avec le Dombi sur le hubby de Ridley. C'est ça qu'il cherchait depuis là tout à l'heure. Moi je me casse, moi je pose mon casque, moi j'en ai marre. Il y avait le léger avantage de notre ami. Ah non, c'est, j'en ai marre. Là franchement, là j'arrive plus. Là je perds toute salive. Là je commence à sécher, là j'en peux plus. Aussi sec que le F-Smash de Ridley, là j'en ai marre. Là j'en ai marre. Il a essayé de chill grab. Oh bah alors là par contre ça va être un sale punish. Quoi, ah ouais. C'est un gros backer là. Parfaitement punish avec ce backer. Nani de fuck! Oh bordel! Arrêtez! Ça suffit! Arrêtez! J'ai mal! Il est déjà mort! Arrêtez! Je suis oh là 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 là! Alors yo, Hannes Low on Fire, y'a pas le bracket, mais est-ce que Mamoru va te mettre le bracket dans le. Je suis le bot du soir et le co-cast. Bonsoir! Je t'envoie ça tout de suite. Trop chaud! Trop chaud! Trop chaud. Yo Ace, comment tu vas? Bien Ace. Ah, Ace c'était le wolf de la braquette, je crois. Qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu 2-1 contre Trax. C'était pas si mal en vrai. C'était pas si mal. Alors, donc il y a Irnel et Trax qui sont déjà prêts. Donc Trax il a gagné 2-1 contre Maxou. Il sort toujours un pic et puis il y a son snake. Là, ça veut dire qu'il a du mal, il a du mal. Donc c'est 2-2, hein. C'est 2-2 ce match-là. Ouais, là il y a 2-2 là. Voilà. J'ai kiplé Trax, moi ça me va de ouf. J'ai vu rapidement. J'ai pas pu trop rester dessus à cause du fait que je casse, mais Ace ça clip, il clipé Trax et ça a arrêté là dans sa run. J'ai clipé Trax, moi ça me va. Ouh. Je pense que. On va le voir. Est-ce qu'on va le voir? Ça me chaufferait de voir ça. Hors sujet, mais il y a un sacré vent chez moi. Ça commence à me faire flipper. Il y a quoi? Il y a un sacré vent là, il est en train de toquer à ma fenêtre. Il est en train de dire salut! Ça va? Le vent belge. Le vent belge à la voix si aiguë. Du coup, rien à voir. Hors sujet, je suis vraiment navré. Là, je suis en train de péter un câble. Parce que Yasmat, il est en train de. Moi, j'arrive plus à analyser les matchs. Moi, je sais même pas analyser les matchs là. Yasmat il est magical, Yasmat. Mais bon,
c'est vraiment un match que j'aime beaucoup regarder. Ah oui, c'est très agréable. Tant pour l'un que pour l'autre. Mais gros wesh! Regarde, il y en a un qui a de l'avantage et l'autre qui douille. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y en a un qui est là, qui donne, qui domine, qui combotte, qui te fait des dingueries et l'autre. F-smash. Allez hop. Par ici la sortie. Oh là 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 là. Mais bon, 109%, c'est pas compliqué. On a vu le F-Smash qui veut. Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que Tiger, s'il veut le faire sortir, il veut l'éjecter le plus rapidement possible. Du coup, tu vois qu'il y a un F-Smash qui a été tenté, il y a un back air qui sort. Ah, le F-type du mauvais sens de la part de Tiger. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit Irnel, parce que je sais que ça va être le prochain match. Et le back air qui a trouvé la première stock, du coup, deux stocks de 2,50, 61, 81%. Qui finalement met en désavantage Tiger sur sa seconde stock, le F-Tilt en Lash Trap. Et finalement, toujours en Lash Trap avec le Trap B. Encore F-Tilt, non, finalement, ça tente de cover le jump avec un back air. Finalement, tous les deux revenus sur le neutral. Ça, UB. Le drag down, le back air. Tout y est, je joue Kerr. Mais là, voilà, tu vois, c'est 77%, mais là, Yasmat, c'est un smash et tout est ouf. C'est parce qu'elle a voulu tenter la smash par rapport à son up B vers le bas, là. Le back air qui met très très loin Tigers, qui ramène Yasmat à la situation de trap finalement, qui reprend le neutral, et de nouveau en désavantage. Oh, il a trop eu la dalle, il a trop forcé. Il ouais, voilà, trop... il a mérité. Il a mérité le là. Ah ouais, moi je j'arrive pas à me faire à l'idée que Ridley soit si léger malgré son apparence. Ah, c'est dur. Hein. C'est forcément. Et là, c'est parti, hein, l'avantage shade de Tigers qui se fait sentir très vite, on est vite à 35%. Il a 138%, il veut le faire éjecter. Ouais, okay, et voilà, voilà le back air qui finalement trouve la stock. La stock, 43%. Ah, je suis tendu, peu importe qui gagne, je suis trop tendu. Oui, c'est fort. Là, c'est fort, là. Il n'y a pas de. Aucun des deux participants ont démérité leur match ici, quoi. Peu importe le résultat. De toute manière, sont tous les deux qualifiés pour rappel. Il y a encore un tournoi de qualifier la semaine prochaine, hein. Chaque semaine. Hein. Ouais, il y en a encore un la semaine prochaine. Ouais, donc quoi qu'il arrive, les gars ici présents sont qualifiés. On va les retrouver dans deux semaines, je suppose. Il a tenté un Don't Eat Out of Shield, je suis pas sûr que ce soit une option viable, à moins que ça puisse catch une spot dodge peut-être, mais là ça devient compliqué, hein. 156, à moins qu'il lui mette un gros F-Smash ou un truc comme ça, il va probablement galérer. Okay. Et voilà, il a voulu, voilà, c'est il, ça, a mérité. Il a voulu, il et a mérité. C'est finalement, il a mérité son F-Smash. Tiger qui prend ce match-là, qui termine 3-2, et Yasmat qui n'a pas démérité non plus son parcours. Il n'a pas démérité son parcours. Et c'est comeback, hein. C'est comeback, hein. Donc voilà, ça tire déjà pour Tigers ici. Donc Tigers qui rejoint la loser semi et attendra le gagnant entre Irnel et Trax. Que ça va être du Wi-Fi. Non, c'est, j'ai lancé off stream parce qu'on sera trop short niveau temps. On va prendre On va prendre la winner finale. Comment il m'a mis un stop? C'est incroyable. Moi je suis là, j'étais chaud. Le stop que je me suis pris, mais j'étais pas au courant. Du coup, ça va aller sur Naito Rumika, clairement. Ils ont déjà la reine, hein, bien sûr. Ils ont déjà la reine. Yasmat, bravo. Yasmat, si tu peux revenir sur le... Bah, il est déjà sur le chat. Aïe, Yasmat. Yasmat, mais tu nous as fait plaisir quand même. Hein. Ce match-là, il est très très plaisant à regarder. C'était beau à regarder. Mais bien joué à Tigers, là, qui s'est repris sur la dernière interaction. C'est dommage. Hein. Là, il a fait une dernière stock impériale. Hein. Elle était incroyable. Ouais. Hein. Rien. Mais c'est dommage, hein, pour Mewtwo au début. Hein. C'est très très dommage avec Mewtwo au début. Bon. C'est vrai que le set aurait été plus intéressant s'il y avait directement le relay. Et bravo à Tigers en tout cas. Bien vu. Vous avez oublié de valider le match. Validez vos matchs, les gars. Validez. Toujours validez. Il faut que un des deux vérifie dans le. Je crois que c'est Yaz qui doit vérifier. Ouais. Non, c'est bon, ça a été vérifié. Ok, c'est bon. Alors, Jasmine qui me pose que des stops. C'est incroyable. Désolé. Non, je rigole. Non, je déconne.
Je déconne. Alors qu'on est combien ce soir? On est 20 personnes, donc c'est vraiment les 20 là, ils ont suivi jusqu'au début. Merci à vous d'être là. Les méfaits de jouer plein de persos. Mais t'as trop la dalle, tu veux jouer tellement de persos. Et en plus j'ai vu sur le bracket, attends, qu'est-ce que t'as pris? Je vais te dire ça tout de suite. Alors, il a sorti Megaman Terry, puis Meta Knight Plante, Mewtwo, Ridley. En fait, t'as fait toutes tes cartes encore. Je crois que le seul que j'ai pas vu... Non, il y avait tout le monde. Et c'est parti. Les méfaits de jouer plein de persos, bah oui. C'est pour ça que j'essaie de pas trop me barrer n'importe où. C'est pour ça que j'essaie de rester un peu sur Mario et Chrome. Attends. Ah, j'ai eu le clip de Ace sur Trax. Et donc on a... Naitoru contre... Naitoru contre... Non, j'ai pas pris Game & Watch. C'est vrai que tu joues Game & Watch aussi. J'y avais pas pensé. Oh, et on a Naitoru Mika qui va se lancer. Je dois changer. Je me suis fait... Tu t'es fait tag sur Twitter aussi. Oui, j'ai vu. Mais est-ce que je peux... Attends. Bien vu, Ace. Donc ce sera Naitoru. Ce sera Red Bloods. Naitoru. Oh, ils commencent cash. Putain, ils sont trop fins. Red Bloods, Naitoru. Et de l'autre côté, en J2, on aura Echo, Mika. Bim, j'ai eu le temps de changer. C'est parti. Maintenant, on est reparti en tout cas sur du Mika Naitoru. Alors, en espérant que ça ne bug pas de ton côté. En tout cas, de toute manière, j'ai laissé le stream Discord au cas où. Je vais te laisser caster quelques secondes. Let's go. Et je vais aller aux toilettes vite fait. A tout de suite. Ah. Mais quand tu reviens, ce sera mon tour, s'il te plaît. Vas-y, pas de problème. A tout de suite. Y'a pas de soucis. En tout cas, c'est parti pour ce premier match. Du coup, déjà 91 à 71, finalement 111 du côté de Mika qui. Bah, encore, c'est assez even pour l'instant. C'est assez even qui subit pas mal encore la pression de Pichu. D'accord. Ouf. Le Dambi qui l'a fait redescendre sur terre, mon pote. Et finalement, le Sandy qui ne tue pas le Pichu. Le Sandy. Comment il peut. En fait, il a sûrement pensé que le fait. Enfin, le F-Tilt. Elle a peut-être gagné sur cette interaction, mais finalement, c'est le side B ultra chargé de notre Pichu qui commence d'ores et déjà avec son combo starter, forcément. Upper, down air, ok. Upper, back air, finalement, qui redescend encore une fois notre ami Bowser. Et là, le side B. Et ouais, le side B qui a bel et bien tué notre ami Bowser à la première stock. Franchement, je suis assez étonné là-dessus. Je pensais que l'interaction allait être gagnée par Bowser sur le style, mais non. 106% déjà du côté de Bowser, donc ça peut aller très très vite. Bowser qui prend quand même le contrôle du neutral, finalement, qui laisse revenir sur le neutral, mais qui quand même couvre le up B avec sa dash attack. Alors voilà, c'est la mort, c'est le F-Smash, c'est certain. Après... les jab lock. Donc du coup 108% c'est rien 108%, il suffit d'un back air ou d'un autre mouvement à part le side B ici, il y a traité bien. En tout cas ça peut aller très très vite, mon pote. Là je suis là, écoute, moi je cherche une opportunité pour te tuer, viens ici. Mais finalement non, trop vif, trop petit, trop rapide, je te laisse pas faire, mon pote. Ça se cherche, je te laisse pas faire. Prends un back air encore une fois et je suis en plein les straps, mais finalement non. Je remplace. Je vais revenir sur le plan. Et non, ça va, ça s'est calmé. Le side B. Le side B qui finalement enlève la deuxième stock à Pichu. Assez serré comme combat ici. T'as raté une interaction bizarre, n'empêche. Sur la première stock du Bowser. Naitoru qui tente de recover en tout cas avec le side B, tu vois. Et au-dessus de l'edge. Hein, donc il a chargé un maximum son side B. Et je pense hein, que Mika il a voulu tenter une interaction avec le FT. Finalement, c'est le side B de Pichu qui l'a éjecté de l'autre côté de la map. Il l'a griffé. Je m'attendais à tout sauf à ça. Il l'a griffé la souris.
Il a griffé la souris, mais du bout des ongles. Vraiment proche du ledge. Oh là là. Et 1-0 pour Mika dans cette. 1-0 pour Mika dans le set. Du coup, apparemment, c'est Mako est pas compatible avec celle de Sinogara. Ah, donc. Forcément, là, ça devient. Forcément, là, ça devient. Sûrement chaud par rapport à Sinogara, mais parlons bien. Mais allons voir quand même le match qu'en est-il. Là, c'est 1-0 pour Trax. Ouais, 1-0 pour Trax en Trax Sinogara en loser quarters actuellement. 1-1. 1-1, my bad. 1-1. Ah, ça vient de finir en 1-1. Ok, donc ça devient assez serré. Donc, quoi qu'il arrive, le prochain va streamer. Même si c'est Irnel, donc même si c'est Sinogara, de toute manière, le stream Discord est toujours présent. Oui, bien sûr. Ouf. On a la situation de secours maintenant. La solution de secours, pardon. Moi, j'ai un frisson. Et la nouvelle, c'est que cette semaine, demain, je commence à 9h30 et non pas à 8h30. Oh. Donc c'est plus large. Oh. Tu. C'est très bien ce qui se passe à ce moment-là. Plein d'œil, plein d'œil. Genre Apex. Attends, je crois que je vais quand même dormir après. Ah bon, moi aussi je dois travailler. Je vais me lever à 8h. Qu'est-ce qu'il essaie de mettre une dinguerie là. Et donc du coup, parlons donc assez. Assez parlé des prix des jokes. Ça va sur Kalos. Ça va sur Kalos, donc je sais pas si. Est-ce que c'est un bon choix, Kalos ? Il voulait le tuer, exactement. Il voulait le tuer. Ah, mais c'est Tigers. Absolute. Attends. Absolute. Ah, Absolute, c'est Tigers. Ok, d'accord. Ok. C'est le petit chat. Bah, je suis c'est le petit chat. Petit chat, ouais. Bah écoute, bienvenue sur le chat, Tigers. Mais oui, il voulait terminer. Il voulait en finir. Mais là, 128%, c'est toujours pas le moment, donc... Oh. Drop le ledge pour Sidebe. Ça aurait pu être craqué. Ça... Oh. Attends, tu t'es... le... Donc le neutral B, il a fait le bon voyage. Il est remonté. Il est remonté sur le stage. Franchement, lui, son neutral B, il a recover tout seul. Finalement, le Sidebe de Bowser a trouvé une opportunité d'avoir un léger avantage de stock. Malgré à 134%, ça va tenter, mais trop, je pense. Non, je pensais que. POV, quand t'es en ledge trap round Bowser, vraiment, c'est pas drôle. Hein. Ok, donc le FTV qui a trouvé la stock. Non, il aurait. D'après ça, c'est. Il va le courir avec un père. Non, finalement, le père qui n'a pas été suivi. Attends, mais qu'est-ce qui. Oh, ouais, bah ça, c'est ce qu'on appelle un match-up Dark Souls, tu vois. Toi, exactement. Ça, c'est le Pichu, il doit mettre 14 Miku, mon pote. Il a tout coup pour les mettre, mais il doit mettre 14 Miku et le buzzer, il met 3 coups, c'est fini. C'est Dark Souls. C'est incroyable. Ça, c'est un match-up Dark Souls. Le match-up Dark Souls le plus abusé, c'est genre Shake Ganon. Et totalement, Tiger, c'est vraiment le plus gros contre le plus petit. Le plus léger, pardon. Le plus big contre le plus light. Allez gros, à sa place, je serais parti. Attends, en side build. Non, voilà, c'est le neutral big qui a fait nécessaire. Donc c'est le... Regarde là, la stock elle va partir. Le mec il est. Hey, regarde, la stock va partir. Chic, ça gagne contre Ganon. Ouais, oui, c'est sûr. Mais c'est un peu le même genre Chic, de match-up. Chic, ça gagne contre Ganon. Ouais, mais bon. Ouais, il aurait pu en mourir là. Un bon Ganon contre un Chic, pas ouf, ça c'est autre chose. Moi je dis, quand on parle de match-up, moi je dis toujours que ça dépend du joueur aussi. Tu peux avoir un match-up ultra avantageux, mais tout dépend du joueur. Oui, mais là on parle surtout de... Genre déjà c'est un match-up Dark Souls, mais il y a des match-up Dark Souls qui gagnent. D'ailleurs il y a des boss de Dark Souls que tu vas finir en une fois. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que je dis là, c'est que... Oh, le F-Smash, ça tue pas tout de suite. Ça va pas tuer tout de suite. Si tu fais une erreur, t'es mort. T'es complètement foutu, genre. C'est ça, c'est clair. Genre là, regarde. Donc là, on va dire, que pour Naito. C'est le qui a le lead. Ouais. Mais là, c'est. Oh, ouf. On a vu la tentative de Jablock encore une fois. Donc le neutral B. On appelle comment le neutral B de. J'ai pas les termes là. J'ai pas les termes. On appelle comment le neutral B de Pichu. Neutral B, c'est le petit jolt. Les petites joules, ok, c'est ça que je me disais. Je voulais pas inventer de nom de mouvement, mais c'était bien les petites joules. Donc il y a
un de chaque côté. Le Thunder, donc le T-Jolt. Oui, c'est ça. Merci Yasmat. Attends, Yasmat, tu veux m'apprendre les choses, toi, tu veux qu'on se tape dessus. Le mec qui me dit. Ouais. Merci Yaz. Merci. Est-ce que vous savez, mais... je vais parler entre les games, est-ce que vous savez que j'ai un didgeridoo? Un quoi? Un didgeridoo. C'est quoi ça? C'est un instrument africain qui fait un espèce de comme ça. Attends, ah oui, c'est pas le gros tube là. Typical Just Packed Up. Si, c'est ça, c'est le gros tube. Ah ok, d'accord. Le Take a Look at Me. Bon, en attendant qu'il va ramener son... ton instrument, le deuxième match, non, le troisième match est lancé et c'est un partout. Très très serré en tout cas. Moche. Non, il a perdu Mesco, le Yasmat. Il a perdu 3-2, dernier stock. Eh, vous êtes tous les deux moches parce que vous jouez les Erdi, les moches. Ok, tu ça part sur un double pair et puis un fer. Petit Jolt qui couvre toujours, en tout cas en le trap, en tout cas qui couvre la recovery de Bowser. Finalement, qui n'a pas eu d'impact sur notre ami Mika. Oh, il a tenté de lui mettre. Il a vraiment tenté de l'envoyer dans les bas-fonds, en tout cas le petit Jolt encore une fois. Il a eu le FMH terminer. Qui a couvert la recovery. Mais non. Oh. Tu te bats contre Toast. Oh, bah, Toast il est en stream. Amusez-vous bien les grands potes en tout cas. Bonjour à Toast. 90, 100%, 100% tout seul, 101% tout seul, t'as même pas besoin de taper le pichou. Ça va prendre des dégâts tout seul. Ça par contre, cette mécanique, j'ai jamais compris pourquoi. Bah pourquoi ils l'ont mis en fait. La colle des T-Jules sur Kalos. Comment ça? Où veux-tu en venir? Non, les T-Jules qui remontent sur Kalos. Je sais pas si c'est de ça qu'ils parlent en fait. Hors stream, vous jouez hors stream, ok, d'accord. J'arrive à battre son Ken avec un début. Écoute, GG mec. Ah, il connaît pas le matchup. Je vais m'en recharger, moi. Tu vas voir. Ok, la back throw qui envoie déjà en désavantage notre ami Bowser, mais finalement, changement de rôle. Hein. Ah, ouais, clairement. Ah, lui, il a pas peur avec ses down view ledge. Lui, il a pas peur. Lui, il sait à quel moment justement il devrait faire ça. Hein? Pour l'instant, dans le chat, il y a juste les deux Ridley francophones qui sont en train de se dire qu'ils sont trop nazes à ce jeu. Franchement, je joue Ridley, je vous éclate. Je rigole, est-ce que c'est une blague. Déjà, vous c'est avez, une blague. Est-ce que vous avez, attends, franchement, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Ridley Jazz Punk ou pas? Oh non, le Jazz. Le Ridley Jazz ou. On appelle ça comment en tout cas? Pouah, non, par contre, là, le side B. Non, là, par contre, le side B. Là, je prends le side B qui a. Regarde, non mais regarde là pour l'instant, là, 180% et le Bowser est toujours en avance ici sur sa stock. Side B qui a déjà concrètement piétiné et a envoyé dans les bas-fonds. Oh, ok. Le Ken de Jazzpunk est inimitable, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Le Ken de Jazzpunk. T'as jamais entendu parler de mon Ken? Ça, je veux voir ça. Non, y'a un meme en fait, parce que j'ai le pire Ken de France. Oh là, le donner. Ah, je pensais que c'était le mien. Oh. Ouf. Non, je pense que ça va trop loin. Je pense que c'est trop loin pour le Bowser. Par contre, le. Et mal. Tu as vu je pense que t'as vu la même chose que moi, je crois. Oh, j'ai vu les mini pics de Freeze juste avant. J'ai vu vraiment le mini pic de Freeze juste au moment attends, la recovery. Deux secondes. Deux secondes. Il faut que j'en profite pour montrer mon didgeridoo. Voilà, c'est tout parce que j'ai dit que je le ferais. Purée. Ah, je suis en train d'exploser de rire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous aurez. Je suis mort. Parce qu'après, ma daronne elle va péter un câble. J'ai même pas entendu. Pour finir, j'ai même pas entendu, wesh. Et comme c'est en décalé sur le stream, c'est trop drôle. C'est ça, le DJ. Oh là là. Ah, mais c'est ce truc là. Mais oui. Allez, donc on est reparti de nouveau sur. Donc on était encore sur PS2. Donc c'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur PS2. En fait. C'est ça, hein. Ouais. Je pense que moi sur le on est encore sur PS2. Je dois changer du coup, score, c'est... je dois mettre 2-1. 2-1 pour Naitoro. C'est ça hein. Exactement, par contre. Arrêtez de courir dans notre rapide poseur, arrêtez. Oh lolo. Oh c'est dingue. J'ai tourné la tête sur le chat. Je vois un downbeat offstage qui a mis Bowser vraiment à l'extérieur de l'écran.
Ouf, oh là là. Bien vu. La dodge, en tout cas, grâce au bi sur le fer de Bowser. Alors, donc on reprend le neutral avec Pikachu. Enfin, Pichu, oh là là, j'ai confondu les deux. Incroyable. Des petites idioles vers ici, on annonce des petites idioles par là. Rapidement, on annonce, voilà, il y a 2-2, ça... il y a Neltrax en Loser Quarters. Ok, 2-2. Oh, c'était un peu chanceux comme interaction du côté de Ney là. Pour moi, ça passait largement ce side B. Ok, jab, jab block et le F smash, là c'est la stock garantie. En tout cas, deux stocks d'avance. Ça va peut-être partir sur une somme d'avance dans pas très longtemps, mais là pour l'instant. Ouf. Oui, alors là, ah, alors là, Naitoro était sur une phase où c'est bon, j'ai l'avance. Et ben, tu vois la première stock du premier match ou du second match, et ben c'est comme ça qu'il l'a perdu. C'est comme ça qu'il l'a perdu. C'est de cette manière-là. Non, il était trop près, c'est dommage, il a voulu lui mettre des dégâts avec le foot la flamme, mais il était trop près, il a pas réussi. Ça c'est dommage. Alors qu'il avait de quoi, il avait de quoi even la game. Mais même, hein, je pense qu'un F-Smash chargé l'aurait déjà tué, je crois, non? Non, je suis pas sûr, à zéro, peut-être qu'il a cru que ça tuait. Non, mais il était quand même à une trentaine, je crois, enfin, je suis pas sûr. Hein. Ah, c'est fini. Ben voilà, c'est la mort certaine, c'est la mort certaine, et c'est la... Il se faisait... One shot. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je pense que c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit aussi. Oh non. J'ai un petit souci, mais t'inquiète pas. Je reviens. Non, j'ai un souci aussi. Ma connexion est sur. Mais de toute manière, c'est la victoire pour Pichu. Hein, donc on est d'accord que. Ah, c'est Mika qui a rage quit, je crois. Oh. Parce qu'il est plus dans l'arène. Je crois. Hein. Ouais, mais je dois revenir dans. Bon, l'arène en tout cas aussi. Une petite seconde, ta flamme puis smash, ça suffisait. Oui, clairement, c'était fini, mais. Non, c'est pas. Mais moi, déjà, dans un premier temps, Mais ça peut pas être ma faute parce que ma Switch, elle s'est mise en veille en fait. Mais je pense façon, que. C'était fini de toute façon. Et du coup, on a en loser Traxirnel qui sont en 2-2, on va récupérer. Tigers qui peut venir dans l'arène là maintenant et le gagnant de Traxirnel va nous rejoindre. Ok, je retourne. Non, c'est pas nous, hein. C'est ça, je crois que c'est. Je crois que c'est Mika qui a rachète. Ça arrive, non, hein. Je suis personne pour dire aux gens qui peuvent racheter ou non. Hein. Ça arrive de Alors, rachete. Ce que je vais faire maintenant que le match est terminé, en attendant, je vais vite aux toilettes. J'arrive. Pas pour ça venir dans l'arène. Je suis dans l'arène. Bah, mets-toi en spec. Je me mets en spec. C'est bon. C'est bon ? Tu veux encore m'énerver comme ça ? Tu me cherches en fait ? Non. Non, ok. Je ne cherche personne. Ça va. Alors je reviens un instant. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Du coup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en attendant ? C'est une question. Je pensais que c'était Mamoru en vocal. C'était bel et bien Mamoru en vocal, yes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez que je vous montre un. Des choses autour, est-ce que vous voulez que je vous raconte des choses hein? C'est pas un arcut et fait le match jusqu'au bout, tu peux très bien éteindre ta suite juste après pour aller t'occuper sur autre chose. Bah en fait il était en winner. Donc là techniquement il est encore dans le tournoi. Peut-être qu'il a quitté le match une fois que c'était fini, qu'il a voulu quitter l'arène vite et mais en vrai on s'en fout, au pire même s'il a racheté on a tous le droit. Fais une face à un rondo STP. Tout sauf toi, ok. Qu'est-ce que j'ai dans ma chambre que je peux vous montrer? À part ma figurine Dante, j'ai un plateau. Coca-Cola. Il faut que je prévoie. Est-ce que Tigers est dans le chat? Est-ce que Tigers est dans le chat? Si t'es dans le chat, Tigers vient dans l'arène. Le match va bientôt être terminé. Go, j'ai un magnifique plateau. Coca-Cola, que je vais vous montrer là maintenant. Regardez. Waouh. Insane. Il est incroyable. Il est trop beau.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des boîtes de Titec vide. Non, j'ai rien. Vraiment, je suis désolé, hein. Je sais pas quoi. Oh, si! Est-ce que vous vous souvenez d'un certain événement qui s'appelait l'Ultimate Fighting Arena? Il faut savoir que l'UFA, donc l'Ultimate Fighting Arena, à la fin, il y avait un petit paquet où tu pouvais prendre deux ou trois autocollants si vous voulez. Si vous voulez. Et j'ai complètement craqué. J'en ai pris genre une trentaine, un truc comme ça. Et je me suis fait insulter. Mais j'en voulais plein au cas où. Et j'ai tout gardé. Et ça fait depuis la fin de l'UFA que je les ai. Du coup, voilà. Ah, 3-2 pour Irnel. Je vais valider leur match du coup. Dès qu'on est bon. Trax, donc, qui fait deux fois d'affilée, fait 5e, 4e. Il est déjà bien sûr, évidemment, qualifié pour la fin. Irnel, déjà dans l'arène. Qui n'a pas le temps. Du coup, il nous faut un. Trax en arène. Oui, j'ai RQ. Ça va 2 secondes et déjà bloque un truc câble online. Ah, oui, mais je t'ai dit, moi, c'est pas du tout une reproche, Mika. J'aurais potentiellement pu rager comme toi. Hein. Personne te juge là, ici, maintenant. Bien sûr, les jablocs intécables online, c'est chiant. Mais en même temps, il a raison d'abuser du online. Ah oui, non, mais c'est normal. Je sais que c'est pas découragé, ça te casse trop les couilles. T'inquiète, c'est pour ça, moi, on Ben te juge genre, pas ben du tout. voilà. On te Comment juge pas ça du va tout. les copains? C'est du online, de toute façon. Dans tous les cas, Mika, t'es qualifié pour l'étape finale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu Alors, vas pouvoir Mika, nous. Kepax, mon pote. Qu'est-ce qui Mika? s'est passé, mon pote? Attends 2 secondes, deux Mais... secondes, deux secondes, je suis en train d'organiser le bracket. Ouais. T'inquiète, je tape la discussion avec le chat, hein. Tranquille. Alors, qu'est-ce que ça a été dit? C'est pas un rush kit. Il a fait le match jusqu'au bout. Donc, ouais, il a pas vraiment rush kit. Hein. Il a éteint à la fin, quoi. Non oui, enfin Mais ouais, si, c'est pas. il a dit qu'il avait RQ. Ouf. Mais c'est normal, C'est et genre, pas en un vrai, gros rush kit, hein. C'est. tu sais que c'est la première remarque que je me suis fait. Au moment où il s'est pris le dernier jablock à la fin, je me suis dit, ah putain, moi ça m'aurait cassé les couilles Mais c'est vrai que. Ouais, non, c'est vrai que les jablocs intécables en online. Bonne chance, la chance. Hein. Bonne chance, la chance. Allez. Et ouais, attends, bien, bien, toi c'était traumatisé, ça l'a fait contre toi lors de son Keep Your Rings. Ah. De quoi? Non, non, je lisais les commentaires aussi de Liquidine et de Toast à rejouer. Ok, je vais le cogner, moi. Toast to Dine, Toast moi, je vais le cogner. Oh là là, Mais je vais le oui, cogner. Mika, c'est compréhensible. Après, bon, on va pas, faut pas se vénérer non plus contre Nae. Hein. De toute façon, on vit dans un domaine où c'est le offline. Et le c'est du online. Yaz, il m'a entendu. Yaz, il m'a entendu. Toast to died, de ouf. J'ai fusionné. Tiger, il est où? Toast. Tiger, où est-ce qu'il est? Tiger, il est où? Il n'est pas parti dormir, j'espère. Faut aller. Hein. Mais pourtant, il a check-in, donc forcément, il doit être là. Hein. Ah putain, et si vous savez pas, mais il y a du lore, ils sont en train de Non, mais si s'insulter. tu veux, j'ai envie de jouer aux yeux. Non, on me dit non. Non mais si Mais tu on veux. a mais on n'a pas de choix. Non mais si tu Si. veux. Attends, attends, attends. Non mais si tu veux, j'ai envie de jouer au jeu et on me dit non. C'est-à-dire tu parles Non, mais de. je pense que tu parles du on et qu'il ne peut pas jouer pleinement comme il peut jouer d'habitude, en fait. Mais ça, on n'a C'est pas vraiment le ça. choix, et là, C'est ça devient ça. trop Bah chaud. écoute, moi je m'arrange pour essayer de faire du off et tout machin. Pour essayer d'organiser des events off. Wink wink, petit clin d'œil. Mais Mika, tu viens d'où? Juste pour Mika, savoir. du sud, Mika, il me semble. Hein. Du sud, Peut-être que toi? je rêve, hein, mais. Ouais. Hein. Et on va Non, mais le repasser fait de pas sur. pouvoir tech, please. Le fait Pichou, de c'est pas trop pouvoir tech. enchanté. De pas pouvoir tech. Please, Pichou. Ça trouve sur un champ de tech H24 et c'est le meilleur reward du jeu sur un jablock. Ah oui, complètement. Personne va te dire le contraire. C'est le monde du online. Pichou online, c'est. Ça, ça. Ça, c'est déjà bloc impunissable. Tu vois, c'est pour ça que moi je suis de ce côté de la chaise et que je Mais casse. Mika, j'ai une question vite fait avant de lancer le match. Est-ce que t'avais pas de DQ à l'UFA par hasard? Ça me dit rien, moi. Mais... Non, non, parce que j'avais un Mika, Mais il était pas à ouais, mais l'UFA. t'étais inscrit, Non, non, c'est mais tu l'autre. n'étais pas là. C'est l'autre Mika, je crois. C'est Non, lui non, qui est non, le. non, non, c'est pas le même.
Attends, c'est pas le Mika non, que... Si c'est ça, il y a un Mika qui joue Bowser, qui joue Wario aussi. Oui oui non, c'est Pulsar. Oui, c'est Mika de Pulsar. Ouais. Mais je pense qu'il y avait, on m'a dit qu'il y avait un Mika. Oui, c'est l'autre qui jouait Wario, mais je pense que j'avais un Mika qui était inscrit sur la braquette. Et on me disait que c'était un joueur de Bowser et qu'il n'est pas venu au final, tu vois. Et donc je l'avais pas affronté. Du coup, je vais aller changer les trucs des joueurs. Peut-être que on s'éteint. On a donc Oui, et ça oui, ouais, ça je me rappelle très très bien. Ça je me rappelle très très bien. Petite question, attends, petite question, t'avais fini combien de tièmes Mika au sel? J'ai l'impression que t'avais bien peur. Je rêve ou pas? Je me rappelle très très bien, ouais. J'avais sel, à Lyon, Yasmat, à Lyon. Mais il sait. Non mais c'est Yasmat. Oui, quel tournoi en mode... Oh ouais, tu vois. J'avais fait 17, je crois, je me souviens plus. Ouais, il me semblait que t'avais fait un placement correct plus. Moi j'étais pas trop content de mon résultat, mais bref, c'est une autre histoire. Ouais, mais j'ai perdu contre un Bowser en plus. Et je pense que j'ai joué avant contre Bowser, ou bien c'était après qu'on a encouplé. En tout cas, j'ai perdu contre Peach. Voilà. Moi j'ai perdu en winner contre Enki. Ah. Et en loser contre Nono Colors, j'avais le seul. Rien à voir avec le joueur, je trouve que le joueur est bon, mais j'ai trop le mort. Mais en attendant, j'ai trop le mort de Pokémon Trainer. Du coup, j'avais trop rangé. T'as perdu contre la pogne au Tito Ridley. Ouais, c'est ça. Moi j'avais perdu contre Nishinoma et Glitch, un Bowser. Donc on va dire que c'est des... Mais ça va, c'est pas des mauvaises défaites. Mais du coup on reprend ici, là on revient là dans notre... sur notre loser semi. Attends, mais là il a fait la passe, là il a dit tiens, passe décisive, prends ça dans ta gueule. Oh non, la Death Smash. Le smash sur la roll, c'était sûr que ça allait partir de l'autre sens. Pour l'instant, Tagios qui... Ah voilà, c'est ça que j'allais dire, qui a gardé son 90% pendant un petit moment là. Donc là, il est remonté à 114, donc là, il serait temps de en finir pour Irniel. Ça se cherche. Grande tentative de Tomahawk. Ah oui, oui, ça se cherche à tenter, ça se cherche à Tomahawk, mais... Voilà, grande respiration, on envoie le ballon. Ok, bah lui, tranquille, là, je passe par en dessous, t'inquiète pas, mais le F-Tilt... qui l'envoie dehors et qui permet de revenir sur deux stocks de chaque des deux côtés. C'est chaud. En tout cas, Mika, c'était encore dans le chat, tranquille, c'est la loi du John Line, et de toute façon ton Bowser excellent. On sait qu'il est chaud, donc y a pas d'embrouille. Donc tranquille mec, il était qualifié, chill, bien joué en tout cas. Bon, on revient sur le match ici. Oula oup. Punissable. Vraiment, il a pas vraiment catch les dèches comme il fallait, mais je sais pas s'il n'avait pas le choix ou si c'était à cause des hits de Joker, mais voilà, forcément. Ouf. J'ai senti les mille ans de souffrance là, de Kakashi. Je l'ai senti sur la tech. Enfin, en tout cas, sur le Gallup de Joker. Sur la plateforme, mais là pour l'instant très tendu de ma part, bien en tout cas. Aïe, une stock complète d'avance. En c'est plus, vraiment totalement une stock complète. Ah, ça fait vraiment flipper. Hein. Joker, quand t'as pas lead contre Joker, vraiment. Il a fini. Et ben voilà. Et voilà. Tiger. La fin. La fin. Donc c'est 1-0 ici pour notre ami Tiger. C'est incroyable, hein. Il entraîne l'air de rien, il me pousse un petit peu à vouloir jouer Joker, je sais pas. Bah, c'est pas ça, c'est... C'est agréable. Tu te rends compte que j'adore les pillars combo, les trucs qui font très horizontalement, de haut en bas, comme ça, avec des dragdowns et tout. Je trouve que c'est trop agréable à regarder. J'avoue, sur ce coup-là, je suis d'accord. Et après, tu t'arrives à jouer de cette manière, tu te sens trop frais en fait. Pour quelqu'un comme moi qui joue de manière trop carrée avec le Shoto, avoir merci, quelque chose de ce genre de jeu là. Blood Smash pour le follow. Blood Smash, ça me dit quelque chose. En train de.
tilté. Alors on a Naitoro qui se repose tranquillement en winner final. Ah mais c'est vrai, mais Mika il est encore là, t'es encore loser. Oui, Mika. Oui, moi je pensais que c'était fini. Frère, moi j'étais en train de dramatiser dans ma tête. Non. Tu sais que je viens de réaliser qu'on voit pas, mais le personnage. Est-ce que t'arrives à deviner quel personnage? Tu vois le personnage que j'ai en bas à droite? Que j'ai... Où ça? Bah, pour la sélection des personnages. Attends, je vais mettre en grand. C'est Shetron. Ouais, c'est Shetron, c'est un ami. En fait, je voulais qu'il s'appelle Juan parce que j'aime bien les prénoms et parler en espagnol, je trouve ça rigolo. Et j'ai mélangé Shetan et Juan et ça donnait Shetron. C'est bon. T'es quel genre de délire on a? Oh là là. Oui, non, oui, t'inquiète, Mika, on sait si t'as mal joué. Là, en l'occurrence, c'est vraiment. Il a utilisé toutes tes stocks, elles sont disparues. Avec des trucs et tout. C'est pas encore terminé. Comme je dis, Nae, dans un domaine où on est online, il a raison d'abuser du online, on peut rien y faire. On peut rien y faire, totalement. Mais du coup, en parlant de l'abus ici, qu'est-ce qui se passe là? Oui, Delroi Nitita. Je ferai une Delroi Nitita, t'inquiète. Pour l'instant, il y a Shetron et Delxianos. Ton Delxianos, j'en ai marre. J'en ai marre! Qu'est-ce que ça fout de moi? Puis en plus, on va même pas t'empêcher de parler de ça dans le chat, Mika, parce qu'on sait ce que ça fait et comment ça fait trop du bien d'en parler. Tu vois ce que je veux dire, enfin. Ça fait trop du bien. C'est même pas du John, hein. Ça fait du. Il faut décompresser, t'as raison. Et ça en parlant de décompresser, là. Je pense que. Je pense que notre ami Tiger, s'il se met trop bien, le retour avec le. Donc le retour avec le nerf, le gun. Que là, c'est vraiment. Le nerf, c'est. Là, c'est vraiment. Ça y est. Super Saiyajin Blue, genre. Même pas, c'est. Kaioken là contre c'est Arsène. Non, mais là ça tape, hein, c'est. Kaioken contre Arsène, c'est vraiment une dingue. C'est même plus, c'est. Là c'est du Jojo, ça c'est du Jojo, là il est en train de. Je suis désolé, mais là c'est Jotaro, mais en full avantage. Là c'est vraiment Ora Ora Ora, mais c'est Ora Ora, je te mets au sol, Drag Dump, Ora Ora. C'est tout. Oh là là, bah oui, mais oui, à 156%, tu m'étonnes qu'il allait rester là. À 156. Vous savez que je pense que. Attendez, il y a un arrêt ici. À moins que c'est sûrement pour liquider le. Pour faire tomber c'est juste pour. Mais du coup, je tiens à préciser juste dans mon Discord, donc c'est un bolo jack, vous pourrez. John, si vous voulez, à la fin de ce stream. Et je vais donc créer un chat qui va s'appeler Rage of Nine, où tout le monde peut se plaindre. C'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. C'est l'endroit où t'acceptes toutes les plaintes de tout le monde. C'est vraiment là. Toi, dans une société, t'as une plainte entre le client et le fournisseur. Ben, nous, c'est vraiment entre nous et l'online, le gros client rageux. Ah, j'en ai marre. À combien de fois vous savez pas, moi et ma maman, on joue, on s'insulte. Oh, ouais, moi je te jure. Ça part à des 10 hey, mais ça part à des 10 au random. Ça part dans les 10 au random. Et même pour ça, on rage. Mais voilà, on va juste revenir sur le match, parce que sinon on parle, mais on voit que de toute manière il y a quasi une stat complète d'avance pour Tiger. Est-ce que ça va être le moment de la fin? Est-ce que c'est le début de la fin? Il va tenter de le. Ouais, il voulait le il veut, spike. Il a tenté le stat spike. Il veut tenter le stat spike. Ok. Ah bah voilà, il a trouvé. Il a snipe comme il fallait. Dans la Lulu. Je vais faire. On va se faire. Oh, par contre, là, il y a trop peur. Et franchement, c'est compréhensible. Oh, non, c'est bon. Le up smash qui punit justement le backer. Punit le backer en dessus. Ça sort vite, hein, quand même, le up smash. Hein. Ça paye les factures, ce perso. Joker, c'est vraiment trop fort. Ça peur, ça sort très, très, très vite. Hein. Ça, y a pas à dire. Moi, je suis surpris qu'on ait vu aucune pyra. Wouah, 21-0. Ouais. J'ai vu 21-0, j'ai dit what? Lui. 2-0 du coup pour Tigers contre Irnel. Pour l'instant, c'est un bon avantage. Et tu remarques que t'as pas été sorti de l'arène. C'est une honte, ce perso. Oui. Oui, alors... c'est une honte, ce perso, Irnel, tu as raison. Mais il est dans le jeu. On est obligé d'accepter.
Mais si tu veux un petit tips, si jamais tu veux un pocket, je tiens à te dire que Mario fait even contre Joker, donc n'hésite pas. Le forceur de coup. Ah, coaching interdit. Coaching interdit. Non, mais c'est pour rigoler. Là maintenant, il va pas sortir à Mario du gros pif comme ça, genre. Ah, je suis mort. Mais ouais, c'est vrai que le perso est abominable, Joker, abominablement fort. Non, c'est vrai que Joker, il est. Peut-être que j'ai pas encore joué contre des gros Joker, donc j'ai pas encore senti le. Faut respecter le Joker. Moi, ce que j'aime bien avec Mario contre Joker, c'est que s'il chope Arsène et qu'il est à 0%, tu vois, ou dans les bas pourcents, il suffit que je le grabe une fois. Et genre, je lui mets ses 70% de combo et hyper Arsène. Ah, mais justement, maintenant que j'y pense, tu sais qu'il y a un bug, encore une fois, à chaque fois qu'il y a un DLC avec les Switch. Avec les Switch des deux Aegis. Pyramitra. Donc, à chaque fois, ça augmente en trop fois. En trop Switch, t'augmente déjà, tu ramènes Arsène. Ça va être fixe très très rapidement. Et on est passé pour la game 3. Imagine quelqu'un jouer là maintenant, imagine Irnen joue Pyramitra et fait que des switch. Tu vas voir Arsène sortir bien plus vite que prévu. Allez, c'est parti. Fois, c'est seulement au-dessus de 100% avec les handicaps on. Là. Je remets le chat. Cette fois c'est seulement au-dessus de 100% et avec les... Mais c'est vraiment le jeu de Dirnen, c'est vraiment je suis sur le ledge, je t'envoie le ballon. Coucou, je suis revenu. Ouais c'est ça, mais c'est la manière dont c'est dit ça me fait rire que ce soit hyper spécifique comme ça. Aïe aïe aïe. Ouais, il a vraiment sauté au-dessus de tous les projets là, il s'est quand même pris le coup du side B. Il prend. Là il prend la sauce. Ouf! Tentative de reverse sur le B, mais c'est passé. Outre. Il était de la boule. Ah, là on a senti. Le drag dans. Ça n'a pas passé. Je t'explique. C'est important de noter que c'est là que tu vois que Taker c'est majoritairement joué offline, c'est qu'il a pas réagi. Il a buff directement le grab. Alors qu'il avait même pas catch avec le landing upper. Ça en offline ce serait pas arrivé. Il aurait eu le temps de react et il aurait fait une autre option. Il aurait drift away ou quelque chose comme ça. Il serait barré. Mais j'ai une question bizarrement. Est-ce que Joker, quand il redescend avec son. Avec le drag down, est-ce qu'il n'a pas genre un auto cancel ou un bail comme ça? Ou c'est que. Non. Je pense que oui. Comment ça, ça tue pas? Oh là là, ça tue. Ah ouais, non, le side B à cette distance là, c'est obligé. Le plafond de Tony City, il est pas si haut. Hein. Ah, si, il est pas si haut que l'autre. Très, très haut. C'est plus haut. Ah bon ouais. C'est pas Kalos. Kalos et Tony City, c'est les deux. Ah, mais maintenant que j'y pense. Ah ouais, non, mais tu laisses Kalos et tu mets pas. Si, NC, tu le mets dans le rule set. NC. Le stage de Sifflurant. Je sais pas si Nord Caverne. C'est pas moi qui ai fait le rule set. Oh, ok. Moi, je, à la base, je devais juste casser, puis au final, je me suis retrouvé à tout faire. Le pauvre. C'est pas grave. Respect à Just Bone pour le tournoi. J'ai allez, follow. J'ai l'habitude. Ah, oui, n'hésitez pas à follow sur Twitter, les gars. Oh, regardez. Je follow back si je vous connais. Je follow back si je vous connais, en fait, genre. Et donc, là, pour l'instant, Irnel qui. Peut-être va revenir sur la game en tout cas. Elle va peut-être revenir à 2-1. Ah, le mec il est explosé. Il a lâché la pub. Il a lâché la pub. Tu sais, c'est comme l'époque de Skyblog. Lâche un com. Je te réponds sur ton blog aussi. Lâche tes coms. C'est à ça que je pensais. Oh putain, mais c'est comme ici en fait. Là regarde. Non. Oh, pas comme ça, mais ça va. Ça encore. Il a encore une stock. Il a encore une soc là-dessus, fais attention, donc ici il a attendu bien impatiemment que la barre d'Arsène diminue. Un hit seulement du dash attack, je me demande ce que ça aurait été fait si c'était le hit complet à 91%. Ah, pff, putain, l'autre côté, la hitbox du fer, elle est incompréhensible.
ça terminait pas la stack. Ça. Ah ouais, là ce qu'on va faire, ouais. Bien sûr. J'ai vu venir 14 km. Il a été chercher lui. Et du coup, ça relance en tout cas Irnel sur la game, donc c'est 1-2. J'ai fait un gros Baimon stream, je suis vraiment désolé les gars. Mais tu sais que c'est ton quatrième, je crois, ton troisième. Ouais, mais là je m'en suis rendu compte. Il y a Mika qui m'a suivi sur. Qui m'a suivi sur Twitter. Merci mec. Purée, et ça marche. Et ça marche en plus là. Et ça marche. Attendez, suivez-moi sur Twitter. Mais si je mets le lien. Non, je veux pas mettre le lien. Ah, je suis pas un comme ça, moi. Ah, je suis pas un comme ça. Moi, c'est. Regarde, c'est limite, moi par exemple, regarde, moi limite. Mais je le follow déjà, je crois. Ah non. Mais on se suit déjà. Je suis trop une merde. Je suis trop stupide. Non, on se suit déjà. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Mais ouais, on a joué ensemble au sel. Je me rappelle très très bien. Mais je vais quand même vérifier. Attends, deux secondes. Je vais quand même vérifier un bail. Aïe 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 aïe. Dans un autre onglet, je vais quand même vérifier un truc. T'as quoi? J'ai remarqué que je te follais pas, Mika, justement. Je te connaissais juste de nom. Bah écoute, on vient tous. Mais bah c'est comme ça, c'est, les gars, c'est une communauté, c'est comme ça que ça commence. Hein. On va tous se follow back, on va rajouter Mika à la Poutine Night Out. Ah, si Mika, tu joues Apex, t'es bienvenu. C'est du délire. Voilà, en fait, il faut que tu saches que tous les vendredis, samedi, dimanche, même souvent, et parfois les mercredis, on fait du Smash into Apex. Voilà, on fait peut-être deux heures de Smash, une ou deux heures d'Apex. Voilà, on fait ça tous les vendredis. Go, oh, attends. Alors. Et ouais, du coup, donc c'est 2-1 en faveur de notre ami, donc de notre ami Tigers. Est-ce que son avantage va encore pouvoir peut-être lui sortir de cette balle de match? Alors peut-être à. Oulala, attends, on a vu la même chose là. On a vu la même chose, ça n'aurait rien changé à l'interaction. Le ballon était parti, il a fait son option. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ça n'aurait rien changé, en vrai, là, pour moi. Ah non, j'ai dit une bêtise. Mika. Mais c'était un autre joueur de Bowser, je crois, il s'appelle Yami. Mais je veux Bowser aussi, il y a ce qui... je crois. Ça te dit quelque chose, toi, Yami? Au contraire, le lag de donner top react, exactement. Non mais c'est bien de toute façon, je te connaissais en tant que joueur, je suppose que tu me connaissais en tant que joueur et que tu connaissais Mamoru Yes maintenant en tant que joueur. Ouais non, je t'ai confondu avec Yami, mais on m'a dit que je jouais deux joueurs. C'est juste que j'ai jamais croisé ton compte sur Twitter, donc je t'avais pas follow, mais je t'aurais probablement follow si je t'avais croisé sur Twitter. My bad. Du coup, attends, quoi? Le temps que je fais ma recherche là, on est d'accord qu'il y a deux stocks, elles se sont envolées. Oui. Elles se sont envolées. Oui. Oh là. À être dans un moment où là à la place, comment tu te sens à la place de Tigers? En position fœtale jusqu'à ce que je trouve une solution. Aïe aïe aïe, caillou. Ok, non, je pense que c'est trop loin pour notre ami Irnel, mais il a toujours une stock d'avance, donc il a toujours une stock entière, donc là il est en mode caillou ken. Oh non, c'est toujours pas. C'est parti, non. Le upper qui n'a pas trouvé. Qui n'a pas trouvé son X. C'est bien qu'il a couvert justement son atterrissage avec le side B, c'est très très intéressant. On voit quand même le set play de. Il a pas react. Le set play de. Ouf la tête. De Tigers qui commence vraiment à s'affaiblir, là il commence à manquer d'options et tout machin. Je pense qu'il... Là où Irnel il est adapté, il est préparé, il a vu les options qu'a de Tigers. Là il va falloir que Tigers double d'options. C'est
c'était joliment tenté, mais finalement c'est le backer de Nel qui a trouvé le chemin vers le 2-2, donc la balle de match des deux poteaux là. Ça devient très très chaud. Mais ouais, tu sens que Irnel qui commence à s'adapter et à contrer, on va dire, l'avantage C de notre ami Tigers. Et que du coup, il a de moins en moins d'options parce que soit Tigers il essaie de faire en sorte d'imposer encore son jeu, mais qu'Irnel lui l'empêche de jouer, d'avoir toute interaction, de l'empêcher de faire. Je sais pas moi, tous ces upper dragdown, tous ces. Voilà quoi. Je perds les mots. Je perds les mots. Ça commence à être dur là. Ça commence à être dur, mais on y est presque. On y est presque ici. On va se retrouver avec. Donc là, on a du 2-2. Exactement, on a du 2-2. Après, on enchaîne avec la loser finale qui, je pense... Je pense que ça va. Quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, ça va bien se taper. Je pense que ça ira plus vite. Mika, là, maintenant, il est assis, tu vois. Il est là, il se dit... Oh, mec. Pichu, c'est pas grave, c'est passé. Si je veux être au moins deuxième, ou peut-être retrouver ce Pichu, je dois péter. Là, je dois péter le feu, là. Je dois péter le feu, mon gars. Belich en train de se dire, ouais, je vais jouer ma finale, puis basta. Et du coup, la balle de match entre Irnel et. J'allais dire petit chat, mais bon, c'est Tiger, ça revient au même. Sur Battlefield. Le choix. Oh là là là, c'est fast, eh. C'est assez fast, hein. Vraiment, le Kaioken au début, c'est assez. Assez rapide, vraiment. Oh oui, c'était smart. Non, oui, on a vu, hein. On a vu justement l'interaction avec le ballon de Hubby avec le donner, mais le donner qui est quand même pas sorti. Oh là, c'est compliqué, hein, par ici. Ça devient très très compliqué en tout cas pour Tiger ce soir. Là, c'est le moment. Ce dernier match. Si tu te ressaisis pas très vite. Ouais, non, quand même, heureusement que ça n'a pas été. Non, non, c'est quand même important de le noter. Là, t'étais up 2-0, t'es en train de te faire reverse 3-2, t'es sur le dernier game. Le mec, il a 100% dit vraiment t'es dans le mal. Là, c'est vraiment. Là, tu sens que dans la tête, il y en a un qui se sent déjà l'avantage, l'autre qui se dit t'es une merde, je suis en train de me faire reverse 3-0. Là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Là, tu vois qu'il en manque de solutions, Tiger, justement. Ouais. Et c'est la stock d'avance. Ça. Pourtant, Tiger, il a un talent, il a un très bon talent, il est très très bon, mais je pense qu'il est tombé sur quelqu'un qui a eu beaucoup plus d'expérience, justement. Et online aussi, hein. Oh, je pense que c'est Mugara quand même, c'est un dozer d'online. Hein. Il a fait la Smash 4 spéciale, il a fait des dash shield en boucle. On se rappelle de ça, ou pas? La fameuse dash shield. Oh là là. Oh la vache, oh. J'ai pas trop compris la démarche. Je pense qu'il a fait. En fait, est-ce qu'il a. Je sais pas s'il a cancel son side B qui est devenu en. Oh la vache, et vraiment Irnel, il est grave. Ça tabasse très très fort. Hein. Là, il profite vraiment de son Kaioken pour être le pourcentage nécessaire. Là, il a aucune raison d'approcher. Il a l'avantage. Bon, là, il... Ah. Oh, la non. Vache, non, la bonne DI de la part d'Irnel. C'est quand même un gros deal. Franchement, s'il prend pas la stop très très vite, ça recommence très très vite. Tu vois, après les 2-0, on est là, mais quel perso de merde! Mais là, t'es en train d'handicaper le perso de merde que tu disais. Tu es en train de l'handicaper là, en fait. Tu enlèves toute option. Oh, on a entendu quand même l'adaptation. 2-0 pour voir une adaptation, ça c'est fort. Hein. Ça c'est quelque chose de très fréquent. Ouais. C'est mérité, Irnel, il a commencé à se dire ouais, il faut que je chope la stock pour avoir de stock d'écart pour être large. Et il a mérité. C'était un peu violent. Mais bon. Alors. Quoi? Attends, quoi? Il s'est passé quoi? J'entends. Non, mais il y a des fois où j'arrête plus dessus parce que. C'est l'heure, c'est le jeu.
Non, c'est même pas l'heure, c'est tu vois un ballon dans tous les sens, tu sais pas jusqu'où il va, mais tu vois que. Follow se. Attends. Est-ce qu'il va rattraper? Est-ce qu'il va prendre un stock avant lui? Bah là, c'est presque. C'est 18ème là, c'est 18ème. Dans le titre, peut-être. Ok, finalement, on retourne sur le terrain. Kaioken, le premier hit, ça veut tout dire. Le premier va tout dire. Un fer. Un FT de la part de Dirniel, c'est bon. Là, vraiment, il s'est ressaisi. Ah, Tiger, s'il a dit, c'est bon. Calme-toi. Il faut qu'il go off-stage. Il faut qu'il go off-stage. C'est ce qu'il est en train de se dire. Il faut qu'il aille au stage. 150, hein. 150, hein. Là, on est vraiment sur. Même s'il perd sa stock, il a fait le taf avec celle-ci. Moi, je pense ici que c'est le premier qui perd sa stock, là. Ça commence à être compliqué. Le premier qui perd sa stock, ça devient compliqué. Ouais, bah, se retrouver en la stock. Ok. Ils sont à full reach. Le ballon. Les deux ont full reach effect, donc là quasiment n'importe full quoi. Reach. Le ballon. Ouf. Ça fait trop peur. Oui, vite, ça fait trop peur. Arrête. Oh, le FT. Non, le FT c'est pas suffisant. Peut-être un carcel. Oh, j'ai fait. Oh, ok, dans la back throw. Ah, non, ça c'était la ultra. La ultra. Ok. Donc là, ça devient très très chaud pour Irnel ici. Oh, oh, ballon. Oh, le tech à 190%, 186%. Messieurs. Okay. Oh là là. Ok. Oh, là, on est sur la last stock. On est sur la last stock. C'est le moment là, les gars. Ici, on rigole plus. Vous êtes arrivés si loin. C'est la balle de match. On est parti. Donc ici, déjà 13% accumulé du côté d'Irnel ici. Ça y est, c'est parti. Les dingueries de Joker. Il est parti sur la haute. Sur la troisième. Oh là là, enfin, ils sont trop chauds. La pelote partout, on quelque chose. Très très serré au niveau de stock. Très très even au niveau de stock. Quoique ici, là, on est sûr qu'on est. Le fer qui rattrape la moitié des dégâts faits par Joker, c'est une dingue. Là, on a 92% de Colin Irnel, mais finalement, Irnel l'envoie offstage, donc repart avec Sim, mais finalement, bel atterrissage avec le 5B. Jusque maintenant, on sait toujours pas qui va gagner. C'est trop. Non, on sait toujours pas, on sait toujours pas. Il y a un Kaioken, il y a un qui a un stand. Tu veux faire quoi, mon frère? Ouais, offstage, 90%. Jump force, c'est déjà passé. Putain. Ok, le backer finalement ici envoie en désavantage notre ami Irnel. Ici, est-ce qu'il va l'empêcher de revenir sur le stage? Ok. Le faire. 103. Jotaro, Goku, qui va gagner? C'est tellement ton axe. C'est trop tendu. On est revenu sur le. C'est chacun son tour. Chacun son tour se fait éjecter d'un côté à l'autre. Il suffit que ce soit un air bas qui a un affaire. Non. GG Irnel. Le neutral B qui a. Non, en fait, il a lancé le side B et pendant l'animation du side B, bah, le neutral B de notre ami Irnel a tout pété sur le passage. Waka. Putain, ce 7. C'est fini. Irnel va rester dans l'arène du coup. Irnel, tu restes dans l'arène. Bravo en tout cas, Tigers. Bravo à Tigers en tout cas pour ce parcours. Ouais. Et ben, j'ai forcément à Irnel. Hein. GG Irnel qui continue. Il est qualifié. Quoi qu'il arrive. Yo Naitoru. Alors, Naitoru, il arrive sur le chat. Ça veut dire qu'il est fatigué. Quand est-ce que ça va finir? Et à l'aide, s'il vous plaît. Je vais juste changer le pseudo du joueur 2, donc qui va être Mika. T'inquiète pas, c'est vraiment tendu. Mais... Ah putain, vache, quel set. C'était un sacré set quand même. Mec, et regarde-moi. Attends deux secondes. Regarde-moi. Je me lève à 6h30 demain matin. J'ai fait Théo et Cast. Tout le tournoi depuis 19h. Merci. Incroyable. Et surtout quand c'est décalé, c'est encore trop drôle. Je suis mort. D'ailleurs, Nay, il a pas vu mon didgeridoo. Mais putain, on s'en fout de ton didgeridoo. Genre, il veut le dormir. Qu'est-ce que tu...
Oh. C'est tout. Allez, autre tournoi. Comment c'était le tournoi Qualifier d'Elios? Mais non, mais il avait pas vu mon Didgeridoo. Alors, t'es qualifié pour le... Allez gars, je commence à sécher des lèvres, il faut que je boive de l'eau. Où est ma bouteille s'il vous plaît? Au secours. T'avais jamais fait mon Didgeridoo? Attends, juste avant le match, il faut que je te montre ça aussi, parce que ça vraiment... Je suis un fanboy complètement assumé. Voilà, là. Ma magnifique figurine de... Non, frère, attends, mais là pour l'instant, le match s'est lancé. Le match s'est lancé. Le match s'est lancé. Voilà. Mais en plus, c'est dans la salle où t'as tourné. Oh là là, c'est parti, Bowser. Non, vite fait, si t'as des abus sur ce genre de match-up, donc Bowser et Wii Fit, ça dit quoi? Est-ce que... Oh purée, bordel. C'est... Je suis obligé de parler dans ma langue, mais Starfoufou quoi, Starfoufla, mais arrêtez! Arrêtez, la gymnastique c'est trop, la gymnastique c'est volant. La gymnastique c'est un sport dangereux. Putain, c'est un danger public, la gymnastique. C'est désastreux ce qu'il fait. C'est très grave. La balance board c'est un outil, c'est une arme blanche. Arrêtez-le. Si je fais de la gym pour devenir Kaioken, moi j'aimerais bien apprendre cette technique, mon pote. Frère, qu'est-ce qu'il fait? Bowser quoi, Bowser frère. C'est que dans FIFA. Il est déjà à 113% alors que je lâche 2-3 blagues. La 113%, 26%. La fatigue se ressent dans le chèque, ça me touffe, on est éclaté, on ne peut plus. Ouais, je te jure. Mais moi, ça m'amuse de fou par contre. Moi, je suis en train de m'amuser de fou. Moi, je vois des dingueries de malade. Quand tu es à la troisième personne, c'est des dingueries de fou. Ah, par contre, ouais, le clip qui lui est dans le micro. Allez, Mika, c'est pas fini. On reste quand même impartial quand même, parce que c'est une sacrée avance de la part de Hernel, mais... C'est back le Yoshi qui... Merci back. Oh, back le Yoshi. Bienvenue à toi mec. Tu es arrivé à la fin du tournoi et tout le monde est fatigué. Casté du Smash alors qu'on pourra jouer à Apex. Yasma, il me provoque. C'est la loser finale. C'est Naitoru qui attend, et qui a envie de dormir, mais est-ce que Pichu s'adore, Pichu? Est-ce que Pichu s'adore? Et le Danner, vraiment le Danner, c'est... Je pense que c'était inévitable là-dessus. Là, il aime bien sortir là, il aime vraiment bien sortir du ledge. Partir presque en fast fall, mettre ce donner. En fait il a cru que c'était Falcon ou quoi? Pourquoi t'as DQ toi? Alors je t'explique, il a pas DQ, juste il est arrivé trop tard. Le paquet de DQ. Et il a repop dans le chat un truc comme un quart d'heure après, alors que les deux sets d'après ils étaient en train d'effet, mais il dit ben, j'ai été DQ. Du coup je pouvais pas le remettre dans le bracket. Du coup, mais bon, c'est là. Je suis mort, je suis explosé. Incroyable, Mescol il me fait trop rire. Il me fait trop rire. C'est parti. Toujours sur Smashville, je pense que ça n'a pas changé depuis le début. Ça vous connaît. Je vois que... Smashville ça fait quand même du bien aux deux, mais surtout à Wii Fit. En fait là j'ai perdu Jasmine parce que je pense qu'il est encore avec son instrument, je crois. Alors, Jaspunk, t'as mis à jour les scores? J'ai mis à jour les scores. Le DJ. Oh là là. C'est pas vrai. Putain. C'est pas vrai. Là, il a snipé sévère. En même temps, pour une airboss, pareil, pour un gros tac, c'est... Comment tu peux ne pas louper, j'ai l'impression? À part une air dodge? Là, je pense que Mickaël a boum, mais c'est pas encore fini. Hein. Donc, ce n'est 15 euros et on a vu des comebacks. Hein. On a vu des reverse 3-0. Oh, je sais pas pourquoi j'y ai pensé, ça a rien à voir, mais je chercherai. Désolé, je parle plus de rien à voir après, juste là.
J'ai un clip sur ma Switch. Putain, Ice Climbers contre Amphinopi. Amphinopi, il pummel et Ice Climbers, genre il triple pari les pummels d'Amphinopi, genre. C'est hein incroyable. Ouais, bah que sur Popo, genre il grimpe Popo, il fait des pummels, tu vois. Oh là, non, pari, il mais... clac, 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 comme ça. Genre, non, en fait là, Mika, il s'est pris tous les downers. Ouais. Tous les downers, il s'est pris. Tous les downers. Là, ça devient très très chaud. Alors, je sais pas si c'est vraiment. Parce que c'est Bowser de se prendre tous ces downers là, mais. C'est juste le match-up. C'est le match-up. Le match-up. D'accord que c'est le match-up ici. Mais on va pas déjà jeter la faute sur le match-up aussi. Hein. Donc, le match n'est pas encore terminé. Le set n'est pas encore terminé. Yannel est clairement un excellent joueur, mais le match-up il est sale. Il a absolument chargé. What? Merci au client fidèle. C'est quoi qu'il dit? Chaque mulias de billets. Merci au client fidèle. Les rafales dans l'escalier. Kaioken, il faut éliminer ce Kaioken avant que ce ne soit trop tard. Il faut le fatiguer là. Voilà, il n'a plus Kaioken, donc il est en 24%. Et ça a tenté le comeback là. Jusque là, non là où. Ok. Le qui finalement trouve quelque chose. Non, c'est la mort. Ouais, complet. C'est la mort. 2-0 pour Irnel. Quelle violence la vache. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal en tout cas. Là, c'est juste des Ridley qui discutent dans le stage. Regarde tes DM Twitter après. Qu'est-ce qui se passe? Eh, je suis curieux moi aussi. Pourquoi moi j'ai pas de DM Twitter? Oh, il y a les Open Series. Je viens de voir ce qu'ils m'ont envoyé. Non, mais je peux pas faire ça. Alors, je peux pas faire ça. Ok. Donc, 2-0 balle de match en tout cas pour notre ami Irnel ici qui prend déjà de l'avance à ce... Clipper s'il vous plaît, clipper les gars. Regardez-moi ce Jasmine qui l'a même pas vu clipper. Si j'y plais. Je regarde les termes. 10 000 ans de souffrance. Non, mais clipper, moi j'ai trouvé ça mignon, je suis désolé, frère. Je suis un joueur de Johto, je joue déjà assez de carré comme ça, mais voir des bails comme ça avec un bon bilan de souffrance. Ah, mais j'ai vu. C'était un. Oh, voilà. Ok, le F-Smash qui rattrape un petit peu. C'est scandaleux, ce qui s'est passé. C'est yo, Renan. Fait, c'est scandaleux. Ah, c'est Renan, c'est le Luigi. Le Luigi, ouais. C'est Renan. Eh, moi j'ai pas ragé sur Luigi perso. Je sais pas qui a ragé sur Luigi, mais moi j'ai pas ragé sur Luigi. Moi je suis un mec qui râle sur Luigi moi, mais ça va. Pas, ça dépend. En ouais, offline, ouais, je m'en fous. En ligne, je sais pas. Oh là là. En tout cas, 22 personnes ce soir encore présents et toujours chaud, mais vraiment merci à vous les gars. Parce que j'espère que l'animation vous plaît, que le commentaire vous aura plu, mais le mouton n'est pas encore fini. 176%, mais il meurt pas. 76%. Voilà, là, je parle français. Et voilà, le fer qui a trouvé une sortie. Bon, bro. Vraiment le 0 qui bute sur Bowser en 3 minutes. C'est, quoi. C'est, vrai, c'est vrai que tu te rends pas compte. Je tiens à dire, je sais que tu te rends pas compte, mais. Je viens de réaliser que j'ai créé des templates possibles énormes en ayant buildé Cherry de près de ma bouche. J'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Natrox Guy, il m'a DM, il me dit pour combien de temps tu. Pour combien de likes tu poses ça en PVP pendant un bail, tu vois, mais c'est moi en train de tenir le didgeridoo tout près de ma bouche. Tiré, je fais. Enfin voilà, tu vois. Moi je fais une photo de profil avec ça. Bon. Du coup, toujours la dernière stock là ici, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la balle de match? Ça reste vraiment la balle de match dans le sens propre du terme. Ouais, c'est le ballon de match là. C'est vraiment le. Non, ici vraiment il récupère. Ouf, ça aurait pu être la vraie balle de match ici sur ce coup là. Vraiment Bowser, vraiment Mika, il est très 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 difficile. Ok, il a marché sur le feu. Il a marché sur le feu. Il a fait. Okay. Non, et c'est un 3-0.
C'est un 3-0 autoritaire de la part de... Mais attends, l'éjection du buzzer, elle était un peu chelou, vous pouvez revenir sur ce coup-là. Ou alors ça a été mal dit, aïe. Aïe, Mika, difficile. C'est vraiment, moi je trouve que le match-up là, c'était tendu. Pourtant, Bowser, ça peut être terrifiant, mais ce match-up là, c'est Sinogara quoi en face. Hein. C'est Irnet, c'est Sinogara quand même, hein. C'est un très très bon joueur. Hein. Fallait pas que je continue sur ce match, mais j'ai fait 3 FM. Ah, je comprends, mec, de toute façon, t'es qualifié. T'es qualifié, au calme, 3ème, franchement. Tranquille. Attends, mais je vais voir. Attends. Allez, man. T'as mérité ton repos, mon pote. Franchement, t'as mérité de. T'as été un très bon combattant. Attends, il faut que ce soit Irnel en joueur 1. Ouais, Irnel joueur 1. Naitoru joueur. Non, c'est pas l'inverse. Ah, si, ouais. Pardon, my bad. Ah, ouais, Titi, c'est 3ème place. Donc, c'est bon. T'as fait le boulot. Hein. Ouais, mais t'as en plus, temps, je sais que Mika, il s'est inscrit dans les derniers. J'ai dû changer. J'ai dû changer pendant. Alors, qu'est-ce que je raconte? J'ai dû changer son site au dernier moment. Je les cite. En gros, j'ai pas site exactement. J'ai cite des gens les 5 premiers, je les ai cite tous les deux 9 points de seeding. J'ai laissé le site faire du aléatoire et j'ai changé légèrement les brackets parce que. Au cas où, il y a des. Par exemple, il y avait Naitoru contre Mescol en quarters. Et c'est arrivé, tu vois. Et c'est arrivé, ouais. Donc bon. En final, non, ça n'a rien changé. Le bracket a bugué du coup. Parce qu'à la base, ça avait changé pour qu'il soit pas l'un contre l'autre. Je crois que cramé. Oh là là. T'as retweeté, bon. Espèce de sale mec. T'as retweeté. Ok. Ok. Incroyable. Oh là là. Et du coup, la grande finale. Donc on rappelle ici que Irnet doit gagner 2 sets, 2 fois 3 points, donc 2 fois 3 matchs pour pouvoir être victorieux de ce qualifier. Quoi qu'il arrive, toutes les personnes participant au top 8 sont déjà qualifiées. J'ai même pas le temps d'analyser le match, je peux même pas analyser. Moi c'est pas pour moi tout ça. Là. Franchement là, c'est pas pour moi tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de donner aussi peu de temps. Mais on a vu énormément. Hey, mais remarque, on a vu énormément de donner hein, sur ce tournoi. Surtout venant de la Wi-Fi, enfin du Wi-Fi de. Ouais, dire franchement, même, mais... autant on peut dire ce qu'on veut sur Wi-Fi en ligne et tout, mais il nous a vendu du rêve. Ouais, c'est vrai que. Il a été incroyable. Peu on peut dire que c'est un perso pour bah, les couilles, etc. Mais. Il a quand même montré que Wi-Fi c'est un énorme potentiel et qu'il faut pas le sous-estimer. À part lui et Met Kanubi, j'en connais pas d'autres hein, des Wi-Fi. Bah, il y avait Zenri Okan, mais il a arrêté. Oui, Zenri Okan. Ouais. Mizuki, du coup, oui, Zenri Okan. Ou il a arrêté de jouer tout court. Non. Il a arrêté de jouer. Ouais. Ces gens qui nous ont quittés trop tôt. Comme notre ami Lambda, il nous a quittés trop tôt. Vu ce qui s'est passé. Mais oui, mais ça se renvoie le ballon, ça renvoie l'envoyeur ici. Avec le burn. Ah oui, mais oui, c'est vrai, mais c'est vrai hein, que Netoros. J'ai oublié que là, il est en train de tester vraiment ses petits buffs en tout cas. Oh, la plateforme qui a un petit peu sauvé la vie de notre ami Ernel là-bas. Mais quoi qu'il arrive, 160%, c'est toujours un petit peu trop. Les Tidioles justement qui vont l'empêcher. Et finalement c'est le F-Tilt qui va trouver la porte de la sortie à notre cher Mérinel. Ça repart sur les basiques combo de Perle et Perle. Finalement ça trouve le back air ici. Ah moi c'est bon, moi j'en ai marre moi. Je débranche mon casque et je me casse. Comme l'a dit notre ami. Plié, bagage. Carré. Je dis bagage. Carré. Bruh. Putain, y'a Yasmat qui a retweeté aussi, mais vous êtes là, les gars. Ah, moi, je veux voir cette photo. Moi, je veux voir cette photo en profil. Je suis désolé. T'as quand même déjà 3 likes, alors il faut que. 10 x 3 et c'est fini. Allez, 30 personnes. Vous êtes dans le chat. Allez. J'ai lose, y'a pas moyen online. En même temps, écoute, Pichu online.
C'est... Il a vraiment dit merci au client fidèle. Merci au client fidèle. Attends, je vais faire... Merci au client fidèle. C'est tout. Merci au client fidèle. Merci, merci. Vic, pour le follow. Comment tu vas, Vic? Ah, c'est Vic et SSB aussi. C'est aussi le joueur de Yoshi. Ouais, Yoshi Donkey Kong. On a Bak et Vic dans le chat. Aïe, aïe. On va jeter un petit coup d'œil sur cette grande finale qui repart des plus belles ici déjà, 12% du côté de notre ami Yonel qui est déjà en Kaioken et qui a vraiment du mal déjà à pouvoir s'imposer sur ce début de game. Voilà, le petit dial pour couvrir justement la Ruko, le F-Til qui est parvenu à le toucher. Ah, ça aurait pu être un F-Smash sur ce coup, mais ah, encore un petit ult. Et le F-Smash, ah, c'est très, très 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 dommage. Ça a été un peu trop tôt cette fois-ci. Yo Vic. Bon, j'avoue, c'est mon Bak. Ok, donc Bak Vic, c'est kiff kiff, hein, tu vois, ça finit par C, donc... je m'avoue vaincu. Waouh. Là, bah, je m'attendais à la up trop sur ce coup-là, mais... Ah ouais, là, on a... C'est quand même... La up trop. Et ben voilà, c'est ça, la fameuse de pro. Pichou en ligne. C'est pas une reproche de toute façon, moi je suis pas du tout concerné par vos histoires de online pour le mec, je sais pas, voilà. Je sais pas, ça me regarde pas. Genre, moi je joue pour m'amuser online et pour apprendre et pour continuer à garder du niveau sur le jeu, je fais pas de tournoi. C'est ça, c'est... Qu'est-ce que ça a l'air fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment pour garder le niveau, pour ne pas perdre tout, mais n'empêche là, regarde, là, malgré le martèlement ici, Mais bientôt Wifit est revenu. Le dernier finalement ça pourrait faire quelque chose, mais heureusement il a gardé son jump à ce pourcentage là, c'est pas maintenant. Là il lui envoie la balle, renvoie-moi cette balle. Mais je bientôt, te fais la passe encore une fois. Dire, tiens, je dois faire la promotion de l'événement au passage, ça fait partie de mon travail. Mais bientôt du offline. Bientôt bientôt un petit event offline. À regarder hein, pour la majorité des gens, je vais pas vous mentir, ce sera très 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 restreint. Ne pensez pas pouvoir forcément avoir de place, mais il y aura un petit event offline à regarder au sein des Deus Gaming. Ok, je laisse continuer ta promo. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur Deus Gaming à partir de demain. Watch out. Demain 20h. Et sachez que l'événement qui. Est annoncé demain ne sera pas le seul de sa catégorie, donc n'hésitez pas à aller check. Là on part sur une cuisine de Jaspion type qui a rien compris. C'est Autocast avec toi? Non, c'est Mamoru, le Shoto belge. Non, pourquoi je ressemble? Je te vois en call Takuni, il a une voix un peu space. Bah oui. J'essaie de limiter, je vais pas le faire. Par respect en tout cas. Dédicace à Ota. Le frérot. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah non, je sais pas, il est pas chez Lush. Si, il est chez Lush. Mais moi, je sais pas chez Lush. Si, c'est moi, Otakuni et ZHT. Les trois joueurs Helios. Fundis, exactement. Yoron Doge. Oh putain, il y a des. Nice. On va voir tout le Smash Twitter qui vont débarquer. Ils arrivent, hein, parce que Astor-ci, regarde, il est minuit moins 5. Astor-ci, il n'y a plus grand chose, il nous reste quoi? Il reste là, il reste notre tournoi, il reste la grande finale. Et là, qui part sur 1-1. Tu vois, moi, je suis surpris qu'on en soit autant avancé dans le bracket à ce stade-là. Moi, je trouve que 1-1 dans la grande finale à minuit, c'est correct. Ça va, hein. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais, t'inquiète. Du coup, salutations à toi, Vic. Non, mais tu fais partie du Smash Twitter. Tous les gens que je vois là dans le chat, genre Vic, Juan de J, tout ça, c'est des gens que je vois uniquement sur Smash Twitter. Donc pour moi, c'est le Smash Twitter. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui paraît, tu dis t'es dinguerie, Juan de J. On m'a dit que tu disais que t'étais un tweetos drôle. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. 3, 2, 1, parti. Belle fesse au Fight Night, c'est-à-dire, je suis obligé d'autoriser ça. Attends, donc, pardon. Belle fessée, hein. Non, il parlait de ah oui, vite, de mon passage au Fight Night en fait. qui était assez tendu quand même pour l'adversaire. Regarde, Yasmat, il fait ça.
mec, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Il lui a avalé une stock. Elle s'est fait manger, genre. Mais j'ai à peine regardé le chat. Entre le chat et regarder la stock, qu'est-ce qui se passe, les gars? Et bien sûr, après après le Yorasiung, alors, c'est y a pas de Yorasiung, on va t'envoyer le bracket dans le chat. T'inquiète, oh, je vais t'envoyer. Je fais mon travail. Je fais mon boulot. Oh, il va se disaster la game là. Non. Ah, allez, j'en peux plus. Je pense qu'il en peut plus. Là, je pense qu'il en peut plus. Là, je pense que. Je pense qu'il en peut plus. Ou alors, c'est le stage, peut-être. Qui est pas avantageux, mais. À mon avis, je pense qu'il est à bout. Pour Ufit, fallait pas. C'est le mental. Non, il n'y a pas de cher, les gars. Il n'y a pas de cher. Pour le mental, c'est pas cool. Pour le mental, c'est chaud. Aster 6, ça devient chaud. Pichu, c'est bon. Est-ce que tu... il voulait juste bonsoir, Rascoin. Bonsoir, t'inquiète, Rascoin, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, on se connaît, donc il n'y a pas de soucis. Je pense pas qu'il va se casser. Je pense qu'il veut changer de terrain. À mon avis, c'est ça. Je pense qu'il a vraiment drop cette game, en tout cas, pour ça, et ça repart directement, en fait. Ça repart directement, ils ont pas attendu. Je vais profiter pour voir, parce que je pense qu'après, on va raid quelqu'un. Est-ce que vous avez des... Je vais regarder s'il y a quelqu'un à raid sur Smash. Sinon, est-ce que vous avez des gens à proposer? N'hésitez pas. Et c'est reparti, ça va sur PS2. Je pense que c'était l'objectif en tout cas de pour Irnel, hein, vu que c'est à lutte à ce moment-là, il a voulu vraiment, je pense que. Et je vais juste Magnus poser une question pas, vite fait, si tu me permets. Ouais. Là maintenant, est-ce que ça a des gens que ça intéresse? Là, il y a la cité de Wikis. Oh là là. Oh là là, déjà une stock déjà partie. Je vais aller voir. C'est déjà une stock partie, mais c'est vraiment la balle de match. Il a laissé vraiment. Il a pris quand même le risque de laisser drop un match pour pouvoir counter-pick sur PS2. Et ben voilà, les 1000 ans de souffrance, ça y a pas à dire. Les stocks elles s'envolent. Je vais regarder aussi, tu vois. Je pense. Ouais, je pense. Non, mais je pense qu'on va raid Psycho après. Je prépare. Ah ouais, la Tilted Wiki. Ça va aller sur Psycho juste après. Non, ce Up Smash c'est 10 millions de souffrance, mais je pense que c'est vraiment le PS2 qui l'avantage tous contre les 1000 ans de souffrance. Je vais donc vous envoyer sur la loser finale là-bas qui oppose Noxumbra et Spectral quand le set sera fini. Nice battle. Nice. Et ben voilà. Ça part ici juste après un Up Smash, là, vraiment le Up Smash chargé à l'atterrissage de notre ami Irnel, mais. Ouais, il y a un autre tournoi, Miam Richter Samus. Ah ouais. Ah, c'est quel genre de match-up ça, Richter Samus? Ah ouais. Mais dites-vous qu'il y a d'autres personnes en Winner Field. C'est pas grave. Que c'est juste un match. Ok, T-Jol, encore T-Jol. Ok, non, finalement le F-Til qui n'a pas eu son mot à dire pour l'instant, mais le Kaioken peut-être va faire changer les choses pour cette stock-là. Peut-être relancer Yonel. Sur ce set, 76% quand même, quand même tendu. 85. Ça reste quand même tendu ici. Et c'est le backer qui a trouvé la sortie. Il a ouvert la porte, il a dit casse-toi. Si j'ai counter pick, c'est pas pour rien, mon pote. Bah, du coup, si je suis. Sinon, je vais parler dans le chat. Est-ce que si je raid Kilter, vous êtes chaud à leur carte jouer à Sekiro? Une vraie question. Ah, parce c'est qu'en cool, vrai, ça peut être sympa. Il y a Kilter aussi. Parce qu'en vrai, Gilder c'est quand même un bon gars. Ouais. Ok, est-ce que vous êtes chaud à le regarder finir sa run de Sekiro? Ouais, Gilder le boss. Ok, on a une réponse, ça suffit. On va raid Gilder après. Ouf, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin des haricots? Ah ouais. Oh, c'est la fin des haricots. Bien joué. Bravo. Bien bravo joué en tout cas. En tout cas, ah oui, t'avais pas changé les scores. Mais... Excuse-moi, je vais faire les remerciements à tout de suite, Force Speed. Merci à tout le monde d'être passé. Bien joué à Naetoru qui se qualifie, qui finit premier. Tout le top 8 se qualifie pour l'étape finale, bien sûr. Mais GG à Naetoru qui a été impartial sur sa braquette impériale, pardon. Il a gagné de A à Z. Il s'en est très très bien sorti. Il est donc, on le retrouvera donc pour l'étape finale qui sera donc à la fin du mois. Je vais tout mettre en ordre pour que ça soit relayé sur Twitter un peu mieux. Et écoutez. Merci tout le monde, tous ceux qui étaient là, c'était cool, il y a eu beaucoup de monde, c'était super sympa, et n'hésitez pas à aller faire un gros coucou à Gilter et à lâcher votre meilleur follow, vraiment ça le mettra très très bien. Peace, bonne soirée. Yo.
m'a même pas remercié, t'es un connard. Excuse-moi, gros, c'est pas... T'es un bâtard, mon pote. Je te remercie trop maintenant. Oh, merci Helios Gaming pour le raid. Je sais pas qui c'est du coup sur Helios Gaming, mais merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue à tous. Bonjour, ouais. C'est Kiro. Salut Yasmat. Ah, Jaspunk, merci beaucoup, c'est gentil. Ah, bah écoute, oh. Merci Mamoru. Monkey. Merci mon pote, ça fait plaisir. Hein ? Merci Mamoru pour le cast. Oh, tranquille. C'était cool, moi. Merci.